Bonjour, bonsoir plutôt parce qu'il est 20h, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, petit live poker ce soir. Excusez-moi euh, forcément, vous n'êtes pas encore là puisqu'il y a 3 minutes de délai euh, dans, les lives, euh, dans les lives poker puisque ce soir c'est grosse soirée. Euh tournoi, grosse, euh, j'étais en train de répondre pardon à You, euh, grosse soirée tournoi poker, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et ça me fait plaisir de pouvoir faire ça parce que euh, en fait ces derniers temps on faisait des formats assez sympas euh, avec des tables finales, euh, des formats avec Gotha et Dwag où on jouait à 3 et tout. Mais euh, ce qui me fait vraiment surkiffer dans le poker, c'est notamment les tournois. Alors, idéalement, c'est les tournois, ce qu'on appelle euh, live. Les tournois live, en gros, c'est les tournois IRL. Euh, donc, c'est-à-dire avec les jetons, t'es à une table et tout. J'ai pas eu la chance d'en faire énormément, mais bon, avec le Covid et tout, c'était aussi un peu plus compliqué. Euh, mais du coup, j'aime bien aussi les tournois euh, en ligne. J'ai pu en faire quelques-uns. Et euh, le truc, c'est que moi, vous le savez, j'aime beaucoup le poker. Le truc, c'est que le poker, euh, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'apprentissage, de connaissances, etc. Euh, et pour ça, euh, je vais donc me faire coacher par You, euh, qui est un ancien pro poker, qui est commentateur désormais chez PokerStars. Euh, en même temps, euh, comme à chaque fois que je fais du poker, il y a un free-roll donc un tournoi gratuit d'entrée. Free roll de Domingo. Le mot de passe, c'est popcorn. Euh, tu vois, typiquement, là, il y a des gens que je vois demander. Le mot de passe est donc popcorn. Euh, les amis, je vais vous montrer ça. Euh, J'ai deux tournois ce soir, euh, je pense, que, que je vais faire. Euh, je vais vous montrer ça. En gros, là, le free roll, donc, du coup, il est juste là. Euh, avec, euh, Vous avez juste à cliquer, faire jouer. Euh, et là, le mot de passe, vous rentrez donc, du coup, popcorn. Et c'est euh, ensuite gratuit. Il y a 2000 euros de tickets au total. Euh, ah, je pensais que c'était que les euh, genre 234 entre guillemets, euh, euh, genre les 50 premiers qui prenaient tout et qui se partageaient. Mais ça monte jusqu'à le premier, il va prendre 320 euros de ticket de tournoi pour zéro, zéro, euh, zéro à la, à la dépense. Donc c'est quand, euh, quand même très très solide. C'est quand même très, très solide. Nous, ce soir, on va se faire des tournois scoop. En gros, le euh, scoop, c'est justement donc du 27 mars au 17 avril. Je crois que c'est tous les ans. Euh, c'est une série de tournois, en fait, euh, bah, que j'aime bien, qui sont un peu spéciaux. Euh, je demanderai à You le pourquoi du comment euh, scoop, euh, ce qui se passe, etc. Et en fait, on va faire, nous, deux tournois. Je vais normalement jouer sur deux tables. J'ai déjà le petit overlay. Et vous le voyez en haut, hein, avec un buy-in à 30 euros et un buy-in à 100 euros. Donc, deux beaux tournois. Mais avant, je vous propose peut-être d'appeler euh, You. Et de, de juste au moins lui dire bonjour, puisqu'on va passer la soirée ensemble et on va pouvoir un peu papoter. Il va me raconter un peu, enfin, il va, il va me coacher, il ne pourra pas me coacher pendant les coups, euh, mais en dehors, il pourra. Euh, à vous, c'est une hashtag ad. Alors, je suis partenaire, hein. Kent, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Je suis partenaire de, euh, de Poker Stars, bien évidemment, et You qui me rejoint. N'est-ce pas beau Salut, PA Ça va Oula, je t'entends. Attends, hop. Ça va ou quoi bah écoute, ça va très très bien. J'espère que toi aussi. Bah ouais, et ça fait un bail. C'était quand la dernière fois qu'on avait fait ça là Ça devait être il y a. Euh... Ouais, quelque chose comme il y a. Un, un an Trois, quatre mois. Non, 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 un peu moins que ça. Trois, quatre mois, mois peut-être. Ouais, six mois peut-être. Ouais, peut ouais, le, le temps passe vite. Attends, mais ça devait être dans nos. Dans nos dernières. Ça devait coups, être dans nos discussions. Euh... Ah non, juin 2021. Ah ouais, tu Trash. vois, quasiment un an. Eh ouais, 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 même ouais, mai euh, 2021 même. Donc, euh, donc, ça fait quasiment un an, j'étais en train d'expliquer, bon, avec le délai, etc., bien sûr, mais que, euh, mais que du coup, ce soir, tu allais me coacher, que toi, tu avais été euh, un ancien joueur de poker, et que désormais, tu étais bah, commentateur, euh, justement, avec Benny, et que euh, tu commentais sur Poker Stars. Et c'est vrai que bah, ceux, qui, euh, ceux qui avaient suivi le premier connaissent, mais, euh, mais ça fait plaisir, en tout cas, de, de te recapter. Bah ouais, moi aussi, euh, j'ai euh, suivi un petit peu hein, toutes tes, euh, tes aventures. <laughs> donc, euh, toujours... Ouais, oh, c'est cool. Et puis, euh, on te voit hein, très régulièrement sur les tables de poker. Je pense, un peu quand t'es off, tu te fais plaisir. Ouais, je joue. Hein. Et t'as fait quelques perfs en plus. Donc, euh, on, on te suit avec Benny. On, on suit ça de près. Ça fait plaisir j'avais joué, euh, ouais, là, récemment j'avais fait un petit tournoi, mais bah, c'était dimanche dernier là. Euh, j'avais, euh, j'étais allé, alors sans être allé hyper loin, mais des petits tournois de, de 20-30 balles euh, où j'avais réussi à faire euh, place payée. Mais c'est, en fait, j'ai dû toujours, toujours même le même souci où j'arrive à éliminer. J'avais dû prendre quand même quasiment 100, entre 150 et 200 balles de kill. Donc euh, ouais. le kill, c'est, euh, vous allez le voir, c'est tournois en PKO. Euh, ceux qui connaissent pas du tout le poker où en gros euh, chacun a une prime sur sa tête et quand t'élimines entièrement le joueur tu récupères une partie de sa prime. Et euh, mais j'avais fait genre 40 balles en place payée, mais euh, j'avoue que j'avais fait quelques kills. Mais bon, en tout cas, je suis bien content de, de faire cette petite soirée avec toi, parce que euh, c'est ce que j'expliquais depuis euh, quelques temps, là, bah, avec PokerStars et tout, on faisait des, des soirées assez cool, euh, justement. Euh, mais bon, voilà, Gota et Dwag, je sais pas si tu as suivi, mais bon, ils sont, ils sont flingués, je suis, je suis plus de leur niveau, voilà, maintenant je... Je, je vais être dans que... un autre monde, Voilà, you Je <laughs> pense que là, il va, falloir, il va falloir leur montrer un petit peu, là. Alors, euh, j'ai quetché Dwag, il y a une semaine ou deux peut-être ouais. un vendredi soir aussi euh, où c'était parti euh, de, de, de folie et, euh, et on essaye de, de tu vois de coacher selon les euh, les caractères un peu des, des joueurs moi c'est un peu ma, ma philosophie euh, ouais. je sais que tu es quelqu'un qui est quand même d'assez logique d'assez cartésien euh, plutôt rationnel euh, donc voilà, on, on, essaye de, on va essayer d'aller dans un dans un poker qui ressemble à ça. Douxby, c'est pas le même style. Euh, c'est un bluffeur. Ouais, c'est plus agressif, c'est plus. Ah, euh, c'est dur plus... d'être agro en tournoi quand même en ligne. C'est très compliqué. <laughs> Maintenant, vaut mieux être quand on est un joueur, on va dire sur la, la phase ascendante de sa progression, il vaut mieux être agressif que passif. Ouais. Euh, Au moins, tu que, tentes euh, bah, des choses, quoi. Voilà, on obtient toujours un peu plus de fold. Alors, quand tu es passif, bah, tu, euh, tu subis plus qu'autre chose et c'est compliqué, surtout quand tu sais pas vraiment quels sont les jeux de tes adversaires. Euh, mais euh, non, non, et puis voilà. Et puis après, Gotaga, c'est un autre style. Gotaga, c'est. il a bien progressé. Hein. Gotaga, il a très, très. Euh, il, a, il a pris un très bon niveau ouais. théorique, je pense. Et là, ce qu'il va lui falloir à Gotaga, je pense, c'est de faire du volume beaucoup de volume pour mettre en pratique un petit peu tout ce qu'il euh, qui a tout ce qu'il a appris mais ouais je pense que gotaga c'est euh, un de ceux qui peut être, euh, qui peut être assez qui peut être, euh, qui peut être intéressant au niveau du poker Et, mais euh, j'ai de gros 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 espoirs aussi en, en toi euh, père euh, parce que euh, bah parce que je pense que tu combines un petit peu toutes les qualités. Euh, tu n'es peut-être pas je ne sais pas hein, je vais peut-être mal le prendre mais tu n'es peut-être pas surdoué quelque part mais tu es très fort partout non, euh... c'est c'est très gentil, euh, ça me fait plaisir. Après, ouais, non, je manque un peu de rigueur et de euh, de pratique. Je sais que tu m'avais appris plein plein de choses. J'ai vu que sur la conf Discord, tu m'avais envoyé des tableaux et tout. <laughs> euh, mais c'est bien, c'est bien. En, en gros, là, moi, du coup, un peu le souci, c'est que si tu veux, bah, j'ai repris. Euh, euh, ça me manque un peu de. Je je je, pouvais, je... Attendez, parce que je suis en train de régler en même temps le son t'étais un peu fort, j'ai baissé euh, du coup on a 2-3 minutes de délai hein. euh, vous le voyez dans le chat, on va partir après sur, euh, sur l'autre scène mais euh, dites-moi dites si euh, le son est bien maintenant à partir de là normalement ça, de, ça devrait être bon il y a un petit fond, un petit fond musical mais, mais je gérerai ça sinon euh, mais, mais ouais non, euh, en vrai de vrai euh, j'ai plus trop bah, c'est quand même particulier les formats de table finale euh, tu vois donc ça m'a poussé à être quand même euh, très passif Enfin, tu vois, genre, euh, concrètement, ouais, ouais, les formats où tu joues deux heures, bah, t'attends en fait la première demi-heure et ensuite euh, euh, t'essayes de coincer les mecs, quoi et, euh, et du coup euh, du coup je pense que je vais faire plein d'erreurs. Euh, J'avoue que j'ai prévu deux trucs qu'on fasse euh, justement une table, deux tables. Euh, tu penses que c'est une erreur de faire deux tables, toi ça va être trop euh, trop de jeu entre guillemets ou, euh, ou ça peut le non, faire Non 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 parce qu'en plus je crois que les tournois dont tu m'avais parlé, il y en a un qui est en six max et puis il y en a un qui est ce qu'on appelle en full ring donc euh, huit ou plus. à six joueurs et à huit ou plus. moins ouais. d'action. Ouais. voilà euh, six max et six joueurs effectivement donc là il y a plus d'action plus d'action. Euh, moi je pense que c'est bien parce qu'on va avoir pas mal de situations. Ouais. Euh, après, effectivement, euh, c'est un quand on, on, on a un niveau de poker, quand on est en apprentissage, on conseille souvent de faire une table de max. Parce que comme ça, on essaye de voir. Après, euh, après, limite, on peut se commencer si peut-être. Si parce si. que du coup, je, je disais, euh, là, il y a le scoop 100 euros qui, je pense, va être un peu le main. Euh, limite, ouais. on peut peut-être s'ouvrir. Parce que là, ça commence à 20 heures. Donc, bon, on est, on est très bien, quoi. Euh, L'inscription tardive est fini dans deux heures. L'autre aussi. Euh, on peut peut-être commencer avec juste le, le 100 euros. Et si on voit que, comme c'est un 8 max, on a un peu le temps et tout, j'ouvre à côté une deuxième table qui est le 30. Ça peut être bien, non Ouais. Bah écoute, moi, ça me paraît pas mal. Puis si toi, tu te sens à l'aise là-dessus, euh, go. Ouais, euh, comme, go ça, là comme ça, moi, on on commence un peu progressivement et euh, alors attends deux secondes je veux juste voilà euh, donc vous avez le buy en haut à gauche hop je vous mets ça le tournoi il est là je vous le disais il hein, y a le free roll euh, free roll de Domingo le mot de passe c'est popcorn euh, c'est pas Epierre. il y a une voix qui est un peu similaire mais non ce n'est pas ce n'est pas Epierre. Et, et, je, et je précise hein, parce que bien évidemment euh, poker euh, poker stars etc forcément donc euh, le, jouer que si euh, que si justement vous êtes majeur et euh, jouer ce que vous êtes prêt à perdre le but c'est que ça soit justement du plaisir ne pas jouer pour gagner de l'argent mais jouer pour euh, bah pour essayer justement de, de progresser donc voilà c'est pour ça qu'il y a des free roll où c'est entièrement gratuit il y a plein de petits tournois là je fais un gros tournoi donc qui est à 100 euros mais chaque mois moi poker stars me donne aussi un solde pour participer à des tournois pour pouvoir montrer et, et c'est important de le préciser avant de, de pouvoir démarrer euh, et d'ailleurs ce soir euh, j'ai des tickets à vous filer euh, comme d'hab euh, je veux pas vous dire de la merde je vous dis ça tout de suite en termes de tickets combien j'ai mais euh, à chaque fois stars y régale euh, tac tac attends excuse-moi you non non euh, c'est où que j'ai eu l'info ah ça devait être là euh, 50 gagnants qui remporteront donc le paquet euh, le pack de tickets Spin and Go d'une valeur de 20 euros chacun donc il y a 50 packs de 20 euros à gagner ce qui est énorme vraiment ça, ça régale quand même. 50 x 20, ça fait 1000. On est dedans, ouais. Tain, le calcul est bon. Je suis ouais, prêt. Je, bon, suis... Bon, es je, je suis prêt. Bon, alors, ce, ce soir-là, pour l'instant, notre tournoi, là. Euh, notre tournoi, donc, du coup, il y a combien de joueurs euh, Cliquez pour voir la liste des joueurs. 64 joueurs pour l'instant. Il y en a déjà 4 qui ont été éliminés. Euh, donc, il y a euh, 20, 000, euh, 20 000 en price pool, donc garantie. S'il y a vraiment beaucoup plus de joueurs qui rentrent, il y aura peut-être une possibilité que ça augmente. 4 300, on la voilà, gagne. Plus des primes, donc, en fonction de chaque personne que vous éliminez. Et euh, écoutez, on est parti. Hein on est parti tranquillement. Euh, et je suis direct à une table. Oh, je démarre avec une table, petite paire de 6. Petite... Alors, je vois pas ta table, moi, paire. Oh euh, merde, tu te trop euh... con, pardon, excuse-moi, attends, je vais... non, non t'inquiète, je vais pas, te. j'étais parti de toute façon dessus, mais... Hop, je vais tout... Oui, parce que les 3 minutes de délai, ça va être quand même... Euh, partage ton écran. Toi, je te mets tout l'écran, comme ça, t'es bien. Hop. Et je suis parti. Donc, You va me coacher. Yu ne pourra pas me coacher pendant les coups. Euh, donc, du coup, il me coachera euh, entre les coups. Le but, c'est que je puisse, moi, donner un peu euh, mon feeling sur euh, bah, ce, que, euh, ce que je fais, etc. Et ensuite, euh, dire. Donc, là, paire de 6, j'envoie du 2.2. Bon, c'est un peu technique. Roi 18. Donc, je me retrouve forcément. Euh, là, je... là, en fait, je vais avoir un peu la pression. On est sur un tournoi 100 euros. Donc, je vais parfois être sur des coups un peu petites couilles. Euh, parce que justement. Peu peur de faire n'importe quoi sur le gros tournoi. On a donc 10 000 de départ. Je mets en blinde. C'est comme ça que je vous conseille si jamais vous ne connaissez pas les tournois pour pouvoir savoir. J'ai donc 97 grosses blindes là à l'heure actuelle. Paire de 6, j'aurais pu envoyer par exemple un peu plus. Là, je vais essayer quand même de value. Je pense que le gars n'a euh, pas grand chose. Je vais envoyer un 2,4 histoire de. 240. Euh, J'ai quand même la plus petite. Euh, ouais, J'avais la plus petite. J'ai hésité au flop à envoyer quelque chose, mais je me suis dit ouais, si je commence à envoyer au flop, je vais devoir me retrouver tout le long. À, à bête, ouais, bah écoute, euh, ça commence par euh, une petite masterclass. Oh là là, euh, non, elle est très bien jouée. Tu as relancé ta paire, ce qui est normal. Euh, tu es, as été payé par un joueur en position. t'as pas voulu faire de mise de continuation sur un board qui te, qui te convient pas vraiment parce qu'il y a trois cartes au-dessus de, de, de ta paire. Euh, donc tu veux pas faire grossir le pot hors de position. Le Jonathan euh, ZL7 allait parler après toi pendant tout le coup. donc c'est pas très euh, euh, confortable pour toi, ouais. surtout quand t'as pas touché. Euh, et à la river, bah tu prends la décision de miser parce que ton adversaire n'a montré aucune agressivité. Euh, tu fais une petite mise qui, je pense, si t'avais été relancé, t'aurais pu passer assez facilement. Ouais. Euh, mais en tout cas, voilà, tu, fas, tu vas peut-être dans ce genre de situation te faire payer par une hauteur race donc une main que tu bats. Ouais. Donc, effectivement, prendre de la value. Donc, tu as dit les bons termes en plus. C'est-à-dire que je vais value. Donc, tu pouvais value aussi sur une petite paire de 2, une petite paire de 3 ou, euh, ou ce genre de choses. Euh, et euh, et dans, le, dans quelques cas aussi, tu vas peut-être faire passer. Alors, je ne pense pas sur ce type de pot avec 100 blindes, mais tu peux peut-être faire passer une petite paire que le... le ouais, de le 8, mec de aurait... 7, euh, un peu voilà, comme ça, ouais, en se disant, exactement. il y a le roi. Mais voilà. par, rapport à, ouais, par rapport à ça, il, enfin, je pense le, sur un 7, le gars, il se dit, bon, bah, euh, il n'a pas le roi, quoi, entre guillemets, parce qu'il n'a pas, pas suivi. Tu vois, la position, j'aurais été un peu inconfortable, et, et j'ai l'habitude, et du coup, je me qualifie un peu en joueur petite couille. Euh, c'est par exemple, euh, sur le flop, roi euh, 18, je te dis une connerie, je ne sais plus exactement si c'est ça. Ouais, ou euh, tu vois s'ils si me mettent deux trois blindes, bah je suis un peu en begay max, tu vois. Je sais pas quoi ouais. faire. Et eh ben c'est pas grave du tout. Alors euh, je sais pas si tu veux jouer cette main mais après je te dirai. J'ai hésité. On est en 8 mains. Alors euh, donc du coup comme là il y a euh, on il a trois six, il y a huit ouais, joueurs, euh, là je vais quand même jouer que des premiums quasiment. Même si As 2 je je, sais pas, je suis pas dans, je suis UTG plus 1 donc euh, je me dis bon, on va commencer à jouer safe. C'est une, euh, une très bonne posture pour un tournoi comme ça où effectivement les mecs sont très forts en face. Je les connais quasiment tous. Je connais ah ouais Tommy Tom à ta gauche. Je connais Jonathan euh, Bellaccia au 89 qui est un très bon joueur. Euh, probablement le meilleur. Ah ouais, là, portable. les tournois à 100 balles, les mecs jouent tous. Enfin, euh, c'est tous. Il euh, n'y a, a pas de random, quoi. Il y en a quelques-uns. Oui, mais euh... dans l'ensemble, c'est quand même du solide, quoi. Mais voilà, dans l'ensemble, on sait qu'ils vont faire des plays qui vont être en général euh, un peu. Euh, un plus agressif que sur des tournois classiques okay. et surtout euh, un peu plus ré... enfin alors, pas pas réfléchi parce que ça serait manquer de respect aux autres mais euh, avec ouais. un, degré, un degré de réflexion un peu plus élevé peu coordonné quoi ouh voilà. le as valet défendant grosse blinde mais, euh, mais mais du coup ouais donc, sur sur ce truc alors pas sur cette main hein, parce que du coup you ne peut pas me coacher bah, sur la le as tôt. de cœur c'est la même situation que tout à l'heure, tu risques d'être payé au moins une fois, deux fois, trois fois. Non ça ça plus va, c'était plus sur le flop, par exemple, tu vois, quand je suis relancé, ah et oui. que je suis lopère ouais. ou quoi, j'ai souvent du mal à aller payer pour voir un peu ce que le mec a dans le ventre, tu vois. Eh bah, ben, c'est très bien. Tu, tu peux passer, c'est... Je te le dirai après. Voilà, ouais, typiquement, je suis hauteur as, euh, là je vois roi... Euh, roi 2-3 truc c'est qu'il met un 37 donc un 37 c'est les sommes pour moi où je me dis bon sur ma hauteur je me sens pas mal je suis quand même loin de du 4 du 5 il peut avoir touché une petite merde à côté le 3 me met pas si mal le 3 me met pas si mal il va y avoir la question il va continuer à bête quoi qu'il arrive la question c'est est-ce que je le vois sur un roi ou, ou sur rien du tout ou juste sur euh, Asvalet, on est quand même pas mal en termes de hauteur. Est-ce qu'il a juste. Euh... Bon, on va voir. De toute façon, le truc, c'est qu'il va commencer à envoyer plus. Et là, ça va faire peur. C'est exactement ça. Souvent, je me retrouve dans cette situation. Voilà, j'ai payé un. Il envoie 6 derrière. Là, ensuite, c'est que, que du trust. quoi. Est-ce que. Euh... Pourquoi il ferait ça si jamais il avait le roi Est-ce que là, il essaye de défendre une position de. Il a un 3. Tu le disais que c'était les mecs qui allaient jouer agressifs, ils vont peut-être vouloir, euh, vouloir faire coucher. Naturellement, je vais un peu me coucher, mais là, j'aurais été curieux parce que je ne le sens pas spécialement sur un roi. Mais, euh, mais c'est ce truc-là, là, les premières mains d'un tournoi. Pour l'instant, je suis bien en blinde. Après, c'est le début d'un tournoi, c'est peut-être l'occasion aussi de, de croire en soi. Le souci, c'est que je suis emmené dans un coup où là, il va m'emmener sur un, un, sur un 12 blind je pense forcément. Il a mis 6, il a mis à peu près 60% du pot et il va envoyer un 12 blind est-ce que je continue à croire, sachant que je n'ai absolument rien Il y avait deux carreaux, il veut peut-être éviter la couleur aussi, il veut sécuriser son roi. Je n'ai peut-être pas bien lu de base, Et il a juste un roi ou une merde comme ça. Et ma hauteur, puce est mort. Le mec, il ne serait pas allé forcément, il était, il était quoi là Il était UTG plus 1, il a relancé. Ah, quand même, forte chance qu'il ait un roi. Hein. Une petite paire, une petite poquette de paire, une petite paire de, de 7, de 8. C'est pas trop. Est-ce qu'il m'envoie du, 12... Est qu du 12 blindes Est-ce qu'il se. Oh, là, là, je me retrouve à payer. En... Je vais payer jusqu'au bout, là. Ok. <laughs> bon, je vais peut-être pas payer jusqu'au bout. C'est pas encore si cher que ça. Voilà, j'ai perdu 500. On peut encore discuter. Je vais un peu réfléchir histoire de faire genre je bluff. Il avait quoi Il avait le roi, quoi, le mec Il avait le roi, mais il met tapis là-dessus. Putain. Bon. Ah, j'aurais dû me coucher, j'aurais dû suivre mon instinct premier au lieu de faire le cake. Oh. En fait, non, là, il a fait, il a fait un truc très bizarre, c'est qu'il veut absolument ton bounty là-dessus. Pour moi, il a un très très gros jeu là, probablement à la river d'ailleurs. Peut-être un truc genre paire de neuf. Peut-être qu'il avait aussi paire de rois et en... qu'il était déjà très très gros. Euh, en main, tu il penses notion... ou avec le board? Genre un roi ouais, et... en, main, en, en main, je pense qu'il le fait pas uniquement avec le, avec le roi. Il a soit rien du tout. Et du coup, il bat la couleur quoi qu'il arrive, fort. quoi. Enfin, comme il y a déjà ouais, une perle dessus. Je pense qu'il bat la couleur, ouais, pour, pour faire ça. Et pour euh, que toi, tu payes. Tu as payé quand même deux fois. Ouais. Euh, donc il estime que tu as assez souvent, je pense, quand même un jeu. Ouais. Euh, et donc là, il veut te faire payer euh, au maximum. Donc pour moi, il a un très gros jeu. Euh, ça, peut, ça peut sembler un peu bizarre de faire 90 big blind dans 20 blind avec un très gros jeu, mais il ouais. y, y a aussi la notion de ce que lui pense de ton jeu à toi. Ouais. A priori, il pense que tu as un bon jeu et euh, il veut prendre un maximum de value. Alors il peut bluffer. Hein, C'était ridicule d'essayer de. Non, non, parce que ta réflexion elle est super bonne en fait. Okay. Euh, en gros, tu euh, défends Asvalet dépareillé. Beaucoup de joueurs auraient fait l'erreur de surrelancer là ici. Okay. Genre en mode trois... quand il met deux blindes pour défendre la big blind, de relancer un hein, genre 6 7 blindes en mode euh, 3 bêtes quoi Alors moi je le conseille pas là dans ta Non non mais pour comprendre ce que tu disais pardon. C'est ce que Ouais voilà, c'est ça ouais okay, de si relancer ça aurait été de faire 6 ou 7 big blindes, euh, et euh, avec une main comme as valet dépareillé, on est très souvent, on va dire très très loin s'il a un très gros jeu. Ouais. S'il a as roi as dame, on va s'engager dans un truc vraiment une bataille un peu perdue d'avance quoi. Voilà, et euh, s'il si a rien, bah, au final, tu vas lui prendre deux blindes, et ce pas bah, super intéressant. Donc en fait, effectivement, le fait de juste payer, là, quand on a des tapis aussi profonds que sans Big Blind, c'est très bien. Et le flop et tout Le flop sur ROI 3-2 de payer euh, une mise, euh, c'est très bien, mais tu vois, je pensais que a... tu as un niveau là qui est, qui, est, qui est vraiment ultra intéressant, parce que normalement, on parle déjà de ça dans un deuxième niveau de pensée, en fait. Euh, tu as payé parce que tu as estimé que ta main était trop bonne par rapport au flop et aussi je pense un peu inconsciemment parce que tu euh, l'adversaire tu sais que l'adversaire t'attend pas forcément sur une main aussi forte ouais euh, en gros là où c'est très bien de payer sur roi 3 2 c'est que lui il va continuer son agression mm. sur toutes les cartes où il aura pas touché donc on va dire quand il va relancer euh, as dame as 10 as 9 as 8 dame valet euh, ce genre de choses sur un flop roi 3-2 il va être très content de, euh, de miser donc il va miser ses gros jeux forcément mais il va aussi miser tous ses jeux en bluff où il n'aura pas touché donc okay. ça c'est très bien de coller en gros parce que tu, tu bats une grosse partie de ses mains en bluff euh, la question après elle se pose sur la, de, sur la deuxième mise de ton adversaire quand il le fait là je... vas-y est... vas vas-y non non t'inquiète hein, je t'écoute hein. on peut estimer qu'il se polarise un petit peu donc, en gros, il, il, il est en train, et tu, tu l'as dit, hein, tu as commencé à dire oh là là, mais ces joueurs-là sont très agressifs, donc peut-être qu'il a encore rien. Donc, ce, soit là, quand il fait de soit il n'a rien du tout et il veut continuer à raconter son histoire pour te faire passer en espérant, je ne sais pas, que tu avais payé avec un 2 ou avec un petit tirage cœur ou ce genre de choses, mm. ou avec un tirage quinte. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, bah c'est vraiment, comme tu disais, c'est du trust. En gros, c'est est-ce que euh, toi, tu penses qu'il a ou est-ce qu'il a pas Ok. T'as pris la décision de payer. Euh, Il ouais. y a des très bons joueurs qui auraient payé. Il y a des très bons joueurs qui auraient passé. Ouais, c'est en fonction un peu du feeling de ce que tu. Ouais. Et là, tu risques pas ton tournoi, en fait. Ouais, c'est ce, que, ce que je me suis dit. Me... En fait, je me suis dit, quand j'ai hésité sur le 6, je me suis dit, bon, euh, c'est-à-dire que tu vois, c'est 6 blindes dans 100. Bon, euh, j'étais à 105 juste avant. Euh... Parce que souvent, ouais, j'arrive dans ces tournois et du coup, je me fais pas du tout confiance. Et c'est pas ça non plus qui te permet d'apprendre, quoi. Alors. Voilà, jouer petit bras, ça va être toujours la, la entre guillemets un peu la pire des, 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 des solutions c'est souvent celle qui va être la plus intuitive ouais. c'est à dire quand on est bien bah, on va payer plein de coups parce qu'on a 100 blindes parce que voilà et euh, on va pas aller jusqu'au bout donc on va perdre plein de petits pots de 10 15 20 blindes euh, si on répète ça trop souvent bah très, très vite on va se retrouver short stack et si à un moment donné, on se dit, bah tiens je vais être agressif donc je vais essayer de surrelancer relancer une main ou de bluffer un coup mais qu'on va pas jusqu'au bout qu'on s'arrête euh, bah, on va le perdre le coup aussi donc on va encore perdre des, des, des petits coups comme ça donc moi ce que je conseille en général c'est d'avoir une stratégie qui est assez euh, simple assez binaire c'est à dire que tu l'as dit au début je vais pas me mettre dans des coups compliqués ouais euh, je en gros il va falloir que tu euh, que choisisses un peu ses coups, coups, quoi et, voilà, et, et quand j'y crois j'y crois fort à, en restant logique hein, par rapport à ce qui se passe mais euh, bien sûr si j'y vais euh, on rentre dedans quoi ok voilà et, et pas voir tout le temps ouais le mec en mode il est max quoi voilà il peut être Max, ouais. c'est sûr, et dans ces cas-là, refais-toi le coup à l'envers et, et dis-toi, ok, le mec a surrelancé avant le flop, donc il a peut-être une bonne main, etc., etc. Et vois si son histoire est cohérente. Est Ce que j'ai essayé et... de faire avec UTG en mode, ok, donc ça veut dire ouais. que le gars a peut-être... Euh... Ce que je me suis dit, ouais. Ok, d'accord, non, mais... C'est vrai que ça, c'est des, des bons conseils aussi, ouais. De... Parce que c'est vrai que moi, je pense c'est mon erreur de toujours me dire, le mec a... Et Max. Max, pour ceux qui connaissent rien, c'est qu'il est qu la meilleure paire ou alors le meilleur jeu possible. Sur, euh, sur le board quoi. Ouais, c'est ça et c'est alors euh, une erreur qui, euh, qui est faite de manière assez commune quand même. Euh, quand on manque d'expérience, bah t'as pas joué assez de tournois ouais. pour finalement te rendre compte que les mecs bluffent quand même de manière assez euh, euh, assez fréquente. Mais après par contre, il faut y, euh, là assez peu quand aider, même en tournoi, non Et ben voilà, en, en tournoi aujourd'hui, les joueurs vont faire des petits bluffs. Euh, mais vont les multiplier, vont essayer... Bah, ouais. euh, plus tu bluffes pour un petit montant, et plus tu peux les multiplier, en fait. C'est un peu Alors ce que, que je que me si suis dit sur le 1.38 blind tu vois, de un peu, ok, bah vas-y, on voit si le mec se couche pas. Un peu, il a mis le pied dans l'eau, tu vois, j'ai un peu ce feeling-là, quoi, après... Ouais, c'est ça. Alors, pour te t'expliquer exactement du point de vue du Tommy Tom, si moi j'étais à la place de Tommy Tom, ah, oui. donc je relance UTG, sur un flop Roi-3-2, en gros... Moi, je représente une grosse main, comme j'ai relancé UTG. Ouais. Donc, dans mes grosses mains, UTG y a perdas, Under the Gun, donc juste voilà. après le mec qui est grosse blinde, en gros. Qui est grosse blinde. C'est l'une des pires euh, places à table, surtout à 8, parce qu'il y a énormément de personnes qui vont parler derrière vous. Mmh. Donc, vous n'avez aucune information sur. Ça se trouve, il y a des. Oui, tu pertes, mises dans, tu mets... entre guillemets euh, avec les mecs, peut-être le gars 3 euh, après toi, il a à Perdas, euh, il va... et il va t'envoyer, quoi. Voilà, donc c'est compliqué. En gros, c'est un jeu de. Probabilité, donc il y a une forte probabilité quand tu relances UTG qui est un des sept autres mecs à table, enfin, sept autres joueurs à table, qu'ils aient, euh, qu aient un jeu. Donc, pour tous les autres, quand un joueur relance UTG, normalement, il a une bonne main. Sachant que bah, au poker, tu sais, on peut toujours. Il euh, y a toujours le, le, le contraire, c'est-à-dire qu'on peut faire croire qu'on a une bonne ouais, main, ouais, pas une. Ouais, jouer le jeu de. Et n'hésitez voilà. pas, je vois dans le chat, parce qu'il y a, comme d'habitude sur le live poker, il y a tout type de niveau, il y a des mecs vraiment bien meilleur que moi, il y a aussi des gens qui débutent euh, les débutants n'hésitez pas à poser des questions parce qu'on emploie beaucoup de termes aussi parfois donc il y a 3 minutes de délai donc c'est difficile d'être hyper réactif là dessus, mais si vous avez des questions et tout, euh, bah voilà il y a exactement euh, Aski là qui dit n'hésitez pas à poser des questions dans le chat il y a quelques viewers qui s'y connaissent, euh, le but c'est de pouvoir apprendre s'il y a des termes que vous connaissez pas et tout euh... voilà faut pas hésiter faut des sous lol je vais me contenter de regarder le live euh, si jamais il y a un free roll c'était ce que j'avais déjà dit justement tout à l'heure mais qui est en cours avec donc du coup 2000 euros au total à gagner le mot de passe c'est Popcorn euh, pour l'instant c'est CA7 Nicolas qui prend la tête donc 2000 euros de, de tournoi c'est gratuit pour participer et, euh, et il va y avoir donc 270 places payantes au début vous gagnez un ou deux balles hein, mais, euh, mais si vous arrivez euh, dans la table finale c'est euh, quasiment, euh, quasiment 100 euros euh, et jusqu'à 320, donc plutôt cool euh, si justement vous voulez un peu essayer le, euh, aussi le poker. Et c'est comme ça que vous devez commencer le poker, hein, que personne commence en se disant euh, Let's go, cash game, 300 balles ou gros <laughs> tournoi à 100 euros. Moi là par exemple je fais un tournoi à 100 euros parce que j'aime bien mais très fréquemment euh, et peut-être que, que j'irai après aussi je, je vais plus sur des tournois donc là quand il quand y a des petites cibles donc c'est qu'il y a des primes euh, mais j'aime bien les tournois voilà soit les bounty builders donc là les, les scoops à, à, à 20 30 euros même 10 euros c'est les tournois que j'aime bien jouer donc euh, pas besoin de jouer des tournois en mode à, à, à 250 balles l'entrée pour euh, euh, pour justement se faire plaisir. Je me demandais, You, euh, Scoop, ouais. c'est quoi en fait Parce que c'est justement une semaine ou deux de tournoi, mais euh, c'est à l'occasion de quoi C'est les Spring Championship of Online Poker, donc c'est les championnats de, de, du printemps. Ok, d'accord. Et donc toutes quatre... les saisons, il y en a un, quoi Ouais, il y a, y a quatre. Euh, le, 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 le calendrier de poker, il est assez, euh, assez bien rythmé euh, par beaucoup de séries. Et en gros, tu en as euh, trois, quatre des majeurs. Euh, dans l'année la, dans et euh, qui dure euh, entre 2 et 3 semaines et euh, les scoops c'est euh, ça c'est bah, Poker Stars c'est propre à Poker Stars ou c'est dans le monde du ouais, poker en ouais, ouais, ouais. Oui, oui pour le coup c'est mythique parce okay. que il existe ces scoops existent depuis euh, bah, quasiment le début du poker online okay. donc euh, attraper un titre scoop c'est un un vrai achievement pour les euh les vrai badges, ouais. pour euh, voilà tous les joueurs de poker t'as un petit badge tu les vois là et, euh, voilà euh, moi personnellement, j'ai fait deuxième d'un scoop, d'un des plus wow. gros scoops de l'histoire il, il y a une dizaine d'années. Putain, euh, le boss. Ouais, c'était cool, mais tu vois, ah, t'as le, moment... le remords de te dire, j'ai pas le badge, quoi. Enfin, c'est pas le. Voilà, j'ai pas réalisé sur le moment à quel point ce, cette série était mythique et j'ai joué le tête à tête un petit peu par dessus la jambe. Et, euh, ouais, je content d'y de... être déjà, d'être au bout du truc Exactement, et d'être en mode ouais. putain. Euh... Tu m'étonnes. Mais euh, voilà, donc les, les scoops, c'est euh, un petit peu euh, la manière des EPT ou des WSOP. C'est les trucs que les joueurs online ne ratent pas. Les EPT, WSOP, c'est pour les joueurs live. C'est ça, et, et du coup, il y a aussi euh, bah, y a beaucoup de tournois, et généralement, le, le cash prize est, est, est plutôt sympa. 1,5, je suis grosse blinde, valet 8, euh, suité. Donc, suité, c'est que c'est carreau les deux. Euh, on, va, on va aller défendre ça. Et c'est plutôt intéressant puisqu'on -touche, touche deux carreaux. Il euh, faut que j'essaye d'être un peu rigoureux sur essayer de prendre à peu près toujours le même temps pour parler sans que ça soit non plus euh, euh, timé à la seconde près. Mais c vrai que comme je suis en live, il y a, a d'autres choses qui, qui rentrent en compte. Il check, donc il me permet de voir une carte cadeau. Euh, Dame de cœur qui ne m'intéresse pas plus que ça. J'irai voir à peu près quoi qu'il arrive dans un montant de trois blindes. Avant, en même temps, il ne va pas aller me foutre un 10 blindes, hein, je pense, le, le gars. Hein, don't bluff me quatre blindes. quatre blindes, euh, un peu chiant, 4 blindes quand même. Mais bon, c'est 25% de chance, c'est une chance sur 4. C'est aussi l'occasion de, de faire. Euh, J'avais deux fois 25, là j'en ai une cadeau. Euh, c'est une chance sur 4, hein, on va la payer. Et voilà. Dans le baba. Ouais, j'ai mis deux ennemis. Euh, c'est un pot à et euh, demi, Sur un flop où il me manquait une carte. C'est pas non plus gênant, quoi qu'il arrive, je vais me coucher là. Oh, il touche le 9 sur la dernière carte. Ah, <laughs> le chien Et là, il avait essayé vrai. de me bluffer, là. Un peu de me mettre... J'ai bien fait de suivre sur le 25% 4 blindes pour 25% de chance Ouais. Ouais, c'était... Ouais, 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 Parce que Alors... c'est l'occasion aussi de pouvoir faire grossir et derrière, d'aller sur un pot vraiment intéressant, quoi. Là, on parle de... On va dire, on parle de cote financière. T'as pas exactement la cote pour aller tout de suite chercher sur une seule carte un tirage carreau, là, maintenant. Mais par contre, vous avez tellement de tapis vous en réserve, cest ouais. que lui il a une 90 blindes et toi t'en avais à peu près pareil. Euh, c'est que si tu touches ta couleur à carreau, il y a peut-être des chances pour que tu lui, euh, tu lui en prennes un peu plus. Alors là, c'est intéressant parce qu'Under the Gun, ça a juste Limp. Euh, Bella Chao qui envoie quatre blindes. Moi, je suis en small blind, j'ai deux choix. En fait, là, j'avais envie naturellement d'aller. Euh, je sais pas si c'est 3 bêtes ou quatre bêtes comme lui a déjà mis. Euh... Jonathan a déjà juste limp, mais d'aller envoyer un, un 9, 10. Euh, le truc, c'est que je vais être premier de parole. Ouf. En fait, là, c'est le genre de move où j'ai limite envie de mettre des tapis, tu vois, moi. Moi, moi en perso, je mets des tapis là. Parce qu'en fait, je sais pas comment le jouer après le move. Alors qu'au moins, tapis, là. Sauf qu'il y, y a quand même des sales coups là. Il y a quand même des sales coups, mais ça m'étonnerait pas que lui, il envoie un tapis quoi, à l'autre. As-dame suité, euh, bah, je suis battu par roi-roi, père de dame, euh, forcément père d'as, as-roi. Je suis suité, donc ça donne un peu plus de force. Après, l'avantage, c'est qu'on est aussi dans un coup qui, qui peut valoir beaucoup. Ça suit, et je suis quand même en tirage-suite tirage intéressant. Il me faut un 10. On va pas se mentir, c'est sinon un des. Bon, c'est pas un des pires tirages pour moi parce que je vais jouer le 10, mais là, hormis le 10, euh, je suis quand même assez faible. Il y avait des grosses chances où pff, lui, il aurait pu envoyer 4 blindes avec un As-Valet, par exemple, le Bella Chao, donc il est plus trouvé. Le Roi, euh... là, le truc, c'est que ça va coûter cher pour suivre. Ça va coûter cher et ça va être compliqué de payer les cartes. Je suis loin de ma couleur. Hmm. Là, c'est un peu tout pour un 10. Snake, il va envoyer un 13, 14 blindes, il veut faire peur. On est 3 encore. Il veut, je pense qu'il va vouloir faire peur. Entre 11 et 14, je pense. Tour de 50%. Oh, il check. Ça check. Ça me donne un pic. Ça me fait rentrer potentiellement mon tirage couleur. Je cherche un 10. Je cherche un pic. Un as peut être intéressant. Après, les mecs peuvent essayer un peu de se camoufler. Ok. Bon, bah, plutôt pas mal. On va continuer en passager clandestin. Ça check. Snake va peut-être envoyer. Là, faut que je paye un. Mais le truc c'est que ça va être cher. Là le fait qu'il y ait le pic qui est la possibilité du pic plus le 10. Après le 10, c'est 4 cartes. Ah, 13 blindes. exactement comme j'avais anticipé là entre 11 et 14. Ah, c'est cher, j'ai mis quoi J'ai mis 8. J'ai mis 8 mais en même temps, putain, je me retrouve exactement dans la même situation qu'avant quoi. J'ai combien d'outs J'ai quatre, les 4 10. Après j'ai aussi l'As, ce qui est intéressant, hein. là il y a des chances que je sois main après lui peut être sur un as valet, as roi et ça me baiserait. Hmm. J'ai envie de suivre, mais ça me fait chier, ça a baisé mon tournoi. Mais, mais en même temps, euh, c'est comme ça aussi que tu peux, tu peux devenir big et. Oh, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. En même temps, je ne sais pas si c'est de la chance. J'ai encore misé sur un 25%. C'est un peu forcé, là, ce que je fais. Un peu forcé. Et il a quoi il a, il a un brelan de 4. Putain. Un ouais, bon c'était une, une main très compliquée, hein, PA celle-là. Euh... Ah ouais, c'était technique. Il y avait tout le monde. Euh... En gros, alors pour essayer de, re, de, de, de résumer un peu. C'est moyennement ces joué quand même, non euh, pff, Non. Tu dois que, mettre en fait, tu tapis à un moment ou pas Tu dois, tu peux pas faire grand chose. Le seul moment où peut-être tu peux jouer, mais là je pense que du coup il y aurait, enfin moi j'aurais potentiellement perdu mon tapis là-dessus et toi il te reste encore 65 blindes, donc c'est plutôt pas mal. C'est à la turn en fait quand ils ont tous checké au flop. À renvoyer, en fait, moi je pensais que Snake euh, 888, là, le joueur qui est à ta droite, je ouais. pensais qu'il qu allait, qu allait miser au flop. Je pensais qu'il allait misé au flop, et comme il n'avait pas misé, je me suis dit qu'il avait peut-être la même main que toi, tu vois, un truc genre As dame, ah. et euh, qu'il n'avait pas envie de tu vois, de gâcher le fait qu'il ait lui aussi un tirage quinte. Que Bella ou toi, vous pouviez avoir un roi en main, donc de ne pas se faire relancer, etc. etc. Et après, il y avait aussi la possibilité qu'il ait un jeu très fort, donc paire de roi, paire de valets. De quatre, j'y croyais pas vraiment. Euh... Et toi, en fait, ta main, bah, tu as une main qui est ce qu'on appelle ce sont des mains qui peuvent faire euh, des jeux max, tu vois. Ouais. 2 et 7 dépareillés, que là, as, pour l'instant, tu pourras pas faire de jeux max avec 2 et 7 dépariés, à moins de faire carré de 7. Euh, ouais, mais, là, là, euh... et si je rentre la suite, je suis quoi qu'il arrive, max. Si je rentre la couleur avec l'as, je suis max. Exactement. Donc, du voilà. coup, ça te met dans des coups potentiellement, tu peux tout lui prendre, le mec, quoi, aussi, quoi. C'est ça. Et c'est les coups qu'on va favoriser, nous, quand on est un, un joueur, on va dire, un, un peu plus conservateur, ou qui n'a pas envie de faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va essayer quand même de partir avec des mains qui ont vraiment un gros potentiel. Donc, celle-ci en est une. Donc, soit en fait, effectivement, il y avait la possibilité, comme tu l'as dit, de partir à tapis. Mais euh, je vais revenir un peu pourquoi c'est dangereux. Euh, voilà. Ou alors la possibilité de, de passer. Certains passeraient, mais ouais. je trouve que je trouve que payer et aller voir le flop, c'est la meilleure des euh, c'est la meilleure des, euh, des décisions à prendre là à ce moment-là du ah, tournoi. À lui blindes. Voilà. Ouais. Ouais. Tu mets pas ton tournoi en danger parce que Belachao, il restait encore Belachao à parler, il restait encore. The Tommy Tom a parlé, il restait euh... Jonathan, il restait tous ces mecs-là à parler qui peuvent potentiellement se réveiller avec une très grosse main. Et si toi, tu as fait tapis avant et qu'eux, ils attendent que ça avec d'as, bah, tu es un petit peu dégoûté. Euh... Euh... Donc finalement, tu as pris la, la, la mesure en allant voir le flop, en essayant de voir ce que te donnait ce flop. Alors ce flop, effectivement, il n'est pas fou pour toi parce que tu n'as pas fait de paire, mais effectivement, tirage, tout ce qui va te donner un tirage max, entre guillemets, euh, C'est bien. Et alors, le tirage max, bah, ça, on aurait préféré qu'il y ait deux pics et un cœur que deux cœurs et un pic. Ouais. Euh, ce qui t'aurait permis de jouer la main de manière beaucoup plus confortable. Là, en gros, bah, tout le monde a checké. Derrière, quand il fait 13 euh, sur une carte qui t'ouvre les pics, euh, bah, là, dans ces cas-là, tu vas jouer. Alors, on va recalculer les autres parce que tu les as pas très bien calculés sur le coup. Tu joues effectivement les 4-10 pour la quinte. Ouais. Les piques Tu joues 9 pics. Ouais. Donc, on va en enlever un parce que dedans il y a le 8 de pique. Ouais. Donc, ça fait 8 et 4, 12. Et comme tu le dis, effectivement, peut-être dans certains cas, ton as. Là, sous la bon. dame, quoi. Ouais. La dame, c'est moins sûr, mais par exemple, on va imaginer que les mecs ont euh, roi-dame, par exemple, ou, euh, ou roi ou, roi -dix, ou euh, donc ton as va jouer, ou s'ils ont euh, paire de, euh, de dames, par exemple, ton as va jouer, mais euh, par contre, ta dame jouera pas. Après, de temps en temps, effectivement, s'il y en a un qui a paire de dix et l'autre paire de neuf, par exemple, euh, les deux jouent. Donc là, euh... dans ces cas-là, tu peux encore rajouter euh, six cartes. Tu vois. Euh, et, euh, et quand tu as douze euh, cartes pour euh, euh, réaliser ton équité, et que tu es sur la turn, qu'il reste plus qu'une seule carte à, à tomber, bah, ton pourcentage de chance de gagner le coup, il est facile à calculer, si tu multiplies ton nombre d'outs par deux. Ah donc là j'avais 24%, donc, juste, euh... donc avais en gros, euh, voilà, entre euh, 20, as, euh, aux alentours de 25%. Oui parce que euh... moi je suis débile enfin pas je suis débile, mais dans le sens où souvent quand j'ai deux, euh, je te connais deux piques et qu'il y a deux piques, je dis qu'il y a une chance sur quatre de tomber sur un nouveau pic, alors que déjà euh, j'ai quatre piques en main mais sur les euh, 3 4 sur, sur les, les 6 sur les six ouais, voilà ouais. sur les 6 cartes qu'on voit il euh, y en a déjà 4 qui sont des piques donc euh, forcément ça il en reste plus que 9 comme tu disais oui c'est ça donc du coup le calcul c'est qu'il en reste 9 ok sur les ok ouais après c'est des voilà c'est des, des trucs qui vont rentrer, donc en gros euh, en, couleur, en gros en gros quand tu cherches justement sur la turn euh... putain attends pardon j'ai un doute la turn c'est la dernière ou la turn c'est la, la quatrième ah pardon la, sur la rivière du coup euh, sur la rivière sur... Oh ça a qu'il. kill. Euh, quand, quand justement tu vas chercher sur la river et que tu en as déjà 4, donc du coup tu es à 9 fois 2 quoi, tu es à 18 quoi. Euh, quand tu vas chercher la couleur, ouais c'est ça, tu à peu près 20 de chance. Ouais, hein, donc hein, moi je tout. fais souvent ouais. 25, mais c'est pas une chance sur 4, c'est plus une chance sur 5 quoi. Ouais, c'est plus une chance sur 5, okay. euh, presque même ouais, euh, moins, euh, ouais, une ouais. chance sur 6. Ouais, c'est entre les deux, quoi. une chance sur 5 et demi. Donc c'est euh... beaucoup plus compliqué, effectivement. Ouais. Et tu vois force de ton tirage sur deux cartes par rapport à ton tirage sur une carte. Et c'est combien euh... p... Excuse-moi de te recouper, pardon. Euh, du coup, quand justement il y a que le flop et ouais. qu'il te manque une carte, c'est combien du coup les probas C'est -ce tirage couleur, c'est environ une chance sur 3, 33%. Ok, donc t'es à 33 justement quand il n'y a que le flop. Il y a une carte, ouais. tu tombes directement donc à, euh, non, bah, à 18 un... ok d'accord voilà, un, un petit peu moins ah non mais je suis, suis ouais. révalué un peu parce que là ça que j'ai beaucoup joué mais là, là j'ai aussi voulu un peu jouer parce que ça nous permet aussi de décanter tout ça euh, plutôt que euh, qu'être en mode bon bah vas-y putain il m'a mis huit blindes je me couche instantanément euh, en mode le mec a toujours mieux donc euh... mais tu, tu te rappelles ce qu'il avait sur cette main finalement euh, ouais bah finalement, Snake. il avait brûlant de donc ça veut dire que si à la river tu fais un 10 ou tu fais un pic tu vas lui prendre ouais. beaucoup d'argent ah, je lui vole tout. Donc là, euh, les, euh, les 25%, euh, alors il a fait 13, il avait fait la moitié du pot, hein, je crois, ouais, 13 dans un 25. Un tout petit peu crois, plus, crois, ouais, ça. si c'est ça, si, ça voilà. 50. Donc là, bah, en gros, on estime que euh, tu as, comme, as 20, comme tu joues 25% et qu'il te demande euh, la moitié du pot, bah là, c'est un calcul, c'est pareil, il faut apprendre, c'est des calculs au pot. Tu as besoin de 25% d'équité pour être, entre guillemets, à l'équilibre. Donc tu les avais, tes 25% d'équité. Euh, Ok, donc c'est à dire quand il te demande la moitié du pot, le mec, t'as besoin d'un quart de, de proba, enfin d'équité. Ouais, c'est ça. Ok. Alors tu. Ben, ça, tu ça, faisait... ça, ça sur la rivière. Sur la rivière. Euh, ça sur la rivière, ou ouais, à n'importe quel moment. En gros, ta, ta main elle a une équité selon le moment où tu. Oui, c'est vrai, euh, pardon. Tu, je, es, oui, tu oui, vois oui, Non, non, je non mais euh, t'inquiète, il n'y a aucune. C'est vrai que c'est un peu technique, pas. mais c'est intéressant parce que ces trucs-là, c'est vrai que chaque fois que j'en entends parler, j'ai du mal à. Mais tu vois, là, là je pense que. Parce que le truc de calcul au pot et tout, je pense que j'oublierai. Mais par contre, euh, le truc de calcul de main, euh, le fait qu'il y a 13 de chaque couleur et que forcément, ouais. du coup, quand tu vas chercher, je, bah, si tu en as 4, il n'y en a plus que 9. Et ce truc de x2 là, il est intéressant là. Le x2 Alors bah, c'est euh, je... En gros, c'est votre nombre d'outs au flop. Euh, quand vous êtes au flop, vous multipliez par 4. Ouais. Grosso modo pour connaître votre équité. Et quand vous êtes à la turn, vous multipliez par, euh, par 2. Ok. Ouais, une petite paire de 9 là. Une petite paire de 9 qu'on va suivre timidement. Et on n'est pas si mal là-dessus, là. Là, ça suit ou ça envoie, je pense. Je suis la deuxième plus grosse paire. Un monde où le mec n'a pas As-Dame. 4 blindes, j'ai envie de te suivre avec mon, mon vieil paire de neuf. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Après, lui, il a envoyé quoi Il a envoyé 2,5 blindes. 2,5 blindes. à l'heure, il avait envoyé 4 là-bas. c'était 8. Ah, là, tu vois, je suis déjà... En... Ah, il est en... Il... Ok, c'est pas mal. Ça, m... ça me donne plus de chance, entre guillemets, qu'il n'ait pas eu une Dame, même si, bon, ça reste que des probas. Bon, on va continuer à bête, mon gars hein, maintenant. Hein. Maintenant si on... Oh bah j'ai mis ce que je voulais écrire 6,8, un truc comme ça, j'ai écrit 6. Après 6, c'est un peu... Euh... Lui, il a envoyé du milieu de peau là. Ah oh, ça se couche. Eh, on va pas la faire tous les jours à tonton là. Hein. <laughs> on va gagner des coups à un moment parce que bon, là, ils me prennent tous pour des cons. Pardon. <laughs> euh, alors sans aller aussi loin, ils t'ont probablement euh, Google hein, pour les étrangers. Ah ouais parce que je suis euh... ouais parce que t'es marqué du, du j'ai le pic les piques piques. Kit. donc voilà donc ils doivent savoir ils, ils savent un peu dans chaque pays t'as des euh, as des influenceurs ou des euh, t'as moitié soit des joueurs pros, soit des ambassadeurs soit des enfin moitié euh, soit des euh, soit des influenceurs donc euh, donc il a dû les regarder et puis euh, bah, il faut le garder en tête mais tu vois t'as eu un enfin encore une fois hein, les gens vont penser que je te tire les pompes mais t'as encore une fois le, le, la, la meilleure des réflexions quand, la deuxième, quand, la, quand tu payes au flop, ouais. tu payes au flop, tu as la deuxième paire. Effectivement, il y a une chance probable qu'il ait touché une dame, mais il y a aussi beaucoup qu'il n'ait pas touché. Ouais. Euh, et les, alors, ça, pour t'aider, les très bons joueurs, quand ils vont relancer et qui vont avoir un flop où il y a une carte au-dessus du 10, au moins une carte au-dessus du 10, ils vont quasiment tout le temps faire le continuation bet. Okay. C'est-à-dire, genre deux merde, un 6, un 8. Et genre un roi. 6-8 valets, 6-8 rois, euh, 6-8 dames. Ils continuent euh, 5... il continue à bête pour mettre des presses, quoi. Au moins une fois. Après, il faudra essayer de voir s'ils le font une deuxième fois, etc., okay. etc. Mais la plupart vont le faire au moins une fois. On appelle ça des mises de range. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a relancé. Donc, normalement, c'est lui qui a la meilleure range de main que toi. Okay. C'est lui qui a des paires c'est lui qui a des as rois, c'est lui, etc. etc. Euh, donc, oui, tu peux être sur, oui, tu peux être sur as dame, tu, tu représentes ça, quoi. Tu représentes voilà, ça comme tu as mis 2,5 blindes au début et que c'est toi qui fais le jeu, tu es en mode, bah, va bah, savoir, euh, je suis très bien, quoi. Ok, d'accord. Voilà, et très souvent, normalement, les adversaires, quand euh, ce joueur-là va faire ses quatre blindes, euh, vont passer. Si toi, tu n'as pas touché, si par exemple, tu avais. Oui. Euh, si je suis euh, sur As, as 10, as ou, as ou, je me couche, Attends, quoi, c'est ça. Ouais. Tu vas te coucher et le, le, le Jonathan va se coucher aussi. Euh, juste une petite précision, je te le dis avant, là, Jonathan, euh, il s'est là, il fait depuis tout à l'heure, il fait n'importe quoi. Et il faut voilà il va c'est celui qui fait les trucs les moins cohérents à table ok putain tu vois ça en plus moi j'avoue que souvent j'ai du mal à voir le jeu des autres exactement c'est tu sais, quand je joue pas du coup bah là je me concentre sur ce que tu me dis du coup mais il, en fait en gros j'imagine hein, mais il a limp trois fois déjà ouais. depuis le début de qu'on se parle donc limp déjà... juste pour les gens c'est euh, là par exemple c'est une blinde au lieu d'envoyer deux blindes bah je mets juste une ça c'est limp c'est ça et ça, en général, c'est euh, ça trahit d'un joueur qui n'est pas très technique, un joueur souvent débutant ou alors tu un le joueur, connaissais tu pas lui vraiment, tout petit bain. Euh, bah, en fait, je pensais que je le connaissais mais, euh, ou alors je l'ai déjà vu. Mais euh, finalement, avec ce que je vois là, ce n'est pas un règle. Alors peut-être que je l'ai déjà eu à ma table et que mon cerveau il a enregistré que ce joueur-là était, euh, était chelou. Parce que comme là, je suis sur ton écran. Ah, tu je, sais pas, pas si tu as une marque ou. Euh... Ah, voilà. Parce que tu marques les gens. Ah, ah, je moi, vais mettre une note. Quasiment tous marqués. Snake m'a pris pour un pigeon. <laughs> et je lui mets non, un petit si jaune. Ah, et tu vois, du coup, là, maintenant, le mec est en jaune parce que je l'ai ouais. mis en. Ouais. Ah, bah tiens, comme et, ça, alors... j'aurais même appris pour un pigeon. Très bien, ça. Il t'a pas pris que toi, entre guillemets, pour un pigeon, parce que la main où il a perdu 4, là où tu avais Asdam euh, ouais. suité, il a quand même. C'est ça qu'il faut analyser c'est que le poker est un jeu d'informations incomplète Donc, toutes les informations que tu vas pouvoir glaner. Euh, il faut essayer de les prendre. Donc en gros, t'as vu que sur la main où il a fait Broland 4, il avait sur-relancé ouais. avec paire de 4. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un mec qui avait relancé et lui, il avait sur Ouais, c'est vrai ça. De 4, Donc, il passe à, à 8 blindes avec une paire voilà. de 4. Ouais, ouais, Donc joueur agressif. Voilà. Ça, Jou tu peux déjà aussi te le noter, entre guillemets. Joueur ça, c'est vrai. Ça, c'est une très bonne info, ça. You, ça. Joueur agro, je <laughs> me le note aussi. Je me le mets dans les notes. M'a pris pour un pigeon en dessous, joueur agro très bien ça et, euh... Lui, et, et en plus Jonathan alors ces notes elles peuvent évoluer de temps en temps fait un peu nimp Hop, voilà Jonathan. <laughs> parfait les notes, oh, elles peuvent... notes elles peuvent évoluer parce que Snake euh, pour le moment a priori sur ce que t'as pu voir ça a l'air d'être un joueur agressif tu vois ah, là aussi il a l'air euh... d'avoir un go il a perdu le... oh là là encore du As mais... là on veut y aller là on veut claquer de la carte on veut claquer du jeton là ah, tout le monde va se coucher envoie tapis on voit tapis envoie tapis je te sors Mets... oh maman Oh, lui, 177 blindes, ça commence à être quelqu'un. Lui, il faut le voyez lui. 2,5, mais nous, on va te suivre direct. C'est un snap. C'est un snap call, ça. Non, je vais pas snap. Qu'est-ce qu'il fait, snap Qu'est-ce qu'il fait, snake, là Oh, 6 blindes. Bah, exactement ce qu'il a fait tout à l'heure. Enfin, C'était différent. Il y avait 1, 4, il a fait 8. Ah, là, je fais quoi Je renvoie, là. Ça m'énerve, ça. Je sais pas quoi faire, moi. J'ai As-Dame. J'ai pas As-Dame suité cette fois-ci. Je suis quand même sur une belle main. Oh, je vais me retrouver à suivre à nouveau, j'aurais peut-être dû envoyer 15 parce que lui il va le faire le 15. Ah oh, ça c'est vraiment, ça c'est ma... ma vie ça. Et là le mec envoie 10 et je suis en train de bégayer. 20 il envoie, ah oh, ouais mais lui vas-y, on va de l'insulter. <laughs> bon, je vais me coucher parce que là on va se faire n'importe quoi. Là. Ah il est agro, hein, lui il va savoir qu'il n'avait rien du tout. Euh... Je dois pas suivre Alors, là, enfin j'ai As Dame, je suis obligé de suivre. C'est euh, très bien que finalement que t'aies eu cette main-là par rapport à la main de tout à l'heure là, avec le As Dame à pique. C'est que là en fait cette main elle a beaucoup 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 moins de jouabilité quand elle n'est pas euh, de la même couleur. Ah ouais. Euh, ouais. Alors euh, soit tu décides effectivement de payer pour aller jouer le flop, mais finalement le flop, il y a pas beaucoup de flops qui vont t'aider ouais. finalement. Parce que tu es dans un Merci. gros coup, tu es dans un coup où les mecs tu les vois sur euh, paire de rois, euh, As-Roi, etc. quoi. Mais là où tu as eu encore une fois la bonne réflexion au départ, c'est que le Axor il relance, il est au bouton. Donc normalement il va relancer ouais, très souvent. Pour faire peur. Le Snake il l'a déjà fait. Mmh. Et lui en plus, il sait que Axor va relancer au bouton très souvent. Ah, parce qu'il est, effectivement, effectivement, il est chip leader, il envoie, lui il est Il est chip au leader, voilà, il est agressif, t'as as, l'info un peu de ça. Donc effectivement, une des alternatives pour toi aurait été de faire tapis. Maintenant, euh, dans une stratégie de tournoi global, euh, faut avoir envie quand même de partir à tapis dès le début avec finalement. Mais tu sais que you, que tu vois, 4 you, c'est oui, ça, c'est ça, c'est ouais. vrai, parce que tapis sur un mec, euh, il t'envoie. T'es en stream, tout euh... ça, euh, voilà. Non, mais tu sais que moi, c'est terrible. Hein, mais en ligne, les tournois où je suis allé le plus loin, c'est quand j'ai décidé d'arrêter de réfléchir et de mettre des gros tapis sa merde dès que j'avais des grosses mains. En fait, de ne rien jouer du tout et juste de dire j'envoie tapis tu vois genre dès ouais, que, ouais, que j'ai genre des paires euh, allez Valet+, plus euh, du as roi as dame tapis genre vraiment du instant de tapis sur ces coups là et sinon je ne joue pas et c'est les coups bah, dimanche j'ai fait exactement ça dimanche j'ai dû faire genre moi euh, ouais, je te dis j'ai fait 160 balles de kill sur euh, sur un tournoi à 20 balles quoi ou 10 balles même euh... c'est une super strate. Mais, mais, mais tu vois du coup j'ai l'impression que bah en fait euh, quand j'essaye le moins de jouer proprement que je gagne le plus alors euh, ouais on peut voir ça comme ça mais on peut voir aussi le truc que je te disais tout à l'heure où finalement tu joues fidèle à ta strate à 100% oui, Par vrai. rapport à un truc où, au final, là, effectivement, on va jouer des coups. Et il faut aussi voir un truc, c'est que là, moi, je te donne des petits conseils, des trucs et tout. Il y en a beaucoup, des conseils dans ce que je te balance et tout. Et honnêtement, c est, c est... si déjà tu arrives à en retenir, ne serait-ce que 15, 20 c'est ouais, déjà beaucoup. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations et de la cote et de la position. Oui, en fonction de... des mains qui fait quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a la variance voilà. qui fait que va savoir tu joues bien. mais Exactement. Donc, euh, moi, j'aime bien ta stratégie, finalement, de jouer, euh, de jouer pour le par Rapport à ton instinct, déjà ouais, là, là juste pour expliquer, roi valet, tu vois, par exemple, s'il avait pas mis, j'aurais peut-être joué, mais c'est des mains que je gère pas très bien, quoi. Et là, je suis génial. dans une sale position, donc j'ai juste génial, juste génial parce que c'est euh, tu as passé déjà euh, un gros level où, quand les joueurs euh, essayent d'apprendre euh, à, à jouer au poker, et ben on leur dit roi valet, bah, c'est une bonne main parce que ce sont deux, deux, deux cartes euh, habillées qui sont proches l'une de l'autre, sauf qu'en fait, euh, bah, c'est déparié donc. Pareil, hein, toujours, alors, juste pour faire la petite parenthèse là-dessus, tu ne vas pas gagner beaucoup, beaucoup plus de mains avec une main euh, suitée qu'avec une main non suitée. Enfin, tu, tu vas quand même gagner beaucoup plus souvent, mais en gros, tu euh, as, euh, as 1% de chance de taper ta couleur tout de suite. Donc, voilà. ouais. Après, mais par contre, derrière, tu as énormément de situations où tu vas avoir des tirages couleurs et où ces tirages couleurs, tu vas pouvoir les jouer de manière agressive, de manière à gagner des pots. C'est pour ça qu'on. On, euh... et, et surtout, en fait, quand tu es euh, sur un flop où tu as ton tirage couleur, bah là, entre guillemets, tu es éligible pour essayer de taper ta couleur. Et, euh, et, euh, et c'est donc beaucoup plus simple à jouer, finalement, qu'un roi valet dépareillé. Donc c'est très bien. Toutes ces mains-là, euh, qui ont l'air d'être de, 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 de fausses belles mains ou de, euh, de belles fausses ouais, mains. Ouais, j'apprends à, euh, à les lâcher, je... moi, maintenant. Vire les. Que... Et tu regarderas quand si un jour. Tu regardes de temps en temps des, des, des vidéos de poker, les meilleurs joueurs, ils ne se posent même pas de, de questions. Hein. As 3 dépareillés, même quand personne n'a open, il y en a plein qui les passent tout de suite. Parce qu'en fait, euh, bah, certes, c'est une main intéressante, il y a un As, etc. etc. mais tu ne pourras pas gagner de gros pots en fait, avec ces mains-là. Ouais. Oui, parce et que euh... du coup, soit, les, soit ça n'ira pas au bout, soit tu vas te faire. Un... Soit tu arrives soit à blindes... gratter un 5-6 blindes et tu es content, mais. Euh... Ouais, où tu vas devoir prendre des risques, des fois pour pas grand chose, quand tu vas faire même des fois deux paires, As3, quelque chose. Oui, ce que tu, tu souhaites, c'est les rencontres. quoi. Mais c'est pour ça que moi, je, parfois, j'ai ce truc un peu en tournoi, tu vois, dès que je vais un peu loin, euh, de commencer à envoyer du, euh, du gros tapis des familles, parce qu'en fait, tu vas chercher cette rencontre où, bah, en fonction de si tu décides de jouer un peu select, euh, tu vas assez souvent te retrouver en flip au pire, en 60-40 au mieux, quoi, tu vois, ou ouais. beaucoup. Et, mieux. et de temps en temps, tu vas aussi attraper des mecs qui bluffent. Ouais. Parce que. Toi, rarement as quand de jouer je mets tapis. Mais c'est plus. Alors, rarement quand tu fais tapis. Mais, mais par ou... contre, un mec va peut-être lui essayer de te mettre la pression. Ouais. ouais, ouais euh... c'est clair. Et on le voit hein, quand je te disais qu'on te regarde un petit peu. Alors, on regarde pas forcément tes tables euh, mmh. en détail. Mais on regarde un peu, tu vois, les classements et tout ça. Euh, quand on fait nos sessions. Et tu es souvent quand même dans. Quand tu montes un gros tapis, tu es souvent dans le peloton de tête. Mmh. Donc, ça veut dire que. Bah, toi, ton jeu, je pense, il est, euh, il est assez. Euh limpide entre guillemets, tu joues des bonnes mains et tu les joues à fond quand ouais. tu joues entre guillemets euh, de, de ton côté. Euh, ouais c'est ça. Bah honnêtement moi je pense que par rapport aux connaissances techniques que tu as. Ouais parce que sinon je suis limité parce qu'en que qu fait les, me les, les mecs souvent je me retrouve face à des gars où les gars en fait vont 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 te calculer, vont mieux gérer les coups, vont te faire des trucs. Euh, Snake il est relou, hein. Snake il envoie des, des trucs. Euh. Ouais. Ouais ouais et plus tu vas jouer demain entre guillemets contre un joueur très fort. Et plus... Il a euh... mis ça avec a suite là Ah, il a voulu le bluffer, l'autre. Il... Mais lui, il joue en one-again, hein, depuis, euh, depuis tout à l'heure. à savoir, il m'a mis 20 blindes, il n'avait rien. Là, il a envoyé milieu de pot avec... Euh... Oh, attends, mais c'est quoi la main Comment on fait pour la voir Ouais, c'est là euh, Coup après coup, là, du coup, tac, je me couche. Donc là, il y a déjà eu ça. Roi, donc ça envoie 800. Ça suit. Ça, ça check. Et là, il envoie, justement, euh, moitié. Ouais. Ouais. Pas super bien joué de sa part là sur ce coup-là. Bon alors là c'est une bonne nouvelle parce que le don de bluff il est pas il s'est pas fait éliminer il est encore dans le tournoi était toujours au dessus de lui. Ouais. Ça c'est une des notions aussi pareil s'il y a des moments où t'hésites un petit peu quand t'hésites vraiment à savoir si tu dois y aller et qu'il y a un mec que tu couvres qui est déjà dedans bah, tu peux un peu plus y aller parce qu'effectivement il y a les 22,50 à aller chercher sa prime qui. Là j'ai envie euh... de jouer avec mon roi neuf juste parce que je suis au bouton quoi tu vois donc c'est pour dire un peu l'état du mec quoi. Le bonhomme est ravagé, j'envoie 2-5. Ouais, j'envoie 2-5 euh... parce que je suis au bouton. Roi 9, ça, ça pue un peu, mais c'est pas. Euh... Je pense que dans les mains puantes, il y a pire. Voilà, je prends un set blind, je ferme bien ma gueule. Et ça, ça fait plaisir de bien fermer sa gueule. <laughs> Et bien, bah, tu vois, ça, je, euh, tu vois moi, je, on joue beaucoup avec Benny que tu connais. Ouais. Euh, on a deux styles de jeu assez différents. Euh... Moi très agressif et lui vraiment plus conservateur. Et en fait, lui, ça le rend malade quand il fait une relance et qu'il se fait surrelancer et qu'il doit passer, tu vois. Ouais, ah bah je euh... comprends, c'est vraiment vivable ce que je viens de vivre. Eh <laughs> bien, dis-toi qu'en fait c'est génial pour un joueur conservateur de pouvoir de temps en temps montrer à toute la table. Ouais, que tu mets un petit coup parce que... Euh... Que t'as pas de deux as ou deux rois tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est vrai ça. Parce que là, c'est que j'ai joué peu de coups et quand j'ai joué les coups, j'ai envoyé du 8 blindes, du 7 blindes quand lui avait trois bêtes. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Donc les mecs me voient entre guillemets si j'y vais, je vais moins pouvoir value parce que si j'y vais très fort et que je maîtrise un peu le coup, parce que là, j'ai fait que suivre, ils vont se dire putain, le gars, ça y est, bon, histoire de sa tanière, euh, il est armé quoi. Ouais, on est content aussi... d'avoir perdu ces deux blindes au final, You. C'est ce que tu m'expliques. C'est que... tout... Normalement, il faut toujours essayer de trouver un petit point positif à chaque truc. Donc, moi, quand je me fais attraper sur un bluff, je me dis, bon, OK, c'est pas grave, parce que peut-être que la prochaine fois, quand j'aurai une vraie main de value et que je vais vouloir essayer de miser, bah, il va me payer parce que dans son esprit, tu sais, un peu comme nous, on a mis des notes aux joueurs, lui, il va me voir comme un bluffeur, tu vois. Ouais. Et, euh, et le. L'un des trucs à rechercher au poker, c'est l'image qu'on renvoie, réussir à renvoyer exactement euh, euh, l'image que tu as envie de renvoyer, mais qui n'est pas celle de la manière dont tu joues, tu vois euh... ah non, clairement. Je me dis, c'est peut-être bien de cette table-là, de la mettre vraiment en premium désormais, d'envoyer, comme je vais être à 39 blindes, les blindes, je ne sais pas si elles augmentent bientôt, mais ça ne va pas tarder, tarder, donc... Je, vais assez à, euh, je suis à 50% là, de ce que j'avais. Et peut-être à côté, aller s'ouvrir un, euh, un petit 30 balles en 6 max, un peu plus dynamique. C'est peut-être pas mal. Qu'est-ce que t'en penses Moi, je pense. Je pense et, et alors, par contre, ce que je te conseillerais, c'est vraiment de jouer. Euh, euh, tu vois, tu me disais, ouais, normalement, peut-être tout seul, j'aurais peut-être fait tapis. Je jouais comme, comme je jouerais en uh, solo Ouais. Je joue comme tu ah jouais. C'est euh, vra vraiment solo. genre, j'envoie vois des merguez. Hein, c'est moche à voir, bah... je pense. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est comme. Je sais pas si. Euh, si. Euh, si j'étais euh, si un prof de chant, je voudrais que tu euh, chantes ouais. comme tu chantes d'habitude pour pouvoir. Euh, tu vois ce que je veux dire euh, bah En fait, il y a moins f... de ré... Parfois, il y a moins de réflexion, tu vois. C'est juste, bah, juste ça, quoi. Tu, tu sais que ce qui m'a fait le plus progresser, parce que là, on. C'est d'arrêter de, je... de penser à tout en mode. Euh... Et bah ouais, là en gros, moi, donc on s'est vu quand C'était ju euh, mai, juin ouais. de l'année dernière. Et là, on c'était quoi de, de décembre à février, j'ai fait euh, trois mois incroyables. Ok. Euh, Bravo. Sur les tables de PokerStars j'ai dû faire une dizaine de tables finales. J'ai pris trois, trois, trois titres. Bravo, euh, putain. Deux titres et un autre qui n'est pas un titre, mais bon, voilà. Ok. Euh, on donc, trois donc, trois je... titres, trois titres, allez. <rire> <rire> très, très cool. Et en fait, le, le gros changement dans mon jeu, c'est que je me dis, ok, euh, je... maintenant je vais me faire confiance dans ma réflexion. Ok. Et surtout, je vais faire confiance à mon instinct parce que finalement, mon instinct, c'est un peu la résultante de ma réflexion, on va dire, un peu ouais. subconsciente, tu vois. De fou. Euh, et je vais faire confiance à mon instinct en... Alors, pas euh, les yeux fermés, mais dès que j'ai une décision un peu border ou je sais pas trop, bah, qu'est-ce que me disait mon instinct euh, au, premier, euh, euh, au premier regard, quoi, en gros. Et, euh, et en fait, ça m'a énormément, énormément servi. Okay. Et moi, de ce que je peux te dire là déjà, pour toi, c'est de prendre confiance dans ton jeu de poker parce que toutes les réflexions que tu, euh, que tu fais elles sont bonnes elles sont ultra bonnes c'est à dire que as la, 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 la... tu captes le truc t'as même gueulé à un moment donné quand le don de bluff euh, quand t'avais As-Dame et que le don de bluff ah, il ouais. avait 18 blindes et qu'il n'est pas, pas parti à tapis parce que t'as enfin voilà as compris ce truc là euh, donc euh, mais moi je prends des là, fusées dans la gueule et tout souvent euh, quand, quand je fais que des tapis ouais, mais <laughs> des c'est très cool non mais vas-y ok bah on va, on va, sur celle-là on va jouer comme ça et l'autre du coup on va pouvoir proposer un peu je vais, je vais m'ouvrir à une 30 euh, à, à 30 balles euh, je vais me la mettre en double table comme ça hop table en mosaïque et est-ce que je suis bien à droite c'est la table à 100 et à gauche c'est la table à 30 euh, j'arrive il euh... ah, y a 50 000 ok donc c'est un peu plus euh... enfin, ça change pas grand chose c'est si un, un peu plus deep quoi. c'est un peu moins rapide que, que la table à 100 c'est ça. Et, mmh. euh, et même sur la table à 100, je pense que tu peux jouer ton jeu parce qu'en fait, ouais, il y a un mec à 8 blindes juste à ta gauche là. C'est ouais. pas mal cette histoire. Il y a euh, deux mecs que je couvre, ce qui fait que parce que les, les bounties à 22 balles, ils font plaisir. Alors, euh, si on parle vite fait de la stratégie des tournois chaos par rapport à un tournoi qui est non chaos, ouais. celui-ci là, celui que tu fais le 100, c'est un 20 000 garantie. D'accord. Euh, T'as remarqué qu'en fait, il y avait 50% de ton entrée, de tes 100 euros d'entrée, qui partent dans le, la, les primes, ouais, voilà, et 50% qui partent dans ce qu'on appelle le payout, donc la, la, la pyramide de paiement. Le premier prend temps, le deuxième, ouais. etc. Donc ça veut dire que si tu prends zéro bounty, toi c'est comme si tu jouais un 10 000 garantie en fait. Ah ok. Tu vois. Donc en gros c'est comme si tu faisais un 100 mètres mais avec euh, avec des haies, quoi. Tu te, tu... Pour gagner euh, beaucoup d'argent il va falloir, euh, ouais, va faut falloir kill. Euh, voilà faut qu'il. Donc il faut prendre des risques. Et quand tu as effectivement, euh, Benny disait un truc très vrai la dernière fois, en fait le but du jeu dans les tournois chaos, c'est de ne jamais être le dernier de la table. Parce que tant que tu n'es pas dernier, tu peux au moins euh, éliminer un joueur. Ah non mais clairement. Tu, tu, tu représentes une menace et euh, potentiellement, c'est pas juste les mecs qui te chassent, mais tu en chasses un aussi. quoi. T en chasses un aussi, voilà. Et tu peux avoir aussi, euh, pour le coup, euh, un impact financier direct. C'est-à-dire sur la prochaine main, tu peux gagner de l'argent. Alors que si tu es dernier, il va falloir que tu. Ouais, que tu remontes qu un stack, mec... que tu. Ouais. Voilà. Non mais t'as euh... bien raison. Les gens, euh, n'hésitez pas parce que il y avait le. Je voyais des gens qui galéraient. Je crois faut cocher tournoi communautaire et ensuite vous tapez free roll, free roll de Domingo. Euh... Et le tournoi, c'est jusqu'à quand? Euh, c'est dans, dans une heure. C'est à 22 heures que ça s'arrête l'inscription tardive. Donc, euh, donc là, bon, quand vous arrivez, forcément, hein, c'est des rolls Donc il euh, y a vite le moment où vous allez devoir aussi claquer du gros tapis. Il y a 867 joueurs sur 1500 encore. Donc euh, voilà onglet tournoi et fil de recherche vous tapez Domingo exactement comme je viens de faire et je peux être assez chaud de, euh, de vous faire gagner des tickets euh, les modos je veux il bah, y a 20 qui est là donc c'est parfait euh, en gros j'ai donc 50 gagnants euh, 50 tickets pardon euh, de 20 euros enfin en fait c'est un pack de 20 euros donc euh, le, si vous gagnez vous gagnez donc quatre tickets de 5 euros en gros. Euh, donc il y a 1000 euros au total. Je vous propose d'en faire gagner 25 maintenant. Merci PokerStars dans le chat. Euh, je vais dire ça à mes modos tout de suite. Du merci PokerStars. Et euh, bah, parmi tout le spam, on en fera gagner 25. Et j'en referai gagner 25 à la toute fin, je pense. Généralement, on fait comme ça. Merci encore à PokerStars, hein, qui euh, ça fait bah, un peu plus d'un an maintenant, un an et demi quasiment, euh, qui me permet voilà, à la fois de faire des soirées avec Zave des trucs assez cool, un peu plus axé divertissement avec Gotha, Douag par exemple, sur des tables à trois. Et aussi, bah, voilà typiquement, de, de mettre euh, euh, You à disposition pour la soirée. Et merci à toi aussi de t'être rendu dispo parce que. C'est toujours très cool et j'ai aussi pas mal de gens qui sont un peu comme moi, où bah, ils kiffent le poker, mais c'est vrai que ça prend aussi beaucoup de temps, donc, euh, donc là, c'est plein de petits conseils que tu donnes qui permet aussi de, de fluidifier un peu notre niveau, quoi. Ouais, 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 mais euh, là, pour le coup, euh, je t'avoue que je, euh, je suis assez, euh, assez impressionné pour quelqu'un qui joue peu, euh, de, finalement, de la fluidité, en fait, de tes réflexions. C'est-à-dire que t'as pas… Même si, ben bah, voilà, tu, tu réfléchis à voix haute, donc t'essayes, ouais. c'est assez cool parce que du coup… Ouais, j'essaie de te faire comprendre à peu près, euh, comme ça, si c'est nul ou bien… Euh... Ouais, mais euh, je trouve ça assez, euh, assez limpide et pas trop confus, en fait. Et euh, le, là, je pense que même mon but à moi, ça va pas être de trop te confuser non plus, tu vois Ok. Euh, euh, tu serais comme un, un, un joueur de tennis, tu sais, qui aurait déjà un, un coup droit et un revers très euh, euh, très intéressant, même avec des imperfections techniques. Mais euh, voilà, est-ce que ça vaut faut que je prenne la balle un peu plus tôt <laughs> C'était génial d'ailleurs. Hein. De votre match de tennis, ça, ça remontait un petit moment. Ah oh, putain, merci. Mais, à Roland, ouais. Ouais, 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 il est à un bon niveau, je trouve. Hein. Bah, bah ça, en vrai, euh, vrai c'était incroyable comme moment euh, parce que You joue pas mal aussi au tennis, on avait pas mal parlé pour, euh, pour les, gens, les gens du chat et euh, bah en fait le truc c'est que moi je préparais le marathon et en fait j'étais sur une putain de prépa et du coup j'avais juste pu en jouer euh, une ou deux fois au tennis euh, parce que bah c'était aussi un peu fun donc j'étais pas en mode vas-y faut que ouais. je sois à mon top niveau quoi qu'il arrive parce que euh, bah tu voyais bien que Benoît et Gaël quoi qu'il arrive <laughs> ça jouait tranquille sur nous et ça jouait entre eux et Zera euh, j'avais un peu plus d'expérience que lui quoi mais euh, mais donc du coup j'ai pas pu me donner autant que je voulais pour récupérer mais euh, mais c'était incroyable comme expérience vraiment c'était euh c'était vraiment, vrai. hein, vraiment hyper plaisant et ça m'a donné envie de reprendre le tennis. J'ai eu envie cette année -là, de reprendre à fond le tennis, sauf que je fais des trucs un peu dans le foot et tout. Donc je me suis dit, bon, vas-y, peut-être que l'an prochain, je vais vraiment m'y remettre et je pas juste envie de taper la balle une fois pour taper la balle. Et, et si je m'y remets, j'ai envie peut-être de refaire des petits tournois et tout. quoi. Hum, bon, là j'ai suivi parce que je suis grosse blinde, j'essaye de défendre. Il euh, pas vraiment de raison, c'est un peu con. Rien de dingue, j'arrive à table, je défends la grosse blinde, je montre que je ne suis pas un Yankee voilà Non, c'est très bien de défendre ces mains-là. En gros, si tu te demandes si tu dois défendre une main quand t'es de grosse blinde, dis-toi que déjà si elle est euh, uh, suitée, c'est mm -hmm. si de la même couleur, tu peux y aller quasiment les yeux fermés. Ok. Voilà. Alors un pas peu... pour, euh, alors, sauf si le mec te demande quatre blindes. Oui ou, oui, voilà, oui. Si c'est juste d'une blinde, euh, d'une blinde, t'y vas quoi. Ouais. Une petite Oula, blinde à rajouter, t'es en mode bon bah pourquoi pas euh, se retrouver dans un coup un peu piège quoi. Mais surtout que tu as déjà mis une blinde, toi, en fait, quand tu es de grosse blinde. Donc, finalement, ouais. le, ce qu'on te demande de rajouter, parce que ça reste une position quand même assez pourrie, hein, on va pas se mentir. Euh, parce que tu vas souvent parler après le mec. Là, tu étais en bataille de blindes, mais euh, tu vas souvent parler après les joueurs, etc. Enfin, avant les joueurs. Ouais. Euh, donc, ça reste quand même une position un peu pourrie. Mais elle est compensée par le fait qu'il bah, y a beaucoup de gens qui essayent de voler les blindes. Donc, ils n'ont pas tout le temps des mains énormes. Et euh, avec une main suitée en ayant déjà mis une blinde avec les entées, la small blind, etc. etc., T'as la cote pour aller essayer d'aller chercher une paire, un tirage couleur, un tirage quinte. Et de temps en temps, ça se passe très bien. Ouais, J'ai la cote là, la suite, hein <laughs> Hop, snake 6 euh, blindes Ah non. 1,2, allez du cœur. Ouh Ouh Mais bon, c'est un peu de la merde parce que j'ai un 8. Lui, il a joué un UTG plus, euh, plus 1. Il m'a envoyé quoi il Bon, j'ai l'AS, hein. je ne veux pas non plus tout de suite l'imaginer sur A3, euh, euh, juste il y a des mondes où il a un bel AS quand même, donc euh, quoi qu'il arrive en fonction, je vais devoir un peu suivre, un hein. 85 ça ça va payer. Snake est moins bien que moi hein, aussi, hein. Snake je le couvre, hein. donc il y a quand même cette réalité là. Euh, à ne pas oublier, la couleur elle s'échappe petit à petit. C'est vrai que j'ai peut-être un AS un peu faible, mais bon, faut pas l'imaginer tout de suite comme ça non plus, euh, je pense que Snake il est content d'être en passager clandestin là. Il y a peut-être aussi euh, un petit 3 qui s'est glissé sur un des deux. Du coup, ils attendent un 5. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Il y a les deux piques, hein, bien sûr. Cela, ne faut pas les oublier non plus. Là, ça va sûrement envoyer. La question, c'est à quel point je trust mon As. quoi À quel point je trust mon As Mon As, pardon, est-ce que j'aurais dû relancer Lui, il a deux personnes. Ça a déjà suivi sur son 1-8. Donc lui, la, la classique, c'est qu'il nous envoie du 5-6 pour faire peur. Oh, ça te check juste en petite couille. Ça check juste en petite couille. Snake, il va sûrement envoyer. Du coup, on le connaît. Il envoie pas. Il envoie pas. pas. Bah, moi, j'en vois, du coup, hein, je pense. Hein. J'en vois. Les mecs, ils sont pas allés. Euh, J'ai un peu de mal à value dans ces moments-là. Euh, 50%, je trouve, c'est souvent beaucoup. J'ai envoyé 5,8%. C'est quasi, 45%, quoi. 40, 45%. Est-ce qu'il y avait cet as meilleur Snake, qui se dit peut-être que justement, le check. Euh ils n'ont pas mis non plus énormément, c'était 2,5 plus 1,7 je crois, Un truc comme ça, 1, quelque chose. On va voir, lui il se couche, snack. Est-ce que ça relance à tapis, est-ce que ça suit juste, ça se couche juste. Bon bah voilà, j'ai beaucoup anticipé que tout le monde était meilleur que moi, qu'au final mon as, euh, il a bien tenu. Bon bah je vais me barrer. Hein. De quoi Je, je <laughs> sers à rien. Pourquoi C'était bien là, c'était logique ah ouais, ouais, ouais non, c'est parfait. Alors, effectivement, euh, tu t'es posé les bonnes questions parce que est-ce que ton as est bon par rapport à un as Si euh, c'est Sebozor à un as, a priori, la réponse est non. Mm. Euh, ton as sera pas bon. Maintenant, ouais, il est, il est pire, quoi. Mais tu peux pas. Je me suis est... dit, tu vois, naturellement, je me serais dit, ah oh, putain, c'est ça. Oh, le mec, il a genre As ça As Valet, quelque chose. Ou même As Dame, et du coup, il y avait une Dame, et je me suis dit, vas-y, il faut aussi un peu croire en soi, sinon. Euh... C'est ça, donc en gros tu t'es dit au départ, euh, bon, bah j'ai mon as, je suis content, je vais, je vais la refaire pour tous ceux qui sont dans le chat, c'est, t'as eu ton as, t'es très content. Après tout de suite, après tu t'es dit, attention, j'ai qu'un 8 avec mon as. Donc ça c'est une très bonne réflexion. C'est-à-dire que tu ne vas pas partir à tapis tout de suite, bim, bam, boum, mmh. parce que tu as juste un As. Donc, tu sais que ton kicker n'est pas très bon. Pourquoi Parce que c'est Bowser qui a relancé UTG plus 1. Bah lui, il a tous les meilleurs As dans, sa, dans son éventail de mains. Il a les As-3, As-Dame, etc., etc. Quand il fait sa mise de continuation, on a dit tout à l'heure que les joueurs qui, ont, qui relancent avant le enfin, flop… Je même pas pensé à ça, mais euh, je ne l'ai pas intégré. Merde voilà, quand il tombe sur un flop avec un, un, un as, euh, un roi, alors encore plus, ça, ça me permet de. de Mais souvent, de ils mettent du 1,67. C'est un peu la mise, ouais. euh, c'est un peu ce truc-là. Là. Parce qu'ils n'ont pas besoin, en gros, de euh, miser cher. Parce que soit ils ont l'as, et de toute façon, si tu payes, bah, ils sont bien contents que tu payes, soit ils ne l'ont pas, et comme ça, ils bluffent pas trop cher. Ouais, c'est un peu l'idée générale. Ouais, c'est vrai, Donc, bien ça. donc là, tu as payé, et derrière, oh. quand il a checké. Oh, Excuse-moi, pardon, 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 mais là voilà, c'est juste oui, un tirage oui, oui. plaisir. Il y a l'as, on est sur un tirage couleur. Ah, oh, Pardon, pardon, tu peux Excuse-moi, mais j'avais besoin d'extérioriser là sur ce. Non, non, mais t'as raison, et puis là je vais te laisser. Je vais te laisser oh, le 1,86, le classique, j'ai envie de dire. Celui qu'on connaît tous. Le Valet ne m'arrange pas tant que ça, mais bon, on va continuer à. Moi, c'est là où je suis le meilleur, c'est le passager clandestin. A5 dépareillé, euh... naturellement, je jouerais. Mais euh, dépareillé, etc. Que 11,7 Qu'est-ce que tu fais, toi Tu as mis 1, tu mets 11,7. Il veut faire coucher les couleurs T'as As-Valet, t'es content Oh, je te baise. Là, il y a deux choix, là. Est-ce que là, je value ma couleur Ou est-ce que. En fait, c'est compliqué parce que comme il y a deux choix, je pense que le 11 voulait me faire coucher. Naturellement, je tenterai un check pour continuer ce passager clandestin, sauf que je pense que la couleur va lui faire peur. Mais en même temps, je viens de payer 11 blindes. Je viens de payer 11 blindes. Ah, en fait, si je value, je pense qu'il se couche. En fait, je viens de payer 11 blindes, donc il se dit peut-être. Euh... Oh là là, il va check. Ah, il a check instant, je suis trop con, putain, c'était juste un bluff. Ah je me suis dit que le 11 blind du coup... Ah j'aurais voilà. du, val, du Value sans Non pour moi il a un petit truc. Il a il a peut-être attrapé un valet, il a peut-être un as. Fais, tu peux regarder, voir sa dernière main. Ah, il avait as 10. Il a un as. Tu vois En fait... Ben, là encore, ah, il se dit des... qu qu que j'ai un meilleur as quoi, en fait là. Mais là je dois Value du coup. Ou non il se couche non, en, en fait, vrai. En fait, quand tu check, lui, il check back parce que sa main, elle a un petit peu de, 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 de ce qu'on appelle d'équité, de showdown value, c'est-à-dire de valeur à l'abattage, parce qu'il ouais. fait une top paire avec un kicker décent. Euh, ça peut battre effectivement des A-suites des pareillés ou ce genre de trucs qui n'auraient pas trouvé la couleur. Euh, mais effectivement, quand la dame de trèfle tombe, il a quand même très peur que tu aies les trèfles je pense, euh, les trèfles ou, euh, ou un As meilleur, tu sais, ou deux paires ou ce genre de truc. Euh... Je me suis dit, si j'envoie 10 blindes, il va se coucher, quoi. Mais... Et du coup, j'ai voulu continuer sur, bah en fait, vas-y, euh... entre guillemets, si jamais je jouais la couleur, j'aurais pas suivi sur 11 blindes parce que c'était peut-être trop cher pour juste une dernière carte. Euh... Mais en même temps, ouais. là, là, je devais faire quoi Et Je bah, devais envoyer quand même, je... non c'est là où, en gros, as le, le, le jeu que tu penses qu'a Lucky Ventura sur ce coup-là va guider, en fait, ton, ton play. Donc, toi, en gros, tu as checké, là, ouais. euh, parce que soit tu pensais, alors j'imagine, hein, soit tu pensais que le mec avait un jeu quand même vraiment pas mal et qu'il allait continuer quand même à, à, à essayer de value, ce qui est une possibilité, soit aussi, peut-être que le mec n'avait pas grand-chose, et que dans ces cas-là, alors moi, c'est peut-être moi qui, euh, qui l'interprète. Je pensais que le Lucky Ventura, il y avait un, 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 un cas où il n'avait rien. Ouais. Et où dans ces cas-là, il allait peut-être essayer de se servir du trèfle pour bluffer. Ouais. Donc en gros, ton check de ce côté-là était vraiment très bon. Mais il n'aurait euh... pas mis 11 blindes avant s'il si voulait, si voulait camoufler une couleur, non euh, Alors s'il si cherchait une couleur... Euh, tu vois, tu es, es, con es content d'avoir une carte gratuite, quoi, entre guillemets, quoi. Alors tu es content d'avoir une carte gratuite, sauf dans certains cas, si le mec est assez fort. Euh, quand ta main a beaucoup, beaucoup d'équité grâce à la turn. C'est-à-dire que tu n'as pas touché, mais là, par exemple, as... le joueur, il a Dame 10 à cœur, par exemple, tu vois. Okay. Euh, ce qui lui donne tirage, quinte, flush, royal, par exemple. Donc, il joue les cœurs, un petit peu comme toi avec le As-Dame euh, tout à l'heure, où tu jouais euh, la couleur et la quinte. Euh, ça peut être ça aussi quand il fait très cher. Ouais, euh, c'est clair. Mais donc, du coup, en gros, ce, ce sur quoi je voulais arriver, c'est que quand tu sais pas trop ce qu'il peut avoir, là, à un moment donné, tu as dit Il a peut-être un As, etc. etc. Peut-être que de tenter de miser, mais tu as fait la bonne réflexion de dire bon bah, si je mise en gros, il va passer. Mmh. Ça, d'accord. Mais euh, du coup, tu pas obligé de miser tapis, tu vois. Ouais, bah ouais, je peux, peux mettre miser. un 30% pot, ou quoi. Ouais, 30%. Euh, ah, et ouais. bah tiens, il va faire couleur derrière, ça va. Ah, le... ouais. Comme quoi. Un petit peu de baume au cœur. Ouais, ah, ouais, non, mais. <laughs> euh... Mais voilà, et en gros, bah là, on rentre dans du, euh, du, du, plus, du plus fin, quoi. C'est très cool. Ah non mais là c'était intéressant là, là je m'en veux un peu mais c'est comme d'hab, Sou souvent là je, parce que je, ça a marché ce truc de passager clandestin mais c'était un peu ma seule, j'appelle ça comme ça quoi, mais juste je me fais emmener, euh, j'ai un gros truc mais je me fais emmener quoi. Euh... Oh, ma paire de trois là... Euh, bah là j'ai envoyé un peu là ma paire de trois. vas-y j'envoie deux blindes là-dessus mais je vais me faire surrelancer, je suis UTG, voilà. Ah il a all-in ah bah c'est intéressant là parce que là il y a beaucoup d'argent avec une paire de 3 en plus. En vrai j'hésite à mettre tapis aussi. Tu vas pas pouvoir. Ah bah pourquoi Parce qu'en fait il a pas fait... Euh, ah il pour... a pas ça... fait x2 Voilà il a pas fait x2, ouais. ça ne réouvre ré pas le tour d'enchère. Ouais mais là lui il va vouloir me, me piéger en même temps, je, rep... je représente pas une menace pour lui. Voilà il y a deux coups à jouer là. Là le prochain il va m'envoyer des sous et je saurais pas quoi faire. Ah non il check juste. J'aurais dû miser je pense à droite là. Ah non ok on va juste payer gratos. Oh il touche le 10 à la toute fin. Ah oh, bah c'est lui qui gagne avec la couleur quoi qu'il arrive. Pas de regret. Ouais, ça servait ça servait pas à grand chose. Oh, il a de le valet. Bluffer, de, de bluffer ce coup-là avec les paires de 3. Parce qu'en fait il y avait il y avait pas de pot extérieur tu sais tout était dans le pot principal que Tommy. Ouais Tom j'ai eu peur gagner. que Axor me mette une pression justement voilà. pour me faire coucher pour être juste en tête tête pour récupérer le bounty. Ça peut être une stratégie, mais là, il y avait tellement de cartes hautes, finalement, ça aurait été très bien sur un flop 2, 8, 5, 9, ou peut-être que Tommy Tom, s'il avait deux grosses cartes, il n'aurait pas touché, et que tu veux jouer le coup en tête à tête, tu vois. Mais euh, là encore, c'est assez, euh, assez élevé comme euh, ouais. degré de réflexion. Putain, là, Roi 7, j'ai décidé de payer euh, pff, juste pour le Roi, euh, c'est une erreur, je pense. Là, on est sur. Euh... On trouve dans des coups, là, là ça joue trop de coups là. Là il va falloir Alors, se reconcentrer là, parce que là je me suis fait embarquer un peu partout, j'ai perdu bêtement des, des coups là. Théoriquement, c'est pas une erreur de payer avec Roi 7, parce que tu auras souvent une meilleure main que le 20 quarante 45 là, parce mmh. qu'il a relancé au bouton. Faut voir qu'en gros, le, le mec, bah en plus il est bon, lui, 20 45. Les mecs qui sont au bouton, ils vont relancer quasiment allez, grosso modo une main sur deux. Ah, lui, il a un million aussi. de mains jouées minimum sur PokerStars, c'était en mode. Euh... Ouais, en plus, donc lui, voilà, c'est gros régulier. Donc là, en gros, c'est de se dire, par rapport à tout l'éventail, toutes les possibilités de mains que le mec relance, Roi-7 finalement, on n'est pas si mal. Ouais, je me dis, je vais chercher un petit flop, un petit Roi au flop, euh... voilà. Donc ça, on va dire que techniquement c'est pas forcément une erreur là où ça devient plus une erreur on va dire dans le global de la jouer tout le temps comme ça juste pour toucher un roi ou un 7 c'est que tu vas pas le toucher assez souvent ouais. pour, euh, pour compenser ton risque en fait et euh, oui donc du soir, coup tu vas beaucoup perdre et euh, tu vas te coucher huit voilà. fois au flop là où ça va toucher une fois mais euh... exactement et peut-être que la fois où tu vas toucher en plus lui il aura rien du tout et ouais. tu vas rien prendre euh, machin donc euh, c'est là où au global c'est pas fou mais par contre faut avoir conscience que tu as quand même une meilleure main que lui souvent donc peut-être de temps en temps peut-être je dis bien peut-être euh, le sur relancer. Ouais. On n'est pas encore là, tu vois. Mais non, en non, gros, mais... ça, ça, ça tu vois, j'ai du mal quand j'ai pas les grosses mains, quoi. Ça, je suis voilà. capable, tu vois, par exemple, euh, as roi, j'y vais, euh, as dame, j'y vais. Bah, ça va être le stade euh, pour moi dans ta progression maintenant avec tout ce qu'on discute et tout ça. Je pense que ça va être pour moi le, le, ouais, le bientôt le de le tenter stade, des petits plays un peu qui sortent de l'ordinaire parce que sinon je suis très vite lu par les, par les règles, c'est ça. Bah, en gros, tu te... aujourd'hui, tu te, je vais te laisser jouer celle-là. Ça touche. Envoie ton tapis, Snake. Envoie ton tapis. Envoie le tapis. C'est. Oh, moi, je suis obligé d'envoyer de... là. Pas les laisser vivre là. c'est beaucoup d'argent pour moi au milieu là. Vous croyez quoi là Les chiens de la casse là. Allez, on passe à la caisse, les chiens. Oh là, il fait chier ce roi. Dis pas qu'il va reprendre la, la main en m'envoyant en un œuf blinde là. Qu'est-ce que tu me fais toi Qu'est-ce que tu me fais, quel Karim là Voilà. Ouais, je continue à bête là. Ah, grosse couille quand même. Hein. Ah, je crois en moi, grosse couille. Il s'en fout, c'est 10%. Il va aller chercher mon tapis là. J'aurais dû mettre tapis là à la limite. Autant mettre tapis, je mets le pot. En fait, là, j ai, j ai, le pot, c'est mon tapis. Et là, il va miser, là. Et là, il va miser, ce chien. Et je suis éliminé là-dessus. Oh, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a Ah, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. On le sait, on le sent. Il n'y a, okay, a aucune surprise. Là-dedans, de A à Z, il n'y a aucune surprise. Je mets là, là. Je mets là. Euh... Putain, putain de merde, hein. Il a touché deux, deux trèfles. Il me reste 10 blindes, je vais y aller. quoi. Je vais y aller juste pour voir. Il a, soit il a touché son roi, soit il est max de base avec une paire de dames, paire de d'as. Waouh. Wow. C'est ignoble. Il avait paire de 8, il a suivi tout le long. Ouais. J'ai envoyé ouais, et il est allé chercher comme ça valait le coup. Euh... Comme ça valait et... le coup. Ouais. J'étais devant jusqu'au bout et en fait il a touché sa couleur. J'aurais dû mettre tapis en fait. Je sais même pas si ça l'aurait ça aurait pas fait peur. On aurait eu la même finalité, mais je devais mettre tapis. Euh, non je... je pense qu'il vi... il serait venu quand même parce qu'il y avait le Bounty, etc., etc. Mais euh... bah voilà, il faut pas être trop orienté par le résultat. C'est ce qu'on dit au poker. Là, très clairement pour moi, tu as bien joué la main et es tombé sur un mec qui a fait une, qui a pris, qui a fait une succession de mauvaises décisions pour finalement réussir à gagner. Ouais, ça, ouais ça arrive. Non, mais ça, ça arrive, beaucoup. ça arrive. Non, mais après, je me suis dit, vas-y, je sais à peu près, mais autant payer. Oh, et on se finit sur Snake qui. Oh, yes Snake qui tombe C'est <laughs> sublime Oh, ça, ça nous redonne du baume au cœur Oh, sur le gong, il vient tomber Bon, du coup, éliminé du tournoi à 100 balles, quand même. Hein. Bon, là, là, à 1h18, sachant qu'il y a. Euh... L'inscription euh, tardive finie dans 56 minutes, ça vaut plus le coup de se réinscrire sur un aussi gros, non l Là, pour le coup, c'est vraiment toi qui vois. Hein. Moi, personnellement, bah, si je m'inscris à les tournois à 100 euros, ça veut dire que j'ai la bankroll de les faire. Et donc, du coup, bah, je. Attends, déjà, je vais tout je... lui mettre à lui. Là. Déjà, lui. Lui, déjà, là, il va tout bouffer, lui. Allez, couche-toi, toi. Allez, couche-toi. jouons là tranquille. Normalement, j'en vois 6 en plus. Le 7, il est un peu haut. Hein. En plus, tu m'as dit que c'était pas. Là, c'est juste. Ouais, en plus, c'était juste du tilt, là, parce que tu m'as dit que c'était pas le. As-Dame pas suité, elle représente pas tant que ça. Après, il m'envoie qu'un 2 blindes aussi. Donc, bon. Faut... Alors là, c'est différent tout à l'heure. C'est que tout à l'heure, tu avais 100 big blindes. Là, maintenant, tu n'en as plus que 40. Ouais. Donc là, 40, on est quand même très content de pouvoir partir avec une main. Alors, comment est-ce que je peux te le. Plus t'es profond, en gros. Ouais. En, en... en... en tapis. Euh, donc plus es au début d'un tournoi, on va dire, euh, et plus en gros, il faut essayer de rechercher ce qu'on appelle des combinaisons, c'est-à-dire de trouver des mains qui vont pouvoir te faire faire deux paires, couleurs, quinte etc., etc. Et finalement, juste de faire top pair, c'est pas très cool ouais. dans un pot, euh, voilà, parce que tu vas quand le pot va s'enflammer, top pair quand il y a 100 big blind de profondeur, t'es rarement, euh, es rarement bien, euh, t'es rarement bien engagé. Par contre, quand es à moins de 50 blindes eh bien là, le euh, ne serait-ce que de faire une top paire, As-Roi et de prendre un roi, euh, gagner une main avec paire d'As sans avoir touché tout ça, euh, là c'est intéressant. Donc j'aime bien ton euh, ta, ta sur-relance avec, avec ton As-Dame. Quand tu es à moins de 50 blindes, c'est le moment où il faut être le moins passif possible. Ouais, c'est ça, c'est que, que chaque décision. Eh, hey, tu sais quoi Vas-y, on y va. Fais... Oh, ça fait plaisir, ça. Je fais peu de... Attends, bon, on va se jouer cette main. Ensuite, je me réinscris dans le 100 balles et on joue exactement comme si je jouais en caleçon devant, mon devant ma télé, avec mon téléphone, mon petit <laughs> truc. Ça va mettre des gros tapis que sur les mains premium et on va voir, là. Je vais aller les rechercher, là. Je vais aller les rechercher, je le sens. On y va. Et bon. nous, ce qu'on pourra faire, si tu veux aussi, c'est parler justement des plays que les mecs sont en train de faire les uns avec les autres. Ah ouais, comme ouais. Ça, tu vois après ça va être du double table, donc c'est vrai que quoi qu'il arrive, ça va assez vite là. Bon, As, je suis sur un 10, on n'est pas si bien que ça, mais bon, enfin euh, si on est très très bien. Euh, je parlais en cas de justement on se retrouve avec, euh, avec un, un As en face. Euh, Qu'est-ce qu'il a, Vinci, là Qu'est-ce que t'as, vincile Tu veux quoi là Comment ça tu fais ça, toi Tu respectes pas la famille là, c'est ça Il a à suite ce chien. Pardon, j'insulte tout le monde, mais si jamais vous êtes en face, c'est peut-être un français. Ouais, c'est un français, pardon Vincile, je... ce n'est pas contre toi, c'est contre un avatar. Pour moi, il a à suite... Là, j'ai envie, de... je suis tilt, je vais mettre ta pile. Hein. Euh... Je ne le vois pas le me relancer juste avec un as. Ou alors, il va chercher les piques. Le truc, c'est que ça sert à rien de mettre son tapis parce que son tapis, il me couvre. Donc, euh donc en vrai, c'est un mauvais move de mettre tapis. Soit il va chercher les pics pour moi, soit il est sur A7 ou A8. Putain. Mon instinct profond me dirait de me coucher. Le souci, c'est que lui aussi va se coucher et du coup, on ne saura pas. Je me couche sur celle-là parce que je suis encore bien présent sur le truc et que mon instinct me disait que. Moi, Parce que, que, que sinon le mec, moi, tu vas voir. Moi, je... soit il a 7, que... soit il est en As 3, il est du coup il est en top kicker ou soit il va chercher la. C'est exactement ça. J'en suis a du coup, coup dans le bon ventre temps, mou, As Valet, il est juste mieux que moi, tu vois. Et l'autre joue les piques. Donc euh, donc quoi qu'il arrive, j'étais baisé C'est bien lu, Pera On va gagner ce soir. Ok, on se inscrit au 100 balles. 100 balles, boum, hop, je reviens les mecs. Re, <laughs> re, c'est <laughs> le fiche <laughs> Le fiche est de retour. Bon, 33 blindes, parfait. Vous jouez agressif. Oh. Bon, cette 4 Là, on est tout bon. Ouais, je me suis ouais. dit euh, as dix. Je suis dans le ventre mouche. Je, je l'imaginais un peu mieux que as valet. As valet, euh, il relance, il est confiant quand même, parce que. Bah en fait, il, il, alors je vais essayer de réfléchir comme lui. Il a réfléchi. Il s'est dit que toi, euh, comme t'as pas surrelancé relancer tu t'as pas as roi. T'as peut-être pas as dame avoir Asdam si tu payes juste mais sinon en gros tu as Asdam As valet As 10 et après est-ce que tu miserais tout le temps quand tu as deux paires ou est-ce que tu essaies de slow player enfin bon bref en gros il imagine je pense que son As valet est mieux que le enfin son As est mieux que le tien souvent ouais. et que euh, le mec qui avait fait tapis avec son euh, son tirage couleur là ouais. euh, bah, c'est à peu près ce qu'il a il a 9 et 10 pour un tirage quinte, il a un ou un tirage couleur. Et donc là, il s'est dit qu'en gros, avec la, si là, lui, il arrive à te faire passer déjà, il y a pas mal d'argent au milieu et finalement, son move, il est ok, tu vois. Donc si ouais, je pense que c'est ça. Et justement, tout à l'heure, juste avant que tu aies une main, j'étais en train de te dire, je pense, l'axe le... de progression pour toi, c'est qu'aujourd'hui, tu sais à peu près. Bah, quelle main jouer, dans quelle situation tu es, etc. etc. Et maintenant, ça va être de comment on, euh, on réussit à tirer profit de ce qu'on pense qu'ont nos adversaires. Ouais. Donc là, typiquement, tu as pensé que ton adversaire avait un meilleur jeu que toi, tu as passé. Mmh. Donc, ça c'est très bien. C'est à dire que tu t'es pas uniquement euh, fié à ta main en disant j'ai As10, euh, bon c'est quand même top pair avec un bon kicker, etc. etc. Là, tu t'es euh, tu t'es situé par rapport à la main de tes adversaires et t'as dit ok, là normalement je suis pas bon. Euh, et en plus, je te rajouterais même qu'il y avait un troisième joueur encore donc dans l'histoire, le mec de grosse blinde là. Et lui aussi peut avoir un gros jeu. Lui peut avoir 2 ouais, ouais, ouais. paires 8 et 7. Il peut ça, j'ai un... pas assez analysé ça peut-être. J'étais trop focus bon, sur l'autre. Mais après, bon, j'étais tu... pas non plus en train de payer quoi. J'étais plus sur le nom. Et il y avait ce 5% qui me taraudait de. Hmm, Est-ce que. Le mec de blinde, il était dans, dans ta réflexion de ton instinct. Quand tu dis d'instinct, de, de, je sens pas ce coup, je pense que je vais passer, c'est parce qu'en en plus, il y a un mec en plus. tu vois ah. Et donc, je pense que ça, là, tu ne l'as peut-être pas vu directement et tout, machin, mais dans ton, dans ton inconscient, il était présent et ce n'était pas cool pour toi. tu vois euh, Maintenant, il faut réussir à savoir quand il y a pas grand-chose chez les autres, ou quand, tout simplement, tu penses que tu es mieux. Et bah agir en conséquence. Donc peut-être de temps en temps, bah sur -relancer, mais avec une main vraiment pourrie, parce que ta main n'a plus d'importance. Ouais. Juste parce que tu veux prendre le pot maintenant, parce que tu penses que ton adversaire a pas grand-chose. Ouais, euh... c'est vrai, c'est Plus jouer sur ce que qu l'autre. Ça j'ai du. Dû... En fait j'arrive à le déchiffrer, tu vois, comme ça, mais j'ai du mal euh, maintenant à... À, le passer, ouais, bon, à le passer, à le passer à l'action entre guillemets. Ouais, ouais c'est ouais, ça. Ouais, c'est le plus dur. Hein. Tu sais le... le... Euh, pour reprendre le cas de Benny Théoriquement, il est très 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 fort. Il connaît toutes les théories possibles. Maintenant, il a Tu vois, honnêtement, bienvenue. J'aurais été en caleçon chez moi, j'aurais fait ça, tu vois. Ça Bonjour. La, strat <laughs> la stratégie kill la. Pour... En mode, j'en ai rien à foutre. Et bah, en gros, là, de toute façon, tu parti à tapis, donc je peux te parler. En gros, là, tu es en train de mettre en... Tu, tu vas te faire payer 100% du temps par euh, perte de valet ou plus ou ouais. paire de 10 ou plus. Mais dans ces cas-là, s'il a, euh, si il a euh, paire de 8, perdre de 9, paire de 10, paire de Valet, bah, tu es en 50-50 contre lui, à peu près. Donc finalement, bah, c'est plutôt cool contre un mec... Euh... Et, et là, du coup, bah, je me fais quelques blindes. donc je, je me fais un stack qui va me permettre, à terme, de pouvoir couvrir d'autres mecs. Euh, bon, pas Bien sur sûr. un As-9, mais, euh, mais c'est un peu ça, ouais. Pardon, je t'ai coupé en plein milieu, de, excuse -moi. Non, non, mais c'est ça. Et c'est la, la stratégie qu'on appelle kill-feel. Donc en gros, euh, on fait prendre des décisions aux autres et c'est plus nous qui prenons la décision. Et si on devait. En fait, je suis bon au poker ça... quand il faut plus réfléchir quoi. <laughs> ouais, bah disons que c'est toujours plus embêtant d'être dans, dans le doute quoi. Ouais. T'as fait tapis, en gros comme disait Bruel, t'as transféré le mal de crâne à, aux autres. Toi t'as plus mal au crâne quand t'as fait tapis. C'est vrai. On voilà. oh, me dit pas que tu me ressors une dinguerie toi à base de trèfle. Hein. Ah, j'ai deux blindes à mettre, j'ai As9, c'est un petit As. Euh... Après, c'est un As qui se joue quand même. Hein. Ouh Pardon ah, Je suis vraiment dans la merde. Hein. Aïe, 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 c'est dur, tac, tac, boum, je dois checker. Allez, on voit, on voit, on voit, on voit, on voit. Oh, Cinq blindes, il paye, il paye. Toi, tu fais quoi, toi À gauche, là. Je vous gère sur toutes les tables Sur toutes les tables, je vous gère Qu'est-ce qu'il nous fait, Vincile, là Me dis pas que tu m'as sorti une, une couleur, là. Là, là je suis en passager clandestin, c'est parfait. Là c'est exactement ce que je souhaite là. Neuf blindes, mais tu mets neuf blindes là-dedans toi ah, J'ai la flemme, je dois payer euh, As-2. Il est sur quoi 3-5 sinon Là il met tapis. Moi je te suis. Il a paire de Valet. C'est fini mec. C'est fini allez. là. Et là ça fait, là ça double. Et toi je te suis à gauche. Oh il a, une... oh il a oh, As-10 <laughs> contre As-Valet. Deux fois que je prends ça, eh, frère, oh, ça va aussi là le cheat. Bah, Celui-là, il est beaucoup moins euh, évitable que l'autre. Bon, en tout cas, l'autre, tu l'as bien évité. Celui-là, était dur à éviter quand même. Mais, euh... Ah ouais, je, me, je le voyais que sur. Euh, ouais, le As Valet, euh, pff, ouais, il n'était pas simple. Bon, là, je vais me coucher. On va, on va, on va jouer un peu tranquille. Bon, le neuf le, m'a bien emmené, là. Hein. Putain. Alors, ouais, l'intérêt, effectivement, ça aurait été dommage là de passer As 9 euh, quand tu as fait le, le, le brelant là. Euh, Pré-flop. Parce que, bah, effectivement, tu, tu l'as dit toi-même, hein, ta main n'est pas folle contre euh, bah, tous les gros as de, de ce genre-là, ouais. de SEMA 78. Par contre, il bah, faut pas euh, éluder le fait que de temps en temps, il peut avoir euh, père de roi, père de valet, père de dame. Et là, en gros, quand tu as un as, quel qu'il soit, contre euh, euh, père de dame, père de, euh, père de roi ou ces grosses pères-là, tu as 30% de chance de gagner le coup. as 9 contre père de roi Okay. Alors, c'est si tu vois les 5 cartes. Là, normalement, très souvent, tu vois... en Bah voir, du coup, euh... puisque tu m'as dit ça, je mets tapis avec mon AS9 à gauche. <rire> <rire> Hop là, je suis mort. Putain, lui en plus, il envoie tapis derrière. Il a quoi Il a As-Dame. Il a paire de 10. Moi, paire il a de a valet. AS3 ou une petite paire AS3 une médium paire pour moi, mais... Euh... Enfin, AS3... Euh... paire de 7. Euh, voilà. J'ai les 9. Bref. Un, un oui Et oui. J'ai senti qu'au début, on n'allait pas avoir trop de chance. Tu sais pourquoi? Parce que pour setup mon stream, j'ai fait deux spin and go à 25 centimes et j'ai eu que de la chatte sur des dingueries. J'en ai gagné un sur deux et j'ai mis, mis des dingueries. J'ai fait que all-in, 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 all Tu vois, parce que j'étais en mode, ok, juste, voulais, je voulais setup le stream. Et en voyant que je mettais des dingueries, je me suis dit, putain, le stream peut être nul parce que je vais prendre des dingues. Là, j'ai l'impression que, honnêtement, j'ai plutôt, plutôt un bon jeu ce soir. On n'a pas pris de dingues. Rien d'illogique. Rien Tout à l'heure, euh, le mec nous a rentré une couleur, mais bon, c'est le jeu, quoi. La variance, on n'a pas eu de chance, mais, euh, mais ça va. Mais là, je pense qu'on est de retour. Là, on est de retour au sommet. Table de droite, 21ème sur 100. Faut faire fructifier ça. Là, à l'heure actuelle, je suis type leader de ma table. Comment jouer ça? Tout simplement en ne jouant pas, en mettant des gros tapis quand j'ai une grosse paire. Voilà. Bonjour. Bah, c'est très bien. Pour, pourquoi euh, là les gens vont dire ⁇ Ouais mais attends, il lui dit de faire tapis à chaque fois ⁇ En fait là où euh, sur un, un tournoi où là tu es en train de, de, de le jouer, donc où il va falloir quand même performer, essayer de faire des sous et tout ça, contre des très bons joueurs, euh, bah, il faut essayer de minimiser le nombre de coups que tu vas jouer contre eux. Ouais. Non mais en fait ça moi je suis un peu ça. En fait parfois, et c'est ça mon souci quand je suis dans les tables finales ou dans les 20-30 derniers joueurs des gros tournois, bah, je, suis en... je suis avec des mecs c'est que des règles et en fait ouais. les fois où j'ai essayé de la jouer un peu tactique essayer de mettre des trucs, bah en fait je me fais avoir à l'usure parce que les mecs sont plus forts que moi, au delà ouais, des cartes ça. et tout les mecs sont juste meilleurs, alors que quand je suis en no brain, bah les mecs m'envoient des fusées mais je suis en mode, bah viens prendre ton 50-50 <laughs> exactement, exactement et là le mec il a, s'il a As-10 s'il a paire de 7, s'il a machin il est en maladie quoi, donc euh, c'est très 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 compliqué et euh, et Là, aujourd'hui, si je te disais non, on ne fait pas ça et tout ça, il y a de grandes chances pour que finalement, tu perdes 10 blindes par 10 blindes. Quoi. Mmh. Euh, et, et pas parce que euh, tu serais pas bon ou quoi que ce soit, c'est juste parce que les mecs en face sont meilleurs, en fait. Ouais, ouais c'est ça. Euh... Mais souvent, j'ai eu ça. Donc, euh... Mais c'est ce que tu dis, c'est le, le temps de passer un cap pour aller varier son jeu, pour aller justement mettre un 3 bêtes un moment où, bah, en fait, tu, tu penses que le mec a moins que toi et tu vas te mettre en danger. Mais... Et ça, j'ai pas encore passé le... Alors ça... Pour t'entraîner à le faire, je te conseillerais de le faire sur des petits tournois. Les tournois, euh, tu vois, à 5 euros, 1, 5, euh, même 10 de temps en temps. Là où, en plus, les joueurs vont souvent avoir plein de profils différents. Sur le sens. c'est assez facile, ils sont relativement tous bons. Ouais. Euh, donc, finalement, même si tu fais autre chose que tu regardes une série, tu sais qu'ils sont bons et bon, voilà. Euh, non, mais tu sais parfois je fais ou... ça. Hein. Parfois, je mets une série et juste, en fait, j'en vois tapis, quoi. Quand, Alors, quand sur... je suis sur certains tournois. <laughs> Sur un 100 c'est très cool, sur un 5 et sur un 10 c'est des fois plus compliqué parce ouais. que tu sais pas trop qui t'a en face de toi et euh, si les mecs sont très mauvais et dans ces cas là tu vas faire tapis 30 blindes à 9 et le mec va te payer à euh, euh, 10 alors qu'aucun REG ne t'aurait payé à 10 ouais. tu vois euh, par exemple et bon, bon après oui là c'est un peu plus hasardland quoi voilà, mais, euh, mais c'est une stratégie qui, euh, bah, les amis, il y a des gens qui ont fait fortune avec cette stratégie là hein, euh, qui avait une stratégie entre guillemets tight, donc conservatrice, euh, serrée et qui euh, bah, minimisait le nombre de coups à jouer contre les autres. Mais par contre, quand ils y allaient, ils y allaient avec des très bonnes mains, et donc bah, très souvent, les gens vont passer ils vont passer, ils vont passer, ils vont passer, parce que j'attends une très bonne main, finalement, ouais. parce que ce mec-là, il, il a que des gros jeux. Euh, et, euh, et de temps en temps, bah, et au bout d'un moment, les mecs sont humains aussi, hein, ils ont un peu marre. Ouais. Ça fait quatre fois que tu fais ta pile à ce valet il va dire, bah, vas-y, j'y go. Oh, J'ai cru qu'il mettait 7.2. Petite paire de 10 qui met bien. feu Non, mais là, bon je vais jouer normalement, mais... C'est que là, j'aurais renvoyé tapis. Hein. Quand je rentre dans le cycle de, de je suis une grosse merde, ça ne s'arrête pas. Et là, je vais avoir As-Dame au flop et je vais être en bégay max parce que, bah voilà, 42 blindes. Oh, mais là, il y a une vraie question. Oh là, paire de 2, euh, enfin 2, 5. Il y a une paire, donc je relance. Là, il y a une vraie question parce qu'il y a un truc d'équité et tout. Comme je le couvre, j'ai paire de 10. Il a 30, en fait, il a 39 euros de, de bounty. Et je crois que du coup, comme on démarre avec 22. La, ré la réflexion est totalement différente. En gros, s'il a As-Valet, as As-Dame, As-Roi, je suis en 55-45. S'il a paire de Valets, Dame, Roi, As, c'est chiant. Mais je crois que par rapport au fait qu'il ait 40 balles de bounty, que le tournoi en coup de sang, que je le couvre, je crois que je dois suivre. As-Valet, donc c'est à peu près ce que je disais. On prie. Pas d'As, pas de Valet, il a pas de pique. Et c'est gagné. Et c'est gagné, et je prends ces 40 balles. Let's go Bon, bah j'y vais. Salut Bien là, non? non voilà. Ouais, 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 ouais. Euh, je, je lisais en même temps, en plus, il les, les, euh, y a, y a un, un, des, euh, un des viewers dans le chat. Euh, oh, il euh, a un l'autre, putain, pardon. Ouais. Adri Creuf qui ah, est. Euh, oui. Non, mais qui donne, pour le coup, des, des, des bonnes. Euh, des, qui a des bonnes réflexions. Ce qu'il faut que tu comprennes, Adri, c'est que. Euh, Là, lu gros, aussi. On pourrait faire, mais en gros, ce qu'il faudrait faire, et je pense que ce serait beaucoup plus chiant, ce serait limite pour vraiment coacher euh, PA euh, from scratch. Il faudrait même pas qu'on joue, en fait. Il faudrait qu'on regarde une session avec des mains et qu'on prenne le temps. Qu ouais, qu'on débriefe certaines et, mains euh, précisément. Pendant quoi. un quart d'heure, on, on parle du même truc, etc., etc. Et là, on est en stream, donc il faut... Enfin, pour le coup, j'essaye de donner les meilleurs conseils à PA par rapport à son niveau de jeu et, euh, et par rapport aussi à son, euh, à son caractère. Et, euh, et à oui, ce n'est pas par rapport à la à main aussi. classique, c'est-à-dire que le truc casse-dame, je vais, je vais le faire et je me rends compte de mes erreurs, mais, mais c'est vrai bah, que c'est. Euh... Disons que contre, si tu joues toute l'année comme ça contre des mecs oui, euh, oui. à 100 euros, je suis d'accord avec Adri. À la fin, les mecs vont te mettre une petite pastille en disant lui, il fait tapis avec tel type de main, tel type de main, tel type de main, et ils pourront, entre guillemets, t'exploiter. Euh, sauf que maintenant, là, sur un tournoi, sur un seul tournoi, où ils vont te voir peut-être une heure, ouais. au grand max, ces joueurs-là, bah, ils vont pas avoir le temps vraiment de s'ajuster. Et tu peux les surprendre euh, dans voilà, une certaine logique, avoir... quoi. Et je pense, que, et on l'a déjà vu hein, pour le coup, Adri, fais-moi confiance, j'ai commenté énormément de tournois online et live, des joueurs qui ont un bagage technique un peu moins fourni que d'autres euh, et qui jouent cette stratégie, euh, on va dire assez tight agressif, mais vraiment euh, poussée à son paroxysme, euh, deviennent très compliqués à jouer parce que bah, toi aussi, tu as le droit d'avoir des mains, toi aussi, tu as le droit de gagner des flip, etc., etc. Et quand ouais. tu as un tapis plus gros que les autres, comme c'est le cas maintenant, bah, tu fais flipper tout le monde en fait. Ouais, là en vrai. Et après, j'ai essayé de prendre le truc du bounty, là, où le calcul devait être à chier. Mais. Euh... Non, non, non. Bah, ton calcul instinctivement. Euh, alors, 40 blindes, certains vont dire que c'est beaucoup. Mais sauf que, vu ta, la position avec laquelle tu as relancé, ce que lui, il imagine que tu as dans la main, quand il fait 40 blindes, en fait, il est persuadé à 90% que tu vas tout le temps fold, en fait. Parce que tu as tout le temps une main moyenne, entre guillemets. Sauf que là, tu avais vraiment une bonne main, ta paire de 10. Et euh, moi, j'ai tout aimé de, 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 du début à la fin. C'est-à-dire que même. As pris la réflexion, t'as pas snap call, t'as expliqué le pourquoi tu allais coller, etc. etc. Le bounty, euh... non, c'est juste parfait. Et t'as un joueur qui vient d'arriver à ta table qui est juste euh, énorme. Hein. Je sais pas si tu l'as vu en face de toi. Excuse-moi, excuse-moi, Yu, désolé, euh, euh, désolé, ma copine qui rentre au même moment, mais euh, j'entends je, ouais. ce que tu Ah oui, le mec 175 blindes, et il est bouillant, ouais. quoi. Voilà. <laughs> Ah ouais, lui, euh... et lui voilà pour le coup aussi euh, joueur assez connu. Ah ouais, il est en plus un Argentin. Ouais. En vrai ça me fait chier parce que du coup j'étais le chip leader, j'étais vraiment bien et là il y a gros bounty à table plus euh... en vrai c'est numéro J'étais bah le boss de la soirée si tu veux. Ouais. Et, et vient d'arriver un mec avec une gratte et euh... c'est vraiment ça. <laughs> il me fume, je vais dans la cuisine faire une contre soirée du coup. Ouais voilà c'est ça. ça. <laughs> oh là là. Ah ouais. Mais bon, alors après, contre ces mecs-là, il bah, y a plein de manières de les jouer. Il y en a qui se soumettent d'entrée en disant euh, Bah non, euh, je jouerai pas de coup contre toi. Et puis il y en a ah d'autres ouais. que là, ça, ça excite un peu. Ça, ça me fait hésiter. Ce même truc de Bounty de « Quoi qu'il arrive, je suis un peu mort, je peux prendre de l'argent. Valet 9, ça pue vraiment. J'ai un peu ce truc où, entre guillemets, Quoi qu'il arrive, on peut jouer une grosse table à droite. Bon, je vais regretter, mais au moins, euh, c'est ce que tu disais lié à l'argent. C'est. Allez, un Valet-9. Moi, ah, bah je mérite. C'était mal joué. Valet-9, c'est quand même abusé là d'avoir ça. C'est un poil cher. Là où finalement c'est bien de le prendre, c'est que t'es dernier de parole. Il y a personne à parler derrière. Ça va pas te coûter plus cher que ce qu'il a mis. Et effectivement, tu vas pour le bounty. Euh, honnêtement, là, je te jetterai pas la pierre parce que des calls comme ça, j'en fais assez régulièrement, euh, juste pour essayer d'aller prendre l'argent du bounty, quoi. Voilà, je... Paire de roi derrière. J'aurais préféré faire tapis avec 18 blindes, mais bon. <laughs> c'est sûr. Au moins, je vais avoir trois personnes. Oh là là, quelqu'un à l'as. <laughs> On le sent. Bon, de toute façon, là, ça va être le tournoi de droite qui va être intéressant. T'as hein, vu que ta droite, t'es top 10, hein Ouais, je suis top 10 sur 88. A... J'ai déjà, euh... déjà 40 balles de Bounty. Allez, il faut éviter le 9. Oh. Bon, on a pris le 9 Ça me va, ça me va de me faire sortir sur sur la river un peu en dinguerie sur le petit tournoi. Comme ça, on va pouvoir se concentrer sur. On va pouvoir se concentrer sur le tournoi à 100 balles. Hop, je vous change juste l'overlay, pardon. T'as pas... déjà pris combien euh, en bounty là sur celui-ci euh, 39. là Donc en ouais, gros, déjà... euh, bah c'est déjà bien quoi. J'ai déjà j'ai déjà déjà 40 euros de remboursé sur les 100 investis. Et après, je suis <laughs> en course parce que je suis dixième. Mais il va falloir le rester, un petit coffre. Je suis bien au coffre là, ah, j'ai bientôt l'amélioration. Sont bien les coffres niveau 4 après <laughs> Ça va, ça va. Non, mais, euh, Poker Stars là d'ailleurs, c'est le moment un peu où je peux euh, faire euh, un petit peu de, de, de bien pour la, pour la Room. C'est aujourd'hui le, le plus beau euh, euh, programme de fidélité. Voilà. Okay. Y a pas une room en, en france qui donne qui redonne plus à ses joueurs donc ça c'est cool et euh, toujours hein, comme tu le disais de sans mettre son compte bancaire à l'envers et ouais. euh, comme tu disais tout à l'heure et d'ailleurs je, je voulais rajouter un tout petit truc c'est que euh, bah, vous le comprendrez assez aisément hein. j'en avais parlé lors du stream de dogby vous comprendrez assez aisément quand vous aussi demain vous devez jouer à un tournoi où vous devez mettre tout ce que vous avez dans votre vie bah, ça va être très compliqué. Je prends toujours des, des cas extrêmes pour qu'on comprenne bien. Ça va être très compliqué de faire un bluff, parce que dès que vous allez perdre des jetons, vous allez être en maladie. Ça va être très compliqué de faire un hero call, donc de coller quand vous avez euh, une top paire avec un petit kicker ou rien ou pas grand-chose ou une deuxième paire. Donc finalement, vous allez jouer un jeu de poker qui va être ultra lisible. Euh, et dans le même sens, dans l'autre extrême, si vous jouez un tournoi pour des allumettes ou pour savoir qui va faire la vaisselle, euh, là, vous allez vous marrer, vous allez Payer très, euh, très facilement le, le, le gars en question, vous allez bluffer très facilement et donc vous allez vous rendre compte que le, le, le jeu il est un petit peu plus. Euh, vous avez un petit peu plus de. d'enjeux de, ouais, euh, quoi. De, ouais, de, et puis de corde à votre arc en fait. Ouais, c'est ça. Parce que ouais, pas quand vous Vous êtes bloqué, et que vous avez peur de, à cause de l'argent. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens ne jouez pas l'argent que vous ne pouvez pas perdre parce que forcément, bah déjà d'une, ce n'est pas bon pour le compte en banque et en plus, sur le tournoi direct, vous n'allez pas vous faire plaisir parce que ça va être une souffrance. Non, moi je trouve que quoi qu'il arrive, euh, alors il y a aussi euh, le, le jeu gratuit hein, si vous voulez ou quoi. Y en a plein. Euh, euh, moi personnellement, j'avoue qu'il me faut un enjeu parce que je trouve que le poker est un truc d'enjeu. Comme tu dis, tu vois, par exemple, que ça soit un gage pour le dernier ou alors pour le premier, souvent les, souvent les pokers entre potes, c'est ça, quoi qu'il qu arrive, ouais. euh, chacun met 5 balles, 10 balles, j'en sais rien. Euh, des trucs qui restent justement acceptables pour tout le monde pour se faire une soirée un peu cool. Le premier se met bien, le deuxième n'a rien à payer. Et, euh, et et comme ça ça fait, ça fait des bons souvenirs quoi mais c'est vrai que c'est et même quand c'est tout petit hein, que ce soit un free roll ou quoi hein. là le free roll il est toujours en cours euh... et c'est vrai que voilà euh... bon, après le free roll c'est un style de jeu aussi hein, dans le sens où ça, ça envoie beaucoup de tapis ou quoi mais les trois premiers ils prennent 160 balles quoi donc tu as quand même un ouais, peu ouais. l'enjeu de euh... faut que ça se passe bien quoi et, et ouais et souvent on entend dire ouais mais je joue pas les free rolls parce que c'est n'importe quoi c'est du loto etc etc alors certes c'est vrai dans, les, dans tous les premiers levels d'un tournoi à free roll parce que les mecs se disent bon bah vas-y, hein, je, je fais tapis, on verra bien ce que ça donne, et puis euh, sinon je mate une série ou je fais autre chose. Euh, mais par contre, dans les en late game, même en middle game, selon la table et tout, ça commence déjà un petit peu plus à jouer. Ouais. Alors vous aurez toujours des gens qui vont faire n'importe quoi, parce qu'il y a toujours des gens qui débutent, des gens qui même. Bah, en, qui en sont fait, long, ça augmente très vite quoi. Ça augmente très vite donc. Euh, voilà. Euh... Mais ça normalement pour quelqu'un qui est en phase de progression ou de, de phase d'apprentissage commencer par les free c'est une super école parce que euh, vous avez tout type de joueurs sur un free roll, vous avez les joueurs de l'auto vous avez les joueurs qui sont en train de ultra sérieux pour qui c'est le tournoi de la soirée euh, qui veulent pas faire n'importe quoi vous avez le, tournoi, le mec qui, euh, euh, oh, qui euh, va euh, tout faire dans le début pour essayer de doubler son tapis mais qui reste quand même un bon joueur et en fin de tournoi il va être bon et en fait c'est à vous de les repérer et finalement au, au poker c'est un petit peu ça le but c'est de savoir à qui on a affaire en face, si le mec est fort ou pas. Et euh... Ouais, tu m'étonnes. Et, et juste, euh, j'étais curieux de savoir quand est-ce qu'il y a les tables qui sont refaites Quand est-ce que les tables cassent Ouais, dans le sens, tu ouais. vois, parce que parfois, ouais, ouais. je me suis déjà retrouvé sur des tables où, bon, bah, en fait, t'as des mecs qui, euh, qui reviennent et tu te retrouves, en fait, euh, bah, avec euh, les cinq plus gros stacks à ta table et t'es en mode « bah bonjour euh... ». Ça c'est atroce quand c'est par exemple oh ouais. en demi-finale et que tu te retrouves dans la demi-finale dans la table euh... des monstres où tu couvres personne voilà. alors que t'as le sixième tapis es en mode bombe bah, exactement euh, ben ça en gros c'est quand il y a alors j'ai pas exactement la règle sur PokerStars mais je pense que c'est quand il y a trois joueurs en moins sur la table ok euh, là du coup il la casse et du coup parce ça veut que dire... là là on est quoi fin d'inscription tardive donc c'est dans 30 minutes parce que le, le tournoi c'est vrai il y a une structure quand même assez rapide quoi Là, quoi qu'il arrive, il n'y avait pas énormément de participants. Il y a 2000 euros pour le gagnant. Tout ça, c'est bien sûr donc les 12 000 balles. Hein, c'est sans compter les 8 000 balles de prime. Pardon, excuse-moi, mon chat... mon chat a décidé de faire des vocalises. Mais euh... mais OK, d'accord. Ouais, parce que c'est vrai que le EOD, là, il domine bien la table. Moi, après, je vais jouer sur ma strat. Hein, je pense de ne pas trop trop jouer, de quand même jouer les mains pour ne pas être en mode tapis ou rien. Tu vois, parce que c'est aussi le but de t'avoir avec moi, de quand même progresser un minimum euh, dans, 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 dans les différents moves. Mais c'est vrai qu'avoir un mec qui... Euh... Euh, honnêtement, nous tous réunis, on a son tapis, quoi. C'est ça le. Qu'est-ce qu'il a, mon chat C'est un peu ça. Après, dans la... la bonne nouvelle, c'est qu'il est loin de toi. Ouais. Il, il peut pas être plus éloigné. Donc, euh... Euh, ça, c'est cool. Je suis très content. <laughs> parce <qu 'honnêtement... rire> S'il était à la place de Spencer, par exemple, ça serait moins cool. Ah ouais, ça serait chiant. Non, non, Et mais euh... surtout que là, il y a pas mal de petits tapis à 12, 16, 13, 13 blindes où il peut y avoir des rencontres. Donc, j'ai juste à attendre que ces mecs-là, qui sont en push or fall quasiment, enfin, autour des 15 blindes, euh. J'ai juste à attendre qu'ils envoient tapis là, les trois à ma droite. Et si jamais j'ai de, de quoi y aller, euh, d'envoyer quoi. Ouais, c'est ça. Bah, les... En gros, et puis les, les, les mains où, euh, où le EODH aura décidé de ne pas être là, parce que ouais. c'est pas non plus euh, sûr qu'il va être là 100% du temps. Excuse-moi, mais. le chat. Non, ouais. <laughs> ton chat qui, la dernière fois, je crois, nous avait porté chance. Hein. C'est vrai. Ouna, viens là. Viens là, mon bébé. <laughs> On va jouer. On va jouer ensemble. Viens là. Oh c'est quoi ça enferme. De quoi tu veux que dans la chambre Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Okay. Je te dirai si c'est trop chiant. Ouna, viens là. C'est quoi ça C'est une manette. Et t'en es où, toi, la tennis et tout, là euh, Tennis... Euh, tu continues tennis à jouer je... Tu fais de la compète ou tu joues je... juste euh, ouais, comme ouais, ça je... avec Benny bah... euh... J'ai comm euh, commencé les tournois à début de saison. Euh, ça s'est plutôt pas trop mal passé. J'étais 15-5, je suis remonté 15-4. Ah oh, bien Et, euh, et là, j'ai fait. T'as dû beaucoup euh, jouer petit... pour ça ou pas Non, non, non. Ben là, pour le coup, j'ai eu de la chance, entre guillemets. Euh, j'ai gagné mes matchs. Donc là, je crois je dois être déjà à 7 victoires, ou une défaite, je crois, cette saison. Oh là. Mais, mais euh... du coup, en, est en étant quoi Parce que t'étais 15-5 il y a longtemps et du coup, euh, t'as commencé, entre guillemets. Euh... Ouais, j'ai prof de tennis. Mon papa était okay. prof de tennis. donc. Oui, donc j'ai euh... toujours joué un peu au tennis. Et, euh, et j'ai repris il y a une dizaine d'années, on va dire à peu près, un peu plus sérieusement, en prenant des cours et tout. Ok. Et euh, on joue beaucoup avec Benny, on a exactement le même niveau, donc ça c'est assez cool. Ah, Benny est, est 15-4 aussi, donc ça c'est euh, parfait. On a, on, doit avoir, on a dû faire peut-être 300 matchs dans notre ville, l'un contre l'autre. Putain, et alors C'est équivalent et euh, bah Benny a dû gagner les 200 premiers, et là sur les 100 derniers, je suis un peu plus devant. Mais euh, voilà. Euh... En vrai, c'est cool ça quand t'as vraiment le même niveau et que tu. Euh... Ouais, je, ouais, peux, ouais. on s'est même filmé, on s'est même filmé, on a mis les matchs sur Twitch et tout, on s'est tapé des bars, on a billé les matchs après, tu sais, avec les scores et tout. Il y en a là, des... Euh... C'est où, euh... c'est quoi la chaîne Oula, si tu veux le retrouver, alors c'est sur l'Aquarium TV, sur la chaîne ouais. Twitch de l'Aquarium TV. Allons voir ça, ouais. <laughs> un peu ton revers, là. Hein Attends, en plus, le truc, c'est qu'il y a eu un match qu'il a filmé... Enfin, qu'on a filmé où, il, euh, où je me suis pris 0 et 1 par un petit de 14 ans. Oh, plaisir! Parce que tu filmes tes tournois, moi je réfléchissais à faire ça. Genre en stream ouais. et tout. Ouais, alors tiens, regarde, tennis, match Benny contre You. Ça, c'était bah, le match est mythique. Hein. Il a duré 2h40. Euh... Comme on <laughs> eh, vous, le vous le commentez après? Et après, on se le commente. Alors là aussi, c'était des barres parce qu'on faisait comme si on était des commentateurs et qu'on connaissait pas les joueurs. Ah <laughs> putain, c'est con. À <laughs> balancer, a balancer oh, des instants. Père de 10, je mets juste une pause sur le match de, <laughs> de tennis. Euh... Bah après, le EOD, il va vite comprendre comment je joue, je pense, avec du. Euh... En fait, là, ce qui me fait chier juste. Après, là, c'est pas mal parce que je disais, bon, tu vas mettre ta pipe parce que le 2,3 blind peut pousser un quattro à se dire, ok, pourquoi pas, j'envoie. Un peanut butter à se dire, ok, j'envoie aussi. Oh, Ouna, mon bébé, viens là. Oh, 8 blindes, il m'emmerde quand même, lui. Ah, oh, putain, ça, je tombe contre le monstre. Le monstre qui essaye de me faire peur. Le monstre qui a compris que donc, je suis en UTG plus 1. Et... Euh, ça va ou quoi Tranquille Salut, Flo ouais. Il y a une soirée à côté de chez moi. Enfin, chez moi, en fait. <rire> <rire> Au final. Je hein. <laughs> euh, ah, sais pas si j'y vais ou pas, là le EOD qui est monstrueux. Bon, j'ai quand même une paire de 10 On hein, va les Def. Oh là là, et ça, c'est vraiment tout ce qu'on voulait pas voir. Tout ce qu'on voulait pas voir. Aïe, 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 aïe. Ouna, t'étais censé me porter chance. Là, j'ai l'impression que t'es avec EOD. Ah, je sais pas, là. Là, je suis curieux, là. À quoi, ce con J'ai envie de me coucher, mais en même temps... Euh Excusez-moi, c'est terrible, excusez-moi pour les... En fait, c'est pour ça que j'avais envie de mettre tapis direct, parce que tu vois, là, du coup, je suis dans des discussions avec un mec qui euh, où je suis en mode, bah, je sais pas quoi faire, quoi. Le gars, j'ai aucune idée, il a envoyé 8 donc du coup, il peut représenter du as du Valet, du Père de Valet, Père de Dame, Père de Roi fourni, de la petite paire aussi, mais bon, je vais me coucher. Attends, Ouna, je vais la déplacer, là, parce que c'est difficile. J'ai mal joué de suivre non, non... Bah, je devais continuer je, je, je me suis dit que tu allais peut-être peut faire tapis. Honnêtement, là, c'est là la non, du Non, franchement, non, ça serait... Attends, attends peu... je, te, je te laisse vas -y, vas -y. une seconde, excuse-moi. S'il y a des questions dans le chat ou quoi, je vais juste... Ouna, oh, je vais te transférer veux pas être transféré En gros, bon, les amis, ça aurait été un peu dommage là, de faire tapis, parce il y a... Si, dans le cas où EODH, même s'il est très, très, très agressif ouais. à deux valets... De, de dames, de Roi de Zas, et ben notre tournoi il est fini alors qu'on peut euh, éliminer 5 joueurs à table et après passer tout de suite sur une relance de VODH, c'est quand même faire preuve de beaucoup de lâcheté, entre guillemets, et donc euh, sa main est vraiment trop forte pour la passer, donc je pense qu'il est parti chercher un 10, il a raté son 10 et il passe derrière. C'est logique. En tout cas, merci beaucoup hein, pour toutes les, euh, les, les mots sympathiques. Euh, Pop Toys, est-ce que je lui expliquerai comment on calcule les bounties en jetons euh, Ouais, je peux, bien sûr. Ok, excuse-moi, ça va être un peu plus vivable. Euh... <rire> <rire> non, j'étais en train d'expliquer à euh, euh, tous euh, les bons viewers que euh, je l'aurais probablement joué de la même manière. En gros, faire tapis, là. Ouais, ça peut être ok si tu estimes que le mec il est au bouton, il a un gros tapis, il va être agressif, blablabla. Ça, c'est on va dire le, le, la première pensée. Maintenant, après, quand tu regardes et que tu te dis waouh, mais j'ai quand même 5 mecs à table que je couvre. Ouais, c'est ça que je me suis dit si, un peu. Pourquoi aller si m'embrouiller pourquoi pourquoi sur un mec qui s'en les couilles de moi, qui peut un peu tout me jouer, tout représenter Exactement. Quand euh, quand au final, bah voilà, exactement comme il vient de se. Ce... Oh non, mais du coup, je suis tâche à une autre table. On va voir, hein. je pense que t'es pas mal quand même encore. Hein. Ouais. Ouais, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Il y a je plus je le pas mal Alors, de mal, il je... y a moins de gars faciles quand même. Il y a un peu moins de gars faciles. Il n'y a pas y a... un monstre. Le... le gars relou est sur ta gauche, mais il a le même tapis que toi, donc peut-être qu'il va pas non plus euh, avoir envie de te faire la misère. Oh, Il y a un gars, à une blinde. Il <laughs> y a un gars, à une blinde. Magique. Ah, bah, il va la mettre maintenant. Mais c'est pas avec 3-10 que je peux aller chercher. Ah, mais c'est pour ça, tu vois, en fait. Euh, parfois, le... La strat, euh... ouais. Ben, en fait, avec les, la paire de 10, j'aurais quand même call la surrelance du mec. Alors, soit tu dis, bon, ok, je joue aucun coup contre lui, et dans ces cas-là, tout ce qui n'est pas paire d'As, paire euh, de et tu peux même te poser la question avec paire de Dames, et dans ces cas-là, je passe tout, etc., etc. Là, je, ce que j'expliquais aux au viewers, c'est que j'aurais call comme toi, parce que je n'aurais pas eu envie de passer ma paire de 10 aussi facilement. Ouais. Parce que là, c'est vraiment faire preuve de d'allégeance euh, euh, et ODH, quoi, c'est... Tu deviens son vassal sur, toute la, sur tout le tournoi. Ouais, vraiment. Et, euh, et donc, je call pour essayer de prendre un 10, parce que par contre, si tu prends un 10, là... C'est... C'est plaisir. Vrai. Ouais. Bon, là-dessus, tu vois, je me dis, ça suit. Euh, j une... Je suis en Valet-Roi suité, sur un 2 blind mais c'est le genre de coup, tu vois, où je peux un peu m'éparpiller, quoi. Lui, il va sûrement envoyer Tapis. Bon, ça fera que 3 à rajouter. Il y a lui à 7 qui fait un peu plus chier là. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire attention. Valet-Roi, on se te disait que c'était pas si dingue. Tant que je reste dans des deux blindes, ça va pour aller voir un flop. Voilà. Le connard, c'est moi. Il sait exactement que lui, il a 7 blindes. Qui va mettre tapis. Et j'ai lâché deux blindes dans le vent. Et je pense que c'est même pas si dingue. Père de Valets, quand même. As 2. Donc bon, bah, heureusement que je suis pas là. Ah, oh, t'as passé très vite. Je pense j'aurais fini par passer aussi. Pff, ouais, c'est la, un peu de temps, quoi. Non Mais en fait, ouais, juste, il fallait que tu fasses gaffe. Tu sais, tout à l'heure, tu t'es dit, ah, pourquoi je ne peux pas relancer Tu sais, euh, le, non, le je... mec, quand il est parti à tapis, avait fait moins du double de la dernière relance. Et donc là, en gros, juste pour avoir une information supplémentaire, tu aurais pu call sans que Percier à ta gauche puisse sur relancer Donc tu savais, en gros, que si tu payais les 6 et quelques, c'était le... le. Ah, le tapis le pour le flop, quoi. Voilà. Et après, tu pouvais, tu pouvais payer aller voir le flop. Et euh... Ah oui, d'accord. Donc, j'avais pas ce coup. Euh... Ouais, ok. Et t'as passé très vite. Après, je pense que ça reste quand même plus cool. Ouais, non, mais de base, le valet roi Mais bon, valet roi suité, c'est quand même. c'était euh... suité. C'est un peu ce que je me suis dit, tu vois. Pour voir un flop, après, bon, voilà, t'as toujours quand il quand y a un mec qui sur-relance, forcément, euh... forcément, c'est autre chose, mais. Euh... Mais bon. Ah ouais. Quand même. Hein. Ouais. c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Y a, y a, regarde le mec qui vient d'arriver en face de toi, il est sapé comme un prince. Ah ouais, là. 9 euh, blindes, 56 euros. <laughs> mmh. ouais. ah, c'est le mec qui s'est défendu juste avant je crois, on l'avait à notre table lui. Euh non, il a, bon. il a sauté ce mec-là et c'est un autre qui vient d'arriver là. Je crois. Non, mais, ah, je croyais qu'il était sur la table avec le monstre à 200 là. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je me suis peut-être planté. Hein. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Alors là, là-dessus, c'est possible. Le, la, la, la photo me dit peut-être quelque chose, mais… Bon, là, de toute façon, là j'ai un peu, un peu envoyé par-ci, par-là. là On va reprendre une strat un, un peu plus tranquille. Fini quand le tournoi a gratuit Il vous reste 5 minutes pour vous inscrire, là. Donc, 2 minutes, puisque, puisque je suis avec du délai. Ah, il envoie tapis là-dessus. Ouais, c'est pas avec 9 et 4. Lui, il va y aller pour les 56 balles. Hein. Je pense que quoi qu'il arrive, peu importe. Ouais, voilà. Ouais. Peu importe ce qu'il a, il doit y aller. Allez, il faut ouais. que ce soit l'autre qui double. là. Oh là là, l'autre, oh. il touche son 6, il touche sa suite. Mais quelle chatte Mais la chatte est légendaire de son côté, lui. Oh. C'est bien joué. Ouais, c'est suivi. <laughs> enfin, c'est voilà, ce qu'on dit en général quand le mec chatte un peu. <rire> ouais. De <laughs> bon, toute façon, il devait y aller effectivement, là, comme on le disait tout à l'heure, 56 euros aller chercher pour 9 blindes. Il en a 60. Ça ne met pas son tournoi en danger. Et s'il peut prendre les 56 euros tout de suite, bah c'est pas quelqu'un d'autre qui les prendra. Oh, j'avais 5 euros. Ah bah putain, je retague le mec qui vient de se faire éliminer, mais en flash sur un 5 euros. Énorme Sur un 10, Et pardon. Le mec te suit, ou quoi En x3. J'avoue que <laughs> l'Espagnol. Euh... Parce que les Spinnin' Godis, en plus, il enfin, y, y a une sacrée activité. Il y a beaucoup de monde qui les joue, donc euh, la, la proba, elle est quand même folle. J'avoue, le massacre arrive. Non, mais là, là, là notre plan, c'est... Parce que, bon, 27 sur 69, les places payées, c'est quoi C'est 31, donc il y a encore pas mal de temps. Et regarde, t'es bien à table, hein, finalement. T'as... Ouais, un Pécou monstre... Tu un petit peu, mais t'en que deux qui te courent. Hein. Trois mecs à ma droite, ouais, ouais c'est vrai. Non, non, c'est vrai, bah, j'ai eu ces deux coups, là, de sur relance les, les deux blindes et le coup d'avant avec la paire de 10 ou forcément... C'est euh, celle-là qui, euh, dans le euh, comptablement, te fait un peu plus mal parce que tu perds, euh, tu perds 8... Euh, tu perds 8 blindes alors que l'autre, tu perds que 2. Ouais, ouais, Donc, ouais. Mais, non, voilà. c'est le 8 Après, blindes qui a fait mal contre le monstre, ouais. Après, t'as perdu 10 et bon, je pense qu'il y a des moments où il faut quand même... Ouais, il faut, faut jouer, pas, quoi. Il euh, faut jouer il voilà, faut... Hein. C'est la et vie le... si on perd, quoi. Le... Tu sais je te disais, il y a plusieurs possibilités de jouer contre un très gros. Soit tu, tu décides de ne pas jouer un coup contre lui, soit il y en a qui décident d'être complètement tête brûlée contre ces mecs-là. En se disant, bah, c'est la meilleure chance pour moi de réussir à doubler, par exemple. Tu vois. Et, euh, et je pense que la, la, la vérité se situe oh. peu entre les deux. Il faut quand même l'éviter le plus <laughs> Ça, c'est pas bon signe pour notre tournoi. Hein. Si je mets des dingueries. Là, je préférais prendre une grosse dinguerie. Moi, quand je joue là-dedans, en flash, dès que j'ai une tête. J'en vois. <laughs> ouais, mais c'est pas forcément une mauvaise vraiment stratégie genre sur les. Euh... Il y a une grosse différence entre les spin and go jusqu'à 10 et les spin and go à partir de 25. Ah ouais, ouais Je joue pas mal en 25, moi. Il y a beaucoup de gros réguliers sur les 25. Mais tu sais que je m'en sors pas si mal, quand même. Bah, ça me m'étonne pas si tu le. Je gagne 1, stratégie... voilà, 1 sur 2, je pense. 1 sur 2, c'est énorme. Ouais, pas de faire des stats euh... parce qu'en fait bah, tu sais tous les mois j'ai de l'argent justement de, de Poker Stars euh, euh, en ticket tournoi ouais. et, euh, et en fait je les joue bah là j'en ai plus tu vois que j'ai transformé en argent entre guillemets normal ouais, quoi. As, ouais ouais en argent réel du coup et, euh, et ouais en, bah après non euh, non je suis un peu plus tu vois que euh, qu'en gain c'est une connerie si du coup j'ai joué 200 balles je vais avoir gagné 220 quoi mais après du coup je suis pas un sur deux parce qu'il y a de temps en temps des fois 3 euh, ouais. La dernière fois, j'ai gagné 1x5. Bon, du coup, ça te... Euh, un peu plus. Si je suis sur 200, ouais, je dois être un peu plus que ça. quand bah, C'est un format de jeu qui, pour le coup, euh, si on débute au poker, je ne le conseillerais pas forcément de le jouer, en tout cas de ne jouer que ça. De spin and go bah, oh, bon. non, non, en vrai, en vrai, euh, vrai c'est le truc où tu n'apprends pas vraiment le poker quand même et c'est juste plus un peu du plaisir de... Euh, tu as envie de jouer aux cartes, euh, t'aimes bien ça, mais en même temps, tu es... Euh... Mais en même Alors, temps, t'es euh... Voilà, comme ça, quoi, par contre là Tu pas le jeu post-flop. Tu n'apprendras pas du tout le jeu post-flop. Par contre, tu apprendras le jeu pré-flop. Et ça, c'est quand, euh, quand même relativement intéressant. C'est super euh, De savoir avec quel type de main tu dois call des tapis quand c'est 10 blindes. Parce que finalement, on se retrouve assez souvent dans un tournoi à 10 blindes ou contre des joueurs contre ont 10 blindes. Euh, et en fait, ça, c'est des... Euh... Moi aussi, ça m'a un petit peu appris un truc. Alors, très différent, parce que pas à haut niveau. Mais c'est, on va dire, le jeu un peu en heads-up. Le, le, le côté, en fait... Quand tu joues en tournoi, bah du coup tu vas quand même quand tu t'es pas très fort ou juste une base jouer que tes mains fortes, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens à table ouais. et tout. Et du coup, quand t'arrives à beaucoup moins de joueurs autour de toi, t'es en mode bon bah en fait tu te couches beaucoup. Et c'est un peu prendre conscience que un roi quand t'es trois, hmm. c'est fort. C'est fort, tu vois. Ouais, et bien sûr. Et, et c'est ce truc-là, du coup, ça m'a permis de, ça m'a servi à quelques moments après ce pas. Enfin le heads-up en soi, c'est aussi une chance donc. Euh, mais euh, ça m'a un peu appris ça quoi dans l'idée. Mais... Ouais, C'est exactement ça, en fait. Il y a, il y a... on, on se bat beaucoup au poker contre des a priori, en fait. Des a priori qu'on s'est soit euh, formés euh, tout seul, soit des a priori parce que le, les gens qu'on suivait étaient, euh, euh, avaient ces a priori-là. Et, euh, et donc, typiquement, des gens qui ont appris le poker en 2010, qui n'ont pas évolué aujourd'hui et qui, ou qui reviennent aujourd'hui à jouer, ce qui m'est arrivé il y a 2-3 ans, j'avais arrêté 3-4 ans, je suis revenu avec beaucoup d'a priori, Ouais. qui n'était plus bon en fait, qui était peut-être bon en 2015 ou 2016, mais Mais la méta a bon changé, 2020. quoi, entre guillemets. Voilà, la méta a changé. Et, euh, et, euh, et euh, au poker, on va se battre beaucoup pour essayer de faire changer des habitudes. Et il euh, y a plein de petits trucs qui sont aussi de temps en temps contre-intuitifs. Euh, par exemple, quand on est un peu plus short, il faut ouvrir un peu plus son jeu, euh, qu'on le ferait quand on aurait un stack médian. Ça, c'est des choses voilà, qui ne sont pas forcément euh, euh, compréhensibles tout de suite du premier du premier coup et de manière ouais bah en fait ça si mais lié au sizing parce que oui je comprends bien quand j'ai 12 blindes euh, bah roi neuf, allez 8 blindes roi 9 je vais envoyer tapis quoi mais à 15 bl à 15 blindes est-ce que j'envoie deux blindes tu vois sur un roi 10 ça je sais pas tu vois c'est un peu ouvrir son jeu pour mettre du du all-in ça va ouvrir son jeu pour sizeer intelligemment ça je trouve ça difficile euh, bah, c'est un petit peu toute la difficulté aujourd'hui du poker de haut niveau, euh, et euh, c'est assez fou que tu parles de ça parce que c'est c'est là en fait dans cette dans cette zone entre 10 et 25 blindes que font la, la différence la... Ouais. la plupart des bons joueurs. Euh... ouais tu m'étonnes et si un jour euh, PA tu prends euh, tu prends 6 mois d'années sabbatique pour, euh, ah, pour pour devenir un joueur pro de poker enfin euh, je t'orienterai je vers d'autres personnes qui seront probablement encore plus compétentes que moi pour de <laughs> gagner un, le, le main event mais enfin euh, mais honnêtement ça va prendre un bracelet <laughs> c'est bluffant hein. ah bah ouais tu m'étonnes tout ce qu'il y a à savoir tous les trucs euh... bah, ouais mais aujourd'hui tout est disponible Ouais. Tout est disponible en quelque part, soit en suivant des vidéos, soit il y a beaucoup le, le stream français en poker fonctionne extrêmement bien. C'est probablement la deuxième langue derrière le derrière l'anglais où il y a le plus de stream poker. Ok. Quand avec même. plein de types de joueurs. D'ailleurs, il y avait Tim Laponte là, qui était là tout à l'heure. Euh, je lui fais un coucou. C'est un très bon joueur lui aussi. Un ah oui, j'ai vu, je crois. Euh, donc voilà, il y, y a énormément d'offres euh, gratuites pour pouvoir apprendre le apprendre le poker et. Euh, et alors, c'est vrai que quand on suit un, un, un streamer, bah, par exemple, les gens qui te suivent, toi, ou qui vont nous suivre, nous, des fois, avec Bénis le Dimanche, on joue des tournois à 100, à 250, euh, parfois, ça peut être un peu frustrant de se dire Ah, mais euh, euh, moi, quand je fais mes trucs sur les tournois à 1 euro, ça passe pas ou, euh... Euh, c'est évident, mais par contre, dites-vous bien que dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, les tournois à 100, les tournois à 250, ils seront encore là. Donc, euh, ouais, moi, euh, en vrai, le, tu, tu vois, par exemple, le poker, c'est un vrai, vrai euh, kiff. Et j'ai cette chance, enfin, encore une fois, hein, je le répète beaucoup, mais d'être sponsorisé, etc., quoi, euh, qui me permettent de ne pas regarder. Euh, mais, mais du coup, euh, en fait, j'ai aussi compris à quel point c'était deep et j'ai compris que. Euh, euh, typiquement, euh, c'est tellement de travail et d'effort, tu vois, pour avoir côtoyé certains joueurs pros, certains. Euh, c'est tellement d'apprentissage, de mental, parce que faut pouvoir tanker quand es allé, tu allé te déplacer à Vegas et qu'en fait, euh, t'es deux semaines, bah en fait, t'as rien fait quoi. Et euh, t'as fait que perdre et que tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire et tout Que c'est pas du tout un truc de vie qui m'intéresserait, mais j'aime bien ce. Ce hobby que je développe, t'es un peu à côté. Mais par contre, le vrai conseil que je donnerais aux mecs qui ont envie, alors sans que ça soit devenir pro, hein, mais juste de se dire, OK, bah vas-y, je vais jouer un peu, c'est vraiment de tenir une bankroll. Tenir une banquerolle parce que ça va être aussi, je pense, un facteur satisfaisant, même si c'est peu d'argent, de se dire, OK, bah en fait, là, sur le mois, je suis à quoi Vas-y, je suis à plus 3 euros. Enfin, je dis une connerie, quoi, mais. Euh, et c'est. Je pense ça qui, qui t'apprend vraiment, quoi. C'est un, un vrai objectif, effectivement, la banquerolle, déjà, la plupart des. des, des... Les coaches de poker le diront, alors ça paraîtra toujours un peu redondant, mais de dire que, bah voilà, tenir votre bankroll, réussir à la tenir en étant un joueur entre guillemets, bah déjà si vous tenez votre bankroll et que vous ne perdez pas d'argent, ça veut dire que vous êtes un joueur, au moins break even, voire gagnant. Ouais. Ça ouvre beaucoup de possibilités après, derrière, quand vous êtes, euh... Je pense que je suis en train de le coincer. Il m'a fait la classique, une dame avec deux, deux petits. Je touche le 10. Ah là, ça m'arrange moins. En même temps, il avait juste limp. Me, me fais pas une dinguerie en Me fais pas 11 blindes. Me fais me, me pas ton tapis. Parce que je serais capable de suivre sans rien là. Oh, ce chien de la casse. Là il y a deux cas. Soit il a une, soit il a une dame. Il a mis, il a limp. Ensuite il a mis une blinde. Un truc assez classique de juste essayer de faire coucher. Soit il a touché l'as. Il y a les 33 balles. Hein. Il y a les 33 balles, c'est 11 blindes. J'en ai déjà mis 6. C'est beaucoup quand même. Mais il y a un monde où il a rien. quoi. Et juste, il s'est un peu trop commit et il se dit bon, bah. Il y a un monde, soit c'est dame, soit c'est as. Et il l'a touché en chatte. Soit c'est dame, il l'a camouflé. Soit c'est as, soit sinon je suis gagnant. Waouh. Il a limp sa. Il a limp sa paire d'as, justement, pour la faire passer ouais. en soum soum. Ouais, il, il a pas ouais, faire il a trop... peur. Il a très très bien joué. C'est difficile de faire autrement. Je sais pas ce que j'aurais fait à ta place si j'aurais. C'était risqué de suivre quand même. Hein. Euh, ouais, après il y a les 33 euros. Après, c'est un bon joueur et cette tasse, il est parfait pour lui pour le bluffer. Tiens, mais c'est pareil. Là, euh... là j'ai deux tapis il... à prendre. Mais lui, si tu lui, c'est lui qui prend son tapis. Euh... C'est Si toi tu gagnes le pot principal, tu oui, prends oui. Les, les deux tapis. Mais, non, mais là, euh... là Bon. Si c'est euh, Polo David qui prend le pot principal et que t'es dedans, euh, c'est lui qui prend effectivement le tapis de Yo ah, C'est terminé pour Polo David. Nous quitte. Il y, y, y a des moments, PA, où le mec joue bien en face. Ouais. Et euh... Pff, allez. Allez, mettez, mettez. Joao Palma, je veux te voir à tapis. Hein. Oh non, non, me faites pas des trucs où personne miaise là. Faites le limp des as, ouais, moi je De blindes, il va pas y aller, mais J'envoie vois tapis là-dessus, je veux même pas pouvoir, je veux même pas avoir à négocier. Est-ce ouais. une op ou Domingo est vraiment passionné par le poker Bah c'est un deux en un parce qu'en fait, bah, je suis sponsorisé par pokerstar depuis un an et demi, mais ça fait longtemps que je stream du poker, vraiment longtemps, donc euh... Fais le deux en un. Voilà, ouais, quoi, je arrive, si je il... peux confirmer que tu joues aussi beaucoup euh, même quand t'es pas en stream. Voilà donc euh... pas que. Oui je lance pas juste pour. Euh... Voilà tu lances pas juste en disant tiens je vais faire le mec qui. J'ai fait mon oh, quota. <laughs> ouais là j'avais pas envie de me prendre la tête avec non, du non, sizing du trois blindes vas-y je suis à 17 je t'envoie ce que j'ai pas et fait tout on... à l'heure et que je regrette un peu quoi. Et en plus, alors, ce qui est intéressant quand tu vas faire, quand tu vas pousser ton tapis comme ça d'une vingtaine de blindes, euh, c'est que justement, même quand tu as des grosses mains comme paire de dames, paire de rois, paire d'as, il faut que tu puisses continuer à le faire de la même manière. Alors, certes, on va se dire ouais, mais des fois, on va griller un petit peu de value, tu vois, parce qu'on va faire peur à des gars. Euh, mais en fait, finalement, cette value que tu grilles, elle est compensée par le fait où tu vas pouvoir faire tapis plein d'autres fois avec des mains un peu plus pourries, comme des as valets ou des trucs comme ça. Euh, et, euh, et si à un moment donné le mec arrive à peu près à capter le type de main avec lequel tu fais tapis, mais va probablement se dire un petit peu comme disait adri tout à l'heure dans le chat que quand tu auras paire ou paire de roi tu vas pas faire pareil. Et c'est ouais. là où tu peux les, tu vois, les, attraper parce que finalement ma paire de roi, paire d'as, de dame tu l'as joué pareil, tu vois. Ah hum... euh, non c'est clair. faut toujours essayer de voir dans le poker qui a souvent. Euh... Comment dire un, un, un argument pour et un argument contre à jouer à jouer un coup et après à essayer de voir quelles sont euh, la, les meilleures additions d'arguments de, de, pour prendre ta décision. Ouais non c'est clair. Non non là c'est euh... bon après là on n'est pas terminé non plus hein, même si forcément il y a eu un petit coup euh, un petit coup derrière la nuque. Euh... On a peut-être un, un peu trop voulu jouer les bounties je me suis fait emmener par l'autre là sur euh... et on s'est fait pilouter voilà. quoi est-ce est euh... que tu peux regarder euh, PA s'il ouais. te plaît Co combien paye la première place payée euh, celle de la 34ème place 104 quand même ok donc ça, ça paye voilà plus que le, le, le bounty de départ sachant que tu as déjà pris un petit peu de bounty ouais. là je pense que maintenant on est rentré dans une phase on est à il y a un joueur sur deux en, en gros qui sera payé 34 sur 60 mmh. à peu près euh, là on est rentré dans ce qu'on appelle la période de la pré-bulle où normalement les gros tapis vont essayer de, les petits, de mettre quoi. la pression sur les petits on va un peu moins parler Bounty là et on va un peu plus parler euh... c'est quoi je vais je suis UTG je vais envoyer un 2 blindes pour me faire surrelancer je vais pas mettre un tapis pour espérer qu'un Prince envoie le sien après je couvre personne d'autre si je couvre aussi Yo-Yo de peu mais je le couvre si jamais ça pouvait leur donner envie ou de me surrelancer c'est peut-être l'erreur aussi et puis Joao aussi viens, tu couvres oui, c'est vrai, au bouton. Je me dis que... Ah, c'est juste suivi, putain. Bon, après, ça reste une paire de rois, hein, donc euh, si les mecs suivent tous... Euh... Je tente un peu de mettre un appât, un, un tapis de Joao, c'est juste suivi. Pff, pas mal, hein. On va pas me mettre un... Là, là j'ai un, sous... un peu envie de tuer le pot, quoi. En fait, tu vois, c'est le moment où j'ai peur de valoriser, j'ai un peu envie de tuer le pot. Si j'en vois trois, quoi qu'il a... si qu arrive, il dit... J'ai envie de tuer le pot là. pas envie de plus valoriser. Je me sens pas super à l'aise. Je sais pas s'il y a un 4 qui traîne pas. Il y a deux pics. Je veux ouais, pas. Peux te dire que s'il y a un mec qui a une paire, normalement il va venir. Même... Je veux enfin, pas le parler. Joe, quoi qu'il qu arrive, il viendra. Ouais. Le Yo Soy Yo. Euh... Je sais pas. C'était peut-être plus intéressant en value tout ça de mettre un doublin, de travailler. Mais je me suis dit, mais... je veux pas moi. Comme dit tout à l'heure, finalement, euh, voilà, sur le truc global, si de temps en temps ça peut te permettre de le faire avec des tirages couleurs, euh, tu vois, ou euh, si là t'avais Asdama pique, par exemple, et, sur ce flop avec deux pics et que as envie de faire la même chose, euh, tu vas perdre un peu de value sur ce coup-là, mais ça te permet d'en placer d'autres où t'auras pas touché. Je pense qu'il va nous mettre à 1,68 là ou quoi le DG Après ça, c'est en tête-tête, non on le fait plus en beaucoup... tête à tête, ouais. Ouais, parce plus que c'est qui... enfin, j'ai pas le droit de parler. Pardon oui, oui <laughs> non, mais dans le sens où il y a trois personnes. Donc, oui, oui, ça, ça semblait ouais. plus logique que ça soit juste un petit move de pression, de prise de température à deux, parce que sinon, euh, tu peux bouffer un x 8 de l'autre côté, quoi. Pas trop envie de me Exactement. mettre, j'ai pas touché Exactement, au flop. Ouais. As 10, peut y avoir meilleur. On sort de là. On est déjà revenu sur du 25 blind. Je tourne à peu près à 36 sur 60. Donc, euh... ouais, c'est bien. Il, il, il... Il peut le faire aussi, hein, le coup du, euh, du 1,68, euh, si vous êtes par exemple les deux joueurs dans, le, dans les blindes à avoir payé, par exemple, si Joao était venu ah. et, et toi. Mais là, il y a un mec qui est en position sur lui. Bien fait de pas suivre ce coup de merde. Hein. C'était un bon coup de merde, t'as pas envie. Tout ça pour deux blindes, quatre blindes. Oh là là, oui, oui, maman. Allez, s'il vous plaît, mettez du gros tapis. Prince, là, t'as du lourd. Oh non. On oh, la perd de 8, Joao, la perd de 8. Oui, c'est bien. Joao, Joao, c'est maintenant Joao. Allez, Joao, allez. Huit 8 blindes. Huit 8 blindes. As. Là, tu vas récolter full. Tu récoltes quatre déjà. C'est énorme. Quoi qu'il arrive, au pire, tu les fais se coucher. Mais bon, là. Bon, moi, j'envoie tapis Sinon, je récupère cinq, un peu plus, cinq blindes d'ennemi Pareil, là, on n'est plus là pour euh, pour réfléchir. Soit j'ai rien, soit j'envoie. Et tu viens chercher le 50-50. Du AS3. Euh, je couvre quand même le mec de droite. Ça se couche. Ça me va très bien. Je stack. Je gratte des places. On a soit ouais, justement ouais. la logique de Bounty, soit la logique euh, d'aller chercher. Pourquoi pas aussi Puisque là, les, les blindes augmentent. Cette 34e place qui est synonyme de, de 104 euros. Après, j'ai eu beaucoup de paires là. Paires de rois, paires de dames. On a été servi. Là, on risque de, de connaître un peu, un peu la famine. Non, oh bah c'est bien. Déjà, t'as. On a un plan. A pu, euh, augmenter un petit peu ton stack. De euh, temps en temps, tu sais, quand on a quelques, un enchaînement de bonnes mains, il suffit qu'on en perde une seule sur, toute, euh, sur toutes les mains. Et... Ouais. On est, euh, on est devant Netflix. Ouais, c'est un peu ça. <laughs> ah, je vois ok, on voit tapis. Avec Valet Dame, il devait être en galère depuis tout à l'heure. Ça me va. Si de toute façon, ça s'échange un peu. Hein, donc, euh, c'est l'autre qui va avoir 9. Lui, il a 13. C'est parfait. Les deux restent en dessous de moi. Les deux restent un peu en, en galère. On va pas y aller avec As-6 quand même. Hein. C'est bizarre ce tapis quand même. Ah le tapis avec Père de Roi de tout à l'heure là Ouais bah. Pff. Là je rentre dans un moment moins logique mais où j'ai pas une bonne gestion. On est sur une table à 100 balles, tu vois. Donc euh, en fait je considère que comme me disait You euh, sur les 100 balles, il y a quand même beaucoup de mecs qui, euh, qui ont un meilleur niveau que moi. Euh, pas envie de me rentrer dans des discussions de sizing, de réflexion, de est-ce que... Euh, je veux pas de réflexion là, <laughs> concrètement. Je veux juste arriver au moment où on, où on pose les cartes et si jamais j'arrive à éliminer un mec ou à doubler, là on va pouvoir faire des choses par contre. Ouais, et puis là, très clairement, c'est eux qui doivent réfléchir là maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'il a Et puis. Surtout que très souvent, et c'est là où c'est peut-être pas mal quand tu, si tu fais ça à des tables où il y a des gros joueurs réguliers, c'est que si le mec il réfléchit, 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 et qu'il se dit mais pourquoi il fait 20 dans 8, tu vois, ouais. il va jamais faire 20. Enfin, tu vois, moi typiquement, je serais en train de me dire il va jamais faire 20 avec paire d'as ou paire de roi, tu vois. Et donc, si j'ai paire de 10, je vais coller en ouais. me disant c'est bon, je suis devant. Et, euh, et donc dans ces cas là ils vont se dire ok il a peut-être un tirage couleur s'il fait ça il veut pas avoir de euh, turn machin il veut protéger un truc mais qu'est-ce qu'il veut protéger et, et de temps en temps bah, les mecs font des calls ouais ah, en se disant assez euh... hallucinant quoi ou le mec va peut-être te coller euh, à 6 euh, sur ce truc là avec juste la top perle 6 en se disant euh, euh, Domingo doit avoir euh, roi dame à pique ou un truc comme ça je suis peut-être devant avec mon as ou je suis... enfin tu vois il euh, y a des... On Ne pas sous-estimer aussi la, la, la possibilité que de temps en temps un mec fasse un, un mauvais call et craque. Euh... Ah ouais, non, c'est clair. Là, ce qui nous mettrait bien, c'est. Euh... Ouais, parce que bah là, c'est vrai qu'il va pas y avoir beaucoup de kills, hein, je pense. Hein, 1002, les mecs ont. Là, tout le monde est normalement beaucoup plus précautionneux. Là, il y a beaucoup ce... de mecs autour de moi. Hein. 24 000, je suis. Euh... Jusqu'à 27 000, il euh, y a 8 joueurs. Euh, on est 8 joueurs dans 3 000 jetons, quoi. Dans 2 ah, blindes. Entre 24 et 27 blindes, il euh, y a 8-9 joueurs, quoi. Donc, euh... Donc ouais, honnêtement. Euh... Là, normalement, c'est une phase de jeu où on va voir beaucoup plus de tapis avant le flop. Ouais. Euh, on va voir beaucoup moins de flop, du coup. Voilà et euh, parce que c'est essentiellement un moment sujet sure à la quoi. Ouais, voilà. ouais. Et le truc c'est qu'on n'a pas non eh plus. Bah, un... yes, bon, ça. Oh bah putain gratos merci les mecs. <laughs> ça me fait bien plaisir parce que j'avais je... ouais. <laughs> déjà coché quoi. Alors c'est souvent révélateur quand même de quelque chose. Soit ils ont pas de jeu hein, mais, mais ça veut dire quoi? Que... Ouais alors si breaking je pense pas qu'il flippe vraiment c'est un très bon joueur. Euh, Joao je le connais pas. Mais Joao depuis tout à l'heure il est petit et euh... ouais. Joao il a juste mis tapis avec Valet Dame si je dis pas de petit suité là quand il a tenu contre YoYo -Yo. ouais. à A ouais lui c'était ni any... ah ouais putain lui euh, lui ça va jouer le bounty des 33 ouais mais au final tu vois Alors, ah, il ça, reste a quand même ça a beau, bien hein. la table hein, parce que je me retrouve euh, je me retrouve Graf. deuxième euh, ça donne limite envie d'aller chercher un petit euh, justement de sortir de la tanière là sur un sur un trois blind de tête hein blindes c'est peut-être un peu beaucoup pour pas grand chose ah tu vois là sur un as euh... Pff... tu vois il y a la question des 33 balles hein. sur un as il euh, y a des chances qu'il envoie sans as après j'ai as 3 donc c'est vraiment le truc qui pue mais je pense ouais. qu'il y avait quand même une question qui se posait quoi non non jamais On pose la question parce que t'as un as mais ouais, ouais. c'est ouais, très rapide j'ai l'impression que c'est très rapidement euh... ouais. Moi, l'As me brine parfois. Des ouais, c'est bah un peu logique, parce que du coup, ça limite les possibilités que lui, il en ait un. Donc, dans les bonnes cartes qu'il a, qu'est-ce qu'il a si tu manges déjà un, un As parmi les possibilités. Mais bon, euh, après, en continuant la réflexion, tu te dis, bon, ok, on est toujours dans cette période de pré bulle Les petits tapis font gaffe, quand même. Euh, ça reste un bon joueur, etc., etc. Et puis, après tout ça, mise euh, mi bout à bout, bah, tu dis, bon, vas-y, on va passer. Puis, en plus... Imagine, il fait ça avec Valédis par exemple, bah, il a quand même quasiment 40% de chance de gagner le coup. Ah, T'auras euh, rare rarement 70%, euh, toi, tu vois, donc euh, ouais. euh, c'est un peu compliqué. Un petit éliminé, il y a un autre mec qui est, qui est à peu près sur mon stack. De toute façon, ouais, comme je disais, là on est vraiment euh, 33, ouais, 24 000 euh, jusqu'à 28 000. Là t'as vraiment beaucoup de gens et derrière moi t'as 3-4 mecs à 23 000, 21 000. Donc, euh, Alors quelle est ta strat là euh... PA. Bah là, on bouge. Enfin, Ta strate globale, on va dire. Est-ce que tu vas tout faire pour rentrer dans l'argent Est-ce que l'argent, c'est ok, mais on... pas plus Bah, l'argent, intéressant, parce qu'on est quand même à 20 places de 100 balles, quoi. Donc, c'est quand même quasiment 2 kills bounty, sauf. Enfin, même plus, quoi. Ouais, euh, ouais, ça euh, ça. Ça. 3 kills bounty moyen, je pense, parce que c'est vrai qu'il commence à y avoir pas mal de mecs vers 33 balles. Euh... Faut peut-être juste que je fasse attention. C'est vrai que j'ai mis vraiment des snaps all -in à chaque fois. Peut-être réfléchir un peu plus. Là, je voyais les timings tels Oh ça tapis à... C'est ce pas 9. faux ouais. Ouais, contre quinte Ah ouais. Ah oui je... c'est le 9 pardon j'ai galéré. Ouais on Il y perd, y perd des un, on... comme ça qui donne... On perd ton pote là. On perd un peu tous nos gars qu'on euh, qu pouvait kill donc... Euh, non l'idée forcément là je voyais juste avant aussi euh, tu tapis que quand t'as une main, euh, oui c'est l'idée. Hein. En fait je suis au moment où ça me va très bien de prendre des blindes parce que les blindes commencent à être intéressantes et elles vont l'être de plus en plus. Là ça passe à quoi 800, 1004 ou c'est encore plus haut euh, ça va certainement, ouais. Euh, peut-être même. Enfin, euh, 800.006 peut-être. Euh, okay. Je sais plus s'il y a le 700.004 sur ce Ah oui, ci, les, les... oui, pardon, monsieur, attends, je suis Le calcul n'était pas ouf là de mon côté. <laughs> mais, euh, mais du coup, ouais, rien que rien que récupérer des. Euh, bah, t'as deux blindes, deux blindes 2 euh, Si tu mets tapis que euh, que t'étais ni big, enfin, euh, ni small ni big, euh, du deux blindes par-ci par-là, ça me va. Est-ce que je veux, c'est une rencontre, quoi, pour pouvoir doubler, pour pouvoir être un peu plus euh, m'exprimer. Après, je ne j'm m'enferme pas non plus de pouvoir jouer. Euh, Typiquement, un AS10, un, As un paire de 8, un paire de 6, comme ça, juste pour aller voir un flop euh, sur un 2 blindes, quoi. À peu près. Je dirais que c'est ça ma stratégie. Ok. Ok, ok. Alors, bah, moi, je suis ok avec tout ça. Peut-être essayer, justement, la dernière partie de ça, de les limiter. Parce qu'en fait, là, vous êtes dans la prébule. Et euh, alors, si tu veux vraiment les jouer, je préfère largement je vais mettre en tapis dit, ben voilà si vraiment ouais envie de là, là tu en fait. Que le mec pas mais ouf. du coup je suis en pusher parce que justement je voulais ouvrir un peu parce que techniquement le pusher fold c'est à 15 blinde à peu près après ça dépend mais mais du coup ouais. quand, même, quand même de se dire que ouais c'est euh... bah, en gros là t'as un tapis ou si t'avais envie de fermer complètement la boutique tu ferais l'argent voilà, c'est à peu près mon idée. Même si euh, okay. tu risques peut-être de faire l'argent où il va être resté quatre blindes, tu vois. Ouais, Mais, ouais, euh, ouais. donc voilà, c'est à peu près à peu près l'idée là. 20 blindes à euh, une vingtaine de places de l'argent, 700 000 quatre ouais l'augmentation. Maintenant, ça veut dire aussi que si bon, tu vrai. fais cette stratégie-là, tu t'élimines quasiment toutes les possibilités ou beaucoup en tout cas de gagner le tournoi. Ouais. Et, de prendre des, et de prendre des bounties. Non, là, mon objectif, ce n'est pas forcément d'aller mourir en 34e place, c'est d'essayer de doubler. Essayer de doubler pour ensuite aller chercher du bounty, euh, okay. ça va être l'objectif. Donc là, c'est bien, on a un peu une période de... de... Carte dead, dead card. Ouais, card dead, ouais, ouais. 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 Et, euh, et à voir après, quoi. Je commence à, à moins représenter aussi. Typiquement pour un Persier, alors je ne suis que, entre gros guillemets, à la moitié de son stack, mais j'ai quand même 42 balles, donc il pourrait être tenté d'aller me chercher. Euh, là où tout à l'heure c'était compliqué parce que j'avais 25 il avait 30 c'est clair bah, en fait en, en gros si euh, tu as deux possibilités du coup pour doubler enfin pour doubler ou pour monter ton stack c'est soit euh, bah, avoir des bonnes cartes donc ça m'était pas maître de ça euh, Soit euh, d'essayer de repérer qui là maintenant commence à devenir le voleur de la table c'est à dire. Euh, celui qui est euh, le plus agressif, celui qui va commencer à être le plus agressif. Normalement, le plus agressif devrait être Percier, on va dire, euh, ouais. parce que c'est celui qui a le plus gros tapis, c'est celui qui peut mettre la pression à tout le monde. On est euh, toujours à une vingtaine de places de l'argent. Ouais. Euh, percier, il est juste à ta gauche, donc très clairement, c'est pas une bonne nouvelle pour toi, parce que tu sauras jamais. Parce que, euh, que, que le voleur, c'est pour pouvoir potentiellement relancer le voleur qui va tenter bah, un truc agressif, voilà. c'est ça Si tu n'as pas de jeu, en fait, le seul moyen de pouvoir monter des jetons, si tu n'as pas de jeu, c'est de pouvoir partir à tapis, en, entre guillemets, en bluff. Et pour pouvoir le faire de manière un peu plus sécure, il faut savoir sur qui le faire. Okay. Euh, et donc, normalement, c'est sur le gros. Mais le souci aussi, c'est comme tu l'as dit, tu vaux 42 euros et maintenant tu ne vaux plus que 17 blindes. Ouais. Donc, pour moi, la, ta stratégie optimale à ce moment-là, c'est effectivement d'attendre le plus possible pour pouvoir essayer de te rapprocher de l'argent et de définir à partir de quand entre guillemets pas forcément de dire si j'ai perdu 10 je fais tapis mais de dire bah si j'ai de bonne main contre un tel ou un tel OK je suis OK pour y aller tu vois. Là, je vais aller dans le chat arrête d'autofol quand tu es en big blind naturellement j'ai arrêté tout de suite. Euh... <laughs> pour pour dire que c'est pas non plus euh, entre guillemets euh, pas si open que ça quoi que je vais pouvoir défendre. Euh, en fait, c'est pour, euh, ouais, oh, oh. pour éviter... Oh là là, horrible. Enfin, c'est ouais, plutôt pas trop mal pour toi, je pense. Ce qui ouais, est vraiment un, mec, un très gros un... tapis. Ouais, c'est ça, ça fait un mec de moins, je pourrais être payé, quoi. Mais euh, ouais, l'autofold, en fait. Si moi, je remarque qu'il y a un mec à ma gauche qui autofold, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'appuie sur fold, ça fold directement à côté, tu vois. Ouais, lui, genre... Euh, voilà, bah en fait, je vais me dire, euh, bah en gros, maintenant, je vais attendre un peu, puis je vais juste faire deux à chaque fois, s'il si autofold, tu vois. Que soit la main, donc c'est en ce sens que les mecs disent qu'il faut que tu arrêtes d'autofold en grosse blind, je pense. Et, euh, okay. et après, de temps en temps, bah, tu décides d'autofold 10 et 4, par exemple, 10 et 4 offsuit. Mais si tu as toute la table qui a mis 2, bah, ça devient intéressant de rajouter un, tu vois. Ok, c'est euh, mais ah, plus ah, non, dans mais le timing, euh... tel ça, ça peut être intéressant aussi. Oui, c'était peut-être la blinde là, entre guillemets, qui coûtait pas si cher pour aller chercher euh, des cartes, quoi. Ouais, après, je là honnêtement, Attends, je regarde, mais j'ai pas vraiment. Non, non, non. Il aurait dû coller. Ah non, non, il n'y avait pas spécialement. C'était plus, je pense, pour la, les, les, la circulation d'infos, un peu comme tout à l'heure. Euh... Ah ouais, clairement. Comme tout à l'heure, justement, un instant. Oh, euh... in, boom Ça, <laughs> Sans, ouais, sans c'est une réflexion, quoi. Quand t'avais les dames. Après, euh... après, euh... sauf s'ils arrivent vraiment à voir que quand t'as un gros jeu, tu fais tapis à chaque fois et tu le fais très vite, et que quand t'as un jeu Moyen-Âge, tu réfléchis un peu et blablabla. Bla, bla. Pas sûr qu'ils soient tous capables de, de repérer tout ça, mais. Cadis, euh... lui, il y allait les... en. Ouais, Valais des dépareillé, ça, ça se couche. Ouais, non, je ne folle pas. Moi, je réfléchis, vous voyez, est-ce que j'y vais, j'y vais pas Eh bien, non, je n'y vais pas, voilà. <laughs> je suis un joueur qui, qui pense. Bon, malgré tout, 17 places. Hein. 17 places, ça y est, là, c'est euh, bah, depuis 20 minutes déjà, il hein. n'y a plus de, y a plus de... de rebuy, là c'est qu'on commence petit à petit à tomber dans les limbes. Après, bon, voilà, il y a des mecs à 23 000. Alors, il y a une autre stratégie, ouais, pour remonter. Tu vas pas remonter en jeton avec cette stratégie-là, mais tu risques de remonter dans le classement. Pour te rapprocher de la 34e place, c'est en fait un truc qui s'appelle stall. Alors en anglais, je crois que ça se dit stall Ah oui, tempo. Tempo pour que les autres tables se tuent, quoi. Voilà, pour que les en gros, si tu joues moins de de, de, de coups à ta table, tu vas avoir moins de fois la grosse blinde qui va te passer sur la tête. Et si tu as décidé d'avoir une stratégie conservatrice, comme tu vas passer souvent tes mains, euh, tu vas jouer moins de mains que les autres. Et donc tu vas t'apercevoir qu'au bout d'un moment, bah, tu vois là, tes 42e sur 50. Peut-être que si tu stalles toutes les mains pendant une orbite, c'est-à-dire bah, voilà au moins tes 25 secondes là, comme ça, euh, bah, finalement, s'il y a des tables qui ne le font pas à côté, il ah, y a un mec, bah, ça tu... va lui prendre des blindes des petit à petit, voilà. euh... et dans le même sens, c'est tanké dans... aussi, non voilà, en, en live, on dit tanker. tanker non ouais. Ouais. Mais en fait, en général, tanker, ça va être pour faut réf réfléchir. Ah, ok, d'accord. Quoi qu'il arrive. Alors que style, c'est vraiment. Tu sais que tu vas passer, mais tu attends. D'accord. Voilà. Et, euh, et dans le même temps, on va dire Ouais, mais ça peut être un peu de l'anti-jeu et tout ça. Le truc après, c'est que si toutes les tables le font et que toi, tu le fais pas, ouais, bah, es toi, là, dans, dans, deux, dans deux orbites, t'es 48 e tu vois. Ouais, clairement. Et, donc, et donc finalement, t'es presque obligé parce que les autres et on est sur un 100 donc les mecs vont le faire parce qu'ils maîtrisent bah, toutes les facettes du jeu pour pouvoir euh, rentrer dans l'argent. Oui, tu plus facilement. Es, on n'est pas loin de, de pouvoir être juste euh, rentable ouais, sur ça. le move quoi. Ouais, t'es es obligé de le faire en fait parce que c'est voilà c'est un, euh, un peu le comment c'est un peu dilemme du prisonnier quoi si tout le monde mmh. le fait bah, tu, voilà tu vas le faire et... et si personne le fait bah tu dois le faire aussi <laughs> parce que du coup t'en tireras un avantage tu vois à 5 j'aurais été au bouton j'aurais sûrement envoyé quoi. et ce qui me fait chier c'est qu'il y a Percier à côté de moi et maintenant il y a Prin Prince ah bah. Doyle les deux qui peuvent vraiment me très clairement à 5 fait pas partie des bonnes mains à mon avis que tu dois te mettre en tête en disant si je dois y aller j'irai avec celle là oui, tu bah, vois. Ouais. Bah, à 5 en fait pas partie ouais. et euh... Et tu vas voir que beaucoup de situations, finalement, comme le prince Doyle et Persier vont pas bouger, qui vont rester à gauche pendant un petit moment, bah, à chaque fois, tu vas avoir le même mécanisme. Tu vas dire, ah, celle-là, j'aimerais bien, mais finalement, il y a Percier, ouais. mais finalement, il y a prince Doyle, et finalement, je vais. Oh, il y a Eod qui vient, qui était monstrueux tout à l'heure, qui s'est fait dérouiller. Ah, oh, oui. <laughs> qui... Bah, après, qui est quand même. Ah oui, non, il est retombé là. Ah, je le vois même plus. Ah, si, il est 22ème. Deux, 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 deux. De. Tu vois, t'étais okay. 42 sur 50, t'es 41 sur 48, là, déjà. Putain, mais quel... quelle technique T'as <laughs> <'as> rien fait <laughs> Quel jeu J'ai un mec à, à 61 jetons au-dessus de moi, là. Ah, je... oh, c'est lui, il est à ma table. Putain, je vais le chercher. Et sachant que, tu vois, c'est pas mal d'aller voir aussi le lobby comme tu le fais, là, des tournois. Ouais, pour voir Parce y a des mecs peu. dedans qui n'ont pas, pris de... Qui ont pas, pris, de... pas ouais, pris de prime, pardon. C'est ce que je voyais, assez haut. Et ces même. mecs qui n'ont pas pris de prime... Le aller chercher les 104 euros c'est vital pour eux parce que s'ils sautent maintenant, ils auront fait un tournoi de dingo, ils auront pris 0 francs 0 centimes quoi. Ouais. Donc eux normalement, alors euh, si les mecs regardent aussi un petit peu, c'est sur eux qu'on a le la plus grande fold equity entre guillemets, c'est-à-dire que c'est sur eux ils vont folder tout le temps normalement. 13 mecs accouchés le... avec 16 blindes va quand même falloir qu'on fasse un, un coup quoi. Mais euh, bah Là, c'est comme je te disais, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Hein, tu es toujours à peu près dans la même situation. Tu n'as pas touché de main. Ton tapis, il est relativement euh, petit encore, mais relativement gros pour pouvoir faire l'argent. Donc je pense que tu es un peu dans la même strate que tout à l'heure. Il continuer euh, dans le même truc, ne pas faire n'importe quoi avec des mains un peu tangentes, attendre une grosse main. Oh là là. Parce qu'elle n'est pas là, quoi. Hein. En UTG... En UTG, euh, 14 blindes, on vient de monter en plus, hein. je suis 39 sur 47, c'est encore loin, il faudra que j'aille chercher, pour moi j'y vais avec Asvalet. C'est peut-être un peu léger, mais sous les 15 blindes, Asvalet, j'ai des chances de ne pas retrouver ça, et de juste mourir. Je me dis que... Ouais, voilà. euh... Moi j'aime bien, en plus t'as pas joué un coup depuis. Ouais, donc bon, les mecs à savent bon que j'ai pas de la merde, donc euh, bon, on va avoir une rencontre si ça vient. Alors, il y a ton copain et ODH. Aïe, 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 aïe. Allez, t'es devant. Allez. Oh, enculé. As. Oh. Bon, bah, c'était le poker. 55, ouais, c'est le poker. 55, 55, tu vois 55-45. 55-45, euh, ouais. Sur. Euh, tu rentres ce coup, t'es payé. Sur es le payé, début. en plus, tu peux encore reprendre des, des bounties. C'est vrai que ça fait toujours chier, ce genre de moment. On va pas se mentir <laughs> qu'au poker, c'est. On a eu ça sur le coup de. Bah, tout à l'heure aussi, bon, c'est. Il euh... y a pas grand chose à dire. Es parti, il... alors, après, t'es parti favori. Voilà. Ouais, 70 parti au favori. flop et il touche. T'es parti favori pour tout Là, il joue 6 euh, cartes, pour quoi, quoi euh, Il joue 6 cartes sur euh, le flop, ouais, sur 9-9-3, il en joue 6. Ouais. Mais alors pourquoi Ah non, c'est différent les couleurs Il euh, y a un cœur, ouais, donc il joue. Euh, non, il pas, joue pas les couleurs, en... mais en gros, s'il joue 6 cartes, 6 cartes x 2, ça fait 12%. Pourquoi il a 30% Ouais, parce qu'on est au flop, est 12 sur la... ça sera 12% sur la turn. Ah sinon, oui, pardon, pardon, là il restait 2 cartes. Au 4. flop, tu multiplies par 4. Ah ouais. Ouais, ouais, bah dommage, hein. dommage honnêtement, on a... Mais, euh... enfin, vraiment, je vais me répéter, mais je, suis, je, suis euh... je pense qu'il faut que tu, euh, que tu accordes beaucoup, beaucoup d'importance à ton instinct, parce que tu te poses vraiment, pour le coup, des bonnes questions tout le temps. Ok. Euh, et c'est même à se demander, euh, à se demander euh, si tu prends pas des cours un peu en secrète <laughs> C'est gentil, Mais... <laughs> c'est un beau compliment Mais euh, non non c'est vachement bien Et d'ailleurs tout à l'heure je voulais te demander comment ça se passait J'ai cru comprendre que tu avais repris euh, League of Legends J'ai stoppé, enfin euh, genre euh... Attends Ouais c'est un jeu qui comme j'en ai fait 7-8 ans ça sera toujours en moi Donc de temps en temps je me fais des petites phases tu vois Mais euh, de temps et en temps quand je quand me tu... chauffe Comment tu progresses à ce jeu-là Est-ce que, tu... est que le jeu est pareil qu'il y a 7-8 ans est -ce que... Non, il bah, fallait pas mal réapprendre. C'est pour ça qu'en fait, de temps en... là, je jouais de temps en temps. Et là, cette année, je m'étais un peu plus mis dedans. Où je me suis mis un peu en tunnel euh, sur un ou deux mois, où j'ai redécouvert un ou deux persos pour vraiment me. Euh, me chauffer dedans mais c'est ce truc là hein, c'est quoi qu'il arrive euh, d'apprendre tu vois là honnêtement aujourd'hui j'ai appris pas mal de trucs même sur la, sur la base de ce que tu m'as dit tu vois sur typiquement les, les tirages couleurs euh, où moi j'avais des estimations un peu plus hautes euh, typiquement le 25% qui en fait est un 18 sur la dernière carte euh, qui, qui peuvent me faire changer un peu euh, après voilà tu vois je, je suis encore là on était sur un tournoi à 100 euros c'était aussi un peu le but d'être en, entre guillemets en gala euh, au final le résultat de la soirée c'est que j'ai mis quand même 230 euros j'ai été donc une fois un tournoi à 30 euros, deux fois le tournoi à 100 euros, puisque j'ai déjà été éliminé une fois. Euh, 30 euros, on a été éliminé, donc pas de place payée, donc moins 30. Euh, 100 euros, on a été éliminé une première fois. J'ai rebuy, on a réussi à kill. Donc j'ai pris euh, quand même dans ce tournoi 40 euros. Donc au final, euh, j'ai euh, 230, euh, j'ai 190 de, euros de, de, bah, de déficit ou ouais. ouais, de perte pardon sur, euh, sur la soirée. Mais en tout cas, j'ai appris plein de trucs. Euh, j'ai appris vraiment plein de trucs. C'était super cool avec toi, You. On avait déjà fait ça à l'époque et j'avais envie aussi de, voilà, de faire un peu un tournoi. Parce que comme je dis, en vrai, je suis content parce que ça se passe bien. Avec Gota, Dwag et même là les trucs de Xari. Dernière fois j'avais gagné. Dernière ouais. fois ouais j'ai gagné. Putain la table finale avec Xari c'était super cool et je suis content. En plus on a réussi et Xari à faire. est Bon en plus hein. Xari de mémoire et. Xari et joue très bon bien. Enfin, très ouais. bien. Pour moi il joue très bien. Mais donc du coup. Euh, mais je pense que c'est un joueur de poker ouais qui a vraiment les, les grosses euh, les grosses bases on va dire. Et qui, euh, et qui lui a passé pas mal de temps donc je suis trop trop content justement qu'ils bah, euh, nous rejoignent chez PokerStars parce que ça va permettre de faire plein de, plein de choses et je crois que prochainement sans, sans trop spoil mais il y aura un tournoi aussi euh, euh, chez Gota euh, vous verrez où on sera en physique et ça c'est vraiment les, euh, les, les, les meilleurs moments donc, euh, donc non moi j'ai hâte de pouvoir faire un tournoi live aussi là je sais qu'il y avait peut-être des bails ça avait finalement été, euh, été décalé mais j'ai hâte de pouvoir euh, avoir les jetons un peu en main et, euh, et de tenter ma chance euh, en live parce que euh, je pense que j'ai pas mal de bons concepts, il me manque beaucoup beaucoup de choses, mais avec un peu d'instinct, un peu de réussite, euh, il peut se passer des choses. Quoi. Alors si tu as une imprimante <laughs> euh, chez toi, pas loin, euh, imprime les deux tableaux que je t'ai mis, mis en, en DM euh, et, euh, et tu pourras les, les mêler sur... Euh, tu sais C'est ouais, quoi ça meilleur... exactement Je n'ai pas compris. Alors, en gros, euh, c'est euh, bah, l'équité dont je te parlais euh, quand tu as un tirage couleur, par exemple. Quand tu as, donc, en gros, le tirage couleur, c'est 9 cartes. Ah, le vois, sur, c'est le flop. Donc, tu as 8, 8, 8 sur As voilà. 9. Et en face, il y a As euh, T, c'est quoi C'est 10 As 10. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, tu as gros, 9%, pour, as 9 que... de trouver tes, tes deux outs, quoi, c'est ça as donc... 9, si, si tu estimes en gros que tu as 8-8 et que tu estimes que sur as 3 9 ton adversaire, il y a de grandes chances qu'il ait un As, quelle est ta chance à toi de prendre un 8 Voilà. Bah, en gros, si tu pars à tapis maintenant et que l'autre paye, bah, tu auras 8,7% de chances de gagner. Et euh, si ça part à la turn, tu n'auras que 4,55%. Donc, en gros, tu n'es pas bien en pas bien engagé, et euh, ça va te donner en gros, bah, le, euh, quand c'est deux, ce sera souvent la même chose, c'est-à-dire que trois out, tu peux l'avoir de temps en temps, d'ailleurs c'est bizarre qu'il ne l'ait pas mis là-dessus, mais euh, en gros trois out, c'est quand tu as euh, euh, as-roi contre euh, as-valet sur un flop avec un valet, tu vois. Ok, a, ouais, donc tu cherches tes rois, out. quoi. Voilà, tu cherches les trois, euh, les trois rois qui restent et euh, bah, dedans en gros 4 euh, c'est quand tu as un tirage quand ventral, quand tu as quatre outs c'est tirage quand ventral. Bah du coup euh, ouais les trois rois c'est euh, 12% et euh, 7 pour 6 7% euh, c'est ça quoi. Ouais, alors, euh, moi, quand, le, le, le 13... calcul que je t'ai donné, x2 et x4, c'est un calcul qui va, on va dire, être assez approximatif. Ouais, oui, oui, c la oui, c'est un peu C'est pas exactement la même. Il faut rajouter 2 et 4 d'un côté et 2 de l'autre. Mais donc, du coup, là, t'as les vrais, vrais chiffres. Si t'as envie de les apprendre okay. par cœur, tu peux les apprendre par cœur. Euh, okay. Et ça, c'est pas mal parce que au départ, au poker, on est un peu perdu parce qu'on sait pas trop si on doit jouer notre main. Après, quand on sait si on doit jouer notre main, bah, on est un peu perdu parce que par rapport à tel flop, euh, on ne sait pas trop, euh, selon ce qu'a notre adversaire, si on doit y aller ou pas. Et après, quand on connaît à peu près la main de l'adversaire, qu'on arrive à l'évaluer, bah, là derrière, après, tu as tout ce qu'il faut pour savoir si bah, ton call il est intéressant ou pas parce qu'on te demande euh, euh, tant de pourcents du pot, etc. etc. Et, euh, et le deuxième que je t'ai mis, il est très intéressant aussi parce que ça, c'est par rapport à l'équité que tu as calculée de ta main, c'est-à-dire combien d'out tu as et donc combien de chances tu as de gagner la main okay. euh, là en gros c'est si tu fais face à la mise d'un euh, joueur donc typiquement okay. le joueur a fait moitié du pot il a mis 5 dans 10 voilà euh, la moitié du pot il a mis 5 ouais. dans 10 donc toi combien il faut que tu aies d'équité pour que ce soit pour que ton call soit alors ce qu'on appelle EV0 c'est à dire qu'il soit à l'équilibre ça c'est ça, ça vrai, ça, ça, vraiment technique je trouve c est, c est, c est, c est, en alors, fait c'est le côté mathématique où je sais que je suis capé parce que j'ai pas la rigueur de tout apprendre mais du coup je sais que naturellement je me capte du coup aussi parce que bah, le poker si tu veux vraiment bien maîtriser les différents trucs ça doit être un peu naturel ça dans ta tête pour pouvoir avoir parce que moi du coup c'est comme si entre guillemets quand je cherchais dans ma tête bah genre j'ai euh, 3-4 tiroirs ou bah c'est flou quoi parce que du coup je suis en mode bah j'ai pas l'info là alors tu peux te donner un peu plus d'infos quoi et donc, du coup, le, par exemple, pour comprendre, demi pot, Donc, le mec met 5 balles dans 10. Donc, ça fait le pot total à 15. Donc, ouais. j'ai 5 à call dans 15. Donc, c'est 3. C'est quoi, 3 3 contre 1. 3 contre 1. Donc, je dois avoir une équité de 25%. Et donc, ça, tu dois le combiner donc. à ton autre truc. Et donc, du voilà. coup, je dois pouvoir chercher, justement, la quinte. Euh, donc, et allez, en fait, tu les, tu, les, tu les recroises. Putain, mais c'est ça, en fait, qui te permet d'être ouais, fort au poker. C'est ces deux tableaux combinés, quoi. Exactement, savoir si par rapport à l'équité que tu as de, et ce qu'on te demande au pot, parce que si euh, on va prendre un cas extrême, tu as ton tirage couleur, donc tu as tes 9 outs au flop, donc tu as 38,6% de chance euh, de réaliser ta couleur. Ouais. si tu me suis, voilà, et que l'adversaire a misé euh, 1 million d'euros dans un pot de 1 euro. Ouais. Et eh ben en fait, euh, bon là ça va être un truc, mais en gros tu prends le truc, la valeur la plus forte ici, deux fois le pot, donc on va dire même qu'il est misé 2 euros dans un pot de 1 euro. Ouais, voilà, c'est mieux parce vain. que le 1 million voilà. dans 1. Voilà. Un... Euh... Bah, en fait c'est pour donner un truc vraiment ah, ouais, ouais, euh, énorme. Bah, c'est tu dis, bah, je vais pas suivre avec un tirage couleur si finalement il y a que 1 à aller gagner au pot, tu vois. Alors qu'au final si. Alors que, bah non, là pour le coup, non, ah, non mais parce que pour le coup c'est 20... 28%. 50%. Mais il fallait typiquement le tirage quinte par le ventre et deux overcards. Donc par exemple, ta Dame roi sur. Neuf, euh, valet 9. Donc, ça, typiquement, tu cherches 10. Euh, tu, tu cherches une quinte. Et si et tu cherches tu pense la, adverse... ouais, la quinte, tu peux l'avoir que par le 10. Ou alors, ouais. justement, tu attends donc les dames et les rois. Donc, tu as 3 plus 3 plus ouais. les 10. Donc, typiquement, voilà, donc sans, le vrai. sans le tableau pour comprendre, tu as donc 3-3, trois, trois, donc 6, plus 4, donc 10. C'est ça. Donc, c'est à peu près ton x4 quand même. Hein. T'en merde, on voit pas là sur le sur le graphe, pardon. Euh... Ouais, là on est à peu près sur le x4 parce que sur euh, sur des sur d'autres événements ça sera pas exactement la même. Donc c'est pour ça qu'on a pris une espèce de moyenne, on fait x4 et euh, et ça marche à peu près. dans C'est pas mal situations. le x4 quand même parce que du coup ça te... et ensuite c'est à peu près x2, un peu plus, et mais après, ça te permet vrai. de le retrouver à peu près quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment un moyen mémotechnique. Ah ouais. Est-ce que euh, a... tu as, as ce tableau en lien, euh, pardon, ou Bien sûr. si jamais ouais, tu peux ouais, les drop ouais, les ouais. deux dans le chat parce que comme les comme les gars là sont un peu que. Attends, il faut que je retrouve le truc, mais je vais te le retrouver tout de suite. Hop. Euh, attends, parce que moi je l'avais téléchargé. Il y, a énorme... Alors, il y a énormément de sites. Tu sais quoi Je vais te le retrouver. Ouais, attends. ouais, non, c'est si jamais pour les gens. Non, mais en tout cas, tu vois, déjà, ça te donne une base à peu près de réflexion. Et ensuite, euh, bien démarrer au poker, c'est le nom du PDF, on nous dit. Ouais, c'est le nom du PDF. Et c'est. Euh, euh, mince. C'est qui je crois que c'est Kill Tilt qui le fait. Kill Tilt, c'est un site de, de, justement de coaching. Euh, tac. Ouais, je pense que c'est tableau de range d'open et d'équité. Mais en tout cas, ouais, ces deux trucs-là, je vais les garder parce que ça te permet de, de comprendre à peu près. Mais déjà, okay, je le x4 x2 te permet à peu près de comprendre. Mais tu vois, c'est tout court. Mais par exemple, ce truc de, de se dire, bah en fait, j'ai quatre cartes, donc du coup, il y en a 13, donc je vais en chercher que 9. Enfin. C'est tout bête, tu vois, mais moi, ça ne ça, me ça, ça, ça montait pas non plus en tête tant que ça. donc, euh, donc. Ça te permet, en fait, de te situer Ouais, ouais, ouais mais c'est un peu ce qui me manque, en fait. C'est un peu ce qui me manque de me dire, OK, tu vois, le calcul des outs, je ne le fais pas tant que ça, quoi. Le, le calcul des atouts à la belote, oui, mais c'est plus simple. <laughs> euh, bah voilà, you, you a mis euh, dans le chat, de toute façon, ça avec trois... Euh, OMG, le mal de tête. Bah, un, en fait, c'est pour ça aussi que le poker n'est pas que un jeu de chance, c'est un jeu d'argent et c'est pour ça que moi je défends aussi beaucoup ça euh, où on n'est pas en train de jouer au casino dans le sens euh, où t'es pas en train de tirer une machine euh, une machine à sous et le résultat va quoi qu'il arrive être aléatoire et ensuite c'est un nombre d'aléatoires euh, cumulés euh, c'est que c'est un alors déjà c'est différent puisque que c'est un jeu où on met tout au pot et ensuite c'est entre les joueurs pas, pas, pas le casino au milieu quoi, de la table. Et, euh, et ensuite, c'est quoi C'est un tel jeu liant le mind game avec, en vrai, les maths. Hein enfin, juste avec les maths, la tactique. Et c'est le tout cumulé avec l'instinct. Je trouve ça super fort aussi. L'instinct, c'est un tel feeling de pouvoir avoir un coup, de croire en toi, d'avoir analysé le mec, de sortir le mec parce que justement, tu as eu l'impression de le lire. C'est un feeling qui est malade, ça. Mais, euh, mais ouais. Et On alors Ouais, juste pour aller un tout petit peu au-delà de ce que tu dis, effectivement, il y a le côté mathématique et je vois que ça parle dans le chat. On dit, ouais, j'ai mal au crâne et tout. <laughs> au final, les mecs, sur les deux tableaux, les mecs et les filles, il hein, euh, y a, allez, quoi, on va dire deux fois 10 événements à ouais, ouais, retenir non. non, mais en fait, c'est juste que là, d'un coup, ce qu'on s'est fait de. Mais c'est oui, oui, ça il y a beaucoup. Mais c est, c est, en fait, avec les mises en situation, c'est assez simple. C'est juste qu'en fait, il ne faut pas lire le 25%, donc 13. C'est juste, OK, il y a une situation, tu as roi dame, c'est déjà arrivé. Euh... Tu vois vraiment cette situation du dame roi. Et t'as genre Valet-9 et tu cherches ce 10, tu l'as, mais genre très souvent, quoi. Et Bien euh... sûr. Et, et c'est là où, regarde, PA, si tu dis, bon, voilà, t'as Roi-Dame sur Valet-9-2 et tu cherches ton 10. Et en même temps, tu vas te dire, mais attends, je suis contre lui, euh, ce mec-là qui a défendu, je sais pas, de grosses blindes, par exemple. Donc, ce mec-là, il a déjà, il a pas perdasse a priori. Ouais. Donc, en fait, probablement que ma Dame et mon Roi sont bons. Si je les touche. Donc finalement, je joue pas que le 10, je joue aussi la dame et le roi. Donc finalement, je joue euh, euh, 10 cartes. Et, euh, et c'est là en fait que. Mais et ça contre, limite. Je trouve ça un peu. Il faut se tromper. Ouais, non, bien sûr. Mais ça, je trouve ça un peu situationnel parce que du coup, il y a une connaissance de la l'opère à définir. Mais quoi qu'il arrive, c'est entre guillemets la même parce que j'avoue que la situation que est bien. Paire de 8 parce paire que, de 4, Oui, ça ouais. pourrait être paire de valet, paire de neuf aussi, dans le sens où il peut <laughs> être top paire sur le flop, quoi. Et euh, Exactement. Et ouais. Mais c'est que la situation 4 là, la situation 2 par exemple Où as un 6-7, il te manque le 8 donc en tirage ventral Et il y a un As et tu te dis putain le mec Il doit avoir l'As quoi Et ben tu peux calculer ouais. de au pire s'il a l'As Ok bah j'ai 18% de chance maintenant et 9% Ce qui te permet ensuite, non mais ça en vrai Il faut que je me force à apprendre parce que c'est ça qui me permettra De passer un cap pour, euh, pour euh... Ah ben bah ça, tu sais ça Sur le, toutes les parties live que tu vas faire avec les potes Et je t'assure que tu Les éclates Ouais, ouais, non, mais c'est clair que. Non, non, mais ça, c'est clair que. J'ai pas encore ça. Et je pense avoir beaucoup appris et beaucoup compris, tu vois, même par rapport à l'an dernier, notre coaching et tout, sur des bases, mais qui mettent du temps aussi, et l'expérience aussi de jeu. Euh, de mieux lire, tu vois, le truc, par exemple, de tête-tête, là, le 1.68. C'est un truc tout ouais. con. Mais c'est un truc qui parfois fait peur, et t'es en mode, ok, mais en fait, c'est aussi un pattern de joueurs de pouvoir, leur, de pouvoir concéder le OK, bah vas-y, je vais payer ça. Tu diras quoi, après c'est toujours à toi de parler. Est-ce que tu vas t'engager dans un x7 fois, fois derrière Peut-être, mais c'est à toi de faire le, de faire le, le coup. Quoi. Et, euh, et parfois, tu es même plus content quand il fait un 68 parce que tu sais où tu es. Ouais, exactement. Okay. Tu, retrouves, la, tu retrouves une si situation. 5, euh, Tout ouais. à fait, tu retrouves une situation et c'est as besoin d'être dans des rails. Bah écoute, You, merci énormément. Euh, c'était vraiment toi, trop bien. Merci c'était cool. Ouais, vraiment, euh, j'espère qu'on qu pourra se refaire ça euh, euh, à voir quand, parce que souvent, bon, là, là, il y en a pas mal, parce que bon, je continue à spawn, mais à la fin du mois, on se refera sûrement un truc de, de poker. Euh, dans le chat, là, on va balancer les merci PokerStars, les gars, euh, pour le fait de, bah, de vous remercier aussi d'être allé jusqu'au bout. Il euh, y a 25 tickets euh, de 20 euros chacun euh, grâce à PokerStars, donc euh, voilà, vous avez peut-être eu un peu mal à la tête. Euh, je sais que là, j'ai vu qu'il y a 1300 personnes qui se sont barrées euh, direct, parce que forcément, ça pouvait un peu... Un peu hérité, mais, euh, mais moi, c'est ce qui me plaît aussi. Donc, euh, donc euh, je suis très content, honnêtement. Merci énormément, You. Euh, on se recapte, nous, euh, bah, un de ces quatre, mais ça serait cool de pouvoir se dire que euh, là, on est quoi On est en avril euh, bon, mais, ouais. mais à voir quand, mais en août, septembre, j'en sais rien, tu vois, qu'on puisse se refaire un petit coaching, un petit truc comme ça. C'est toujours un moment sympa avec toi et tu m'apprends plein de choses. donc euh... bah, C'est un pur moment aussi. Et puis, euh, bah, ton, ton chat est, euh, est vraiment très, très cool en plus. Donc, euh, c'est euh, c'est un vrai, vrai plaisir de pouvoir répondre. Oh putain, il y a Sky. Ouais. À Sky, il s'est mis au poker, j'ai vu. Est, euh, lui, euh, lui... Sky, lui... Oui, oui, non, mais en plus, il est de manière... Euh, ah bah ben, lui, le il... connaissant, il est, il est à fond. Quand, quand il va dans un truc, il est à fond. Calcul de V, il y a une façon assez simple. En gros, le V correspond à combien ce que tu payerais représenterait sur le pot total avec ce qu'il vient de mettre et ce que tu mettrais. Si en payant ce que tu calls représente 25% du nouveau pot total, alors c'est 25% de V. Désolé pour le message, mais c'est peut-être plus simple à retenir. En payant ce que tu calls représente 25% du nouveau pot total. Ok, mais ça, du coup, c'est. Oui, mais ça dépend de tes mains aussi. Si en payant ce Non, en tu... fait, là, il te donne un L espèce ah, de. Ah, non, moyen... mais c'est ce que tu as besoin! D'accord, ouais. en fait, d'accord, oui. Euh... C'est en payant ce que tu coules en 25% du niveau total, alors total. Oui, donc par exemple, il y avait 50, le mec met 25, je mets 25 aussi, donc c'est 100 dans le total, donc ça veut dire que c'est 25% de V, et moi je dois retrouver dans mon premier tableau, donc du coup une configuration où j'ai minimum 25, donc euh, minimum 6 over... ou 7 out, quoi. Plutôt 7 out. Ouais, bah c'est c'est une bonne manière. Le but du jeu, c'est que toi tu trouves la meilleure manière pour toi de, de, de réussir à arriver à ce. À cette, euh, à cette bonne réponse. Moi, personnellement, j'étais pas du tout un matheux, donc j'ai tout appris par cœur. Ouais. Et j'ai essayé de comprendre après, en fait. Ouais, non, mais tu m'étonnes, c'est des tableaux de juste... Euh... Mais c'est vrai que oui, ouais. euh, quand t'as pas le profil, forcément, très mat et tout. Non, mais bah, en tout cas, euh, encore une fois, merci. Et euh, on se recap bientôt. Bonne soirée, You merci beaucoup. Yes. Bonne soirée à tous, merci beaucoup, gros bisous, ciao, ciao. Ciao. N'hésitez pas, vous pouvez suivre View aussi, hein, il est beaucoup sur PokerStarsFR, euh, il fait, il commente plein de tournois, là en plus ça a de bien passé, donc il joue aussi, il anime la chaîne la chaîne Twitch. Et euh, écoutez, très sympa cette soirée, on n'a pas gagné, mais euh, j'ai trouvé que j'ai bien joué, on a pris deux pas d'ingri, juste poker, quoi. j'avais 70%, il touche sa carte. C'est la vie, hein, c'est ça aussi le poker, et euh, il faut apprendre à ne pas être déçu de ça, parce qu'en en fait certes on sort, mais on sort, mais on sort en ayant bien joué. Et ça, c'est très beau. Nous, les amis, on se retrouve lundi, lundi, héros du gazon. Euh, voilà, c'est pas mal hein, déjà. Donc, euh, c'est déjà, c'est déjà solide. Bonne soirée, tout le monde. Ciao.